Bien-aimé, bonjour, c'est l'évangéliste, prophète, Elhaj Ekissi. Bienvenue sur Océan des Grâces TV. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette prière qui pour moi fait partie des prières les plus importantes qu'un chrétien doit faire. Nous sommes ici pour tuer la chair avec ses désirs et ses passions. Sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur afin de commencer cette prière. Élevons la voix et bénissons le nom de notre Dieu. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, mon Dieu, Dieu de miséricorde d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te loue pour ce moment. Je te loue pour ta grâce. Je te loue pour ta puissance. Je te loue pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que nous devons prier en tout lieu et en tout temps. Dans le respect de cette loi divine, Père, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour prier. Pour que, Père, ton esprit soit sur nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, par ma voix et par la voix de la personne qui est en train de suivre cette prière en ce moment, j'ai prié, Père, que ta volonté soit faite, que ton esprit vienne sur nous, que ton onction soit sur nous, afin que, Père, cette prière soit guidée et conduite par toi, par ton esprit et par ta puissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de ce que nous allons faire et dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, inspire-moi les paroles, conduis-moi, afin que, Père, ta volonté soit faite. Père éternel Dieu Tout-Puissant, protège mes pensées alors que je prie. Protège mon cœur alors que je prie. Protège mon âme alors que je prie. Tout ce que je voudrais, Père, c'est que tu viennes prendre le contrôle de mes pensées, de ma personne, de mon âme, de mon esprit, afin que toi seul, ton nom soit glorifié par-dessus tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas encore dire merci à Dieu, tu vas encore le louer, tu vas encore le magnifier, tu vas encore le célébrer, tu vas encore le glorifier, tu vas encore lui dire de prendre le contrôle de ce moment, tu vas encore demander à l'Esprit de l'Éternel de prendre le contrôle afin que la chair se taise. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ce moment, je bénis ton nom pour cette circonstance que tu crées. Je bénis ton nom parce que tu me permets de disposer le temps. Je bénis ton nom parce que tu me permets de m'adresser à toi. Je bénis ton nom parce que tu me donnes la force et le courage pour prier. Je bénis ton nom, Père, parce que tu me guides, tu me conduis, tu me couvres. Je bénis ton nom parce qu'il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre tout-puissant. Dieu tout-puissant, je bénis ton nom. Je te loue, t'exalte, te magnifie et te célèbre pour tous tes bienfaits. Seigneur Dieu tout-puissant, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de cette circonstance. Viens prendre le contrôle de ce que je vais dire. Viens prendre le contrôle de ce que nous allons dire et déclarer. Viens prendre le contrôle de cette prière. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de nos portes. Viens prendre le contrôle de nos familles. Viens prendre le contrôle des portes de notre cœur, pour que personne ne puisse les ouvrir pour nous atteindre. Viens prendre le contrôle des portes de nos pensées, pour que personne ne puisse nous atteindre par la pensée. Viens prendre le contrôle des portes de nos âmes, que personne ne puisse les contrôler. Il est écrit que les yeux et les oreilles sont les portes de l'âme. Père éternel Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle des portes de mon âme, afin que personne ne puisse m'atteindre. Agis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, ma prière, c'est que toute personne qui écoute cette prière soit transformée. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, lave-moi et transforme-moi. Les hommes ne peuvent voir seulement que mes défauts malgré mes efforts. Les hommes ne peuvent voir seulement que mes lacunes malgré mes efforts. Les hommes ne peuvent voir que mes limitations, que mes agissements, que mes faiblesses malgré mes efforts. Mais toi Dieu, tu ne regardes seulement que mes qualités, parce qu'aucun vivant sur terre n'est juste. Alors Seigneur, transforme-moi. Seigneur, transforme mes frères. Seigneur, transforme la personne qui prie avec moi. Transforme mon cœur. Transforme le cœur de ma femme. Rends-nous comme tu le veux. Seigneur, transforme le cœur de mes enfants. Transforme le cœur des membres d'Océan des Grâces. Seigneur, transforme les hommes et les femmes qui sont en train d'écouter cette prière. Seigneur, transforme mon cœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, transforme mon cœur au nom de Jésus. Transforme-nous, mets-y la tempérance, mets-y l'amour, la douceur. Transforme mon cœur. Seigneur, transforme le cœur de tous ceux qui sont autour de moi. Incline leur cœur vers ta volonté. Seigneur, incline mon cœur
toujours vers ta volonté. Incline mon cœur vers ta bonté. Incline mon cœur vers les bonnes choses. Seigneur, crucifie les désirs charnels dans mon cœur. Seigneur, crucifie les émotions charnelles dans mon cœur. Seigneur, transforme 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 mon cœur. Lave-moi par ton sang. Que je sois lavé dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me restaure. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me transforme. Seigneur Jésus, transforme mon cœur pour que je fasse ta volonté. Transforme mon cœur pour que les portes de l'âme soient fermées. Seigneur, transforme mon cœur. Transforme mon âme positivement. Seigneur, transforme mon cœur au nom de Jésus. Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur au nom puissant de Jésus. Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Transforme mon âme. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, transforme mes frères. Seigneur, transforme mes sœurs. Seigneur, transforme ma pensée. Seigneur, transforme mon corps. Seigneur, transforme mes pensées positivement. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, restaure-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, transforme mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier contre les œuvres de la chair. La Bible déclare en Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités et les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. La Bible déclare qu'une personne qui est idolâtre, c'est-à-dire tu aimes les choses du monde, tellement tu aimes les choses du monde que tu t'y attaches, la télé, les choses du monde, les habits, le matériel qui remplace Dieu dans ton cœur. L'idolâtrie, te courber derrière devant les statues qui deviennent, c'est-à-dire que toute chose que tu aimes au point de remplacer Dieu, toute chose que tu prends pour représenter Dieu, t'emmène en enfer. La Bible dit la magie, les inimitiés, les querelles, les gens qui aiment trop les querelles, toujours les querelles dans la maison. La Bible dit tu ne peux jamais accéder au ciel. La jalousie. Que Dieu nous délivre de la jalousie. Parfois nous sommes jaloux de l'évolution des autres. Nous sommes jaloux de la beauté des autres. Nous sommes jaloux de la grâce des autres. La Bible nous dit ici, selon la parole de Dieu, que la jalousie, ceux qui ont la jalousie ne peuvent jamais et entrer au ciel. La Bible parle des animosités, les disputes, les divisions et les querelles. Quand la Bible parle d'animosité, il s'agit de la violence verbale, violence émotionnelle, violence dans les actes, l'ivrognerie, les envies. On envie toujours les autres. On veut toujours avoir ce que l'autre a eu. On veut toujours faire ce que l'autre fait. On désire, on convoite. L'ivrognerie. Les buveurs, les alcooliques, ceux-là qui boivent de l'alcool, ceux-là qui s'enivrent de boissons alcoolisées. La Bible parle d'excès de table, les gens qui bouffent chaque minute, qui bouffent chaque seconde, qui bouffent. Tu es rassasié, mais tu bouffes. Les bouffent tout. Voilà, ceux à cause de qui il n'y a jamais rien dans le frigo. La Bible dit les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais du royaume de Dieu. Voici donc des choses que nous devons combattre, les œuvres de la chair. Alors bien aimé, tu vas détruire les œuvres de la chair pour commencer. Prions dans le nom de Jésus. Je détruis toutes les œuvres de la chair en moi au nom puissant de Jésus. Je prophétise la destruction de l'impudicité. Je prophétise la destruction de l'impureté. Je prophétise la destruction d'esprit de dissolution au nom de Jésus. Je détruis maintenant les idoles dans ma vie. Toute idole dans ma vie soit dégagée. Toute idole dans ma vie laisse place à Dieu dans le nom de Jésus. Je détruis les œuvres de la magie autour de nous. Les œuvres de la magie dans nos familles. La magie noire, la magie jaune, la magie de toutes sortes de magies, je les détruis dans le nom de Jésus. J'ai détruit toute œuvre de la magie dans ma chair. J'ai détruit toute œuvre de la magie autour de nous. J'ai détruit le pouvoir de la magie. J'ai détruit le pouvoir des inimitiés dans le nom de Jésus. J'ai détruit le pouvoir des esprits de querelle.
Que les esprits de querelle soient neutralisés. Que les esprits de jalousie soient neutralisés. Au nom de Jésus, je détruis les animosités. Je détruis l'esprit de dispute dans ma maison. Je les chasse au nom puissant de Jésus. Je chasse la jalousie de ma maison. Je chasse les animosités de ma maison. Je chasse les disputes de ma maison. Je chasse les disputes et les divisions. Les sectes, je vous neutralise au nom de Jésus. Je chasse les envies, l'ivrognerie, les excès de table, les choses qui amènent les gens en enfer. Je vous détruis au nom de Jésus. Je détruis les œuvres de la chair. 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 Au nom puissant de Jésus, je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Au nom puissant de Jésus, je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Au nom puissant de Jésus. Je crucifie ma chair. Je crucifie ma chair. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas neutraliser les désirs de la chair. Tu vas neutraliser ces désirs de la chair. Bien-aimé, si tu ne neutralises pas les désirs de la chair, tu ne peux pas accéder au ciel. Bien-aimé, tu vas neutraliser ces désirs-là qui emmènent les gens en enfer. Nous allons les traiter durement, comme Paul l'a dit. Paul dit qu'il a durement traité sa chair. Ça veut dire qu'il n'a pas laissé la chair lui dicter ce qu'il voulait. L'importance, bien-aimé, c'est de dicter à la chair ce que tu veux, mais pas d'être sous l'influence démoniaque de la chair. Beaucoup de chrétiens sont sous une influence démoniaque de la chair. Les esprits impurs prennent le contrôle de leur chair et ces personnes ne sont plus maîtres d'elles-mêmes. Bien-aimés, je vous ai raconté l'histoire d'un jeune homme qui est toujours conduit par des démons de la chair chez des prostituées en France. Il a dit, parfois même il est en pleine activité avec la prostituée et ses larmes coulent. Quand il revient, il s'en veut. Il prend la décision de ne plus y aller. Mais lorsque la chair se lève, il suit la direction sans savoir pourquoi. Beaucoup de gens sont sous une influence diabolique, une influence démoniaque de la chair. Ce qui veut dire qu'il y a une porte d'accès. Et le jour que la chair dit « fais ça », ils ne peuvent s'empêcher de se masturber. Et quand ils finissent, ils pleurent, ils s'en veulent, ils ont des remords. Et le jour où la bénédiction arrive encore, les démons de la chair viennent. « Fais ça !» Beaucoup de fois, les gens étaient près de leur bénédiction, tout près de recevoir leur grâce. Mais la chair s'est levée. Les œuvres de la chair, c'est la colère, les disputes, les querelles, l'idolâtrie, les choses que nous ne devrons même pas voir dans notre vie. Ce sont elles qui nous volent les bénédictions. La Bible parle de l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, de la jalousie. Bien-aimés, si nous ne détruisons pas les œuvres de la chair, c'est la chair qui risque de nous détruire. Selon Galates, nous devons détruire la chair et ses œuvres. Tu vas encore prier. Nous allons attaquer ces ennemis du salut. Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, que toute chose qui représente les ennemis de mon salut soit détruite au nom de Jésus. Je détruis les œuvres de ma chair. Je détruis les désirs charnels. Je détruis les envies charnelles. Je détruis toute chose dans ma vie qui veut remplacer Dieu. Toute chose dans ma vie qui représente les ennemis de mon salut. Les ennemis de mon salut. Je vous détruis dans le nom puissant de Jésus. Je détruis maintenant les désirs charnels. Je détruis maintenant les envies charnelles. Je détruis maintenant les passions charnelles. Je détruis maintenant toute chose qui veut contrôler ma vie, mon âme et mon esprit. Au nom de Jésus. Je détruis maintenant les œuvres de la chair. Par le sang de Jésus, je chasse tout esprit derrière les désirs de la chair. Par le sang de Jésus, je chasse tout démon derrière les œuvres de la chair. Par le sang de Jésus, je chasse tout esprit derrière les pensées charnelles.
par le sang de Jésus, je chasse tout esprit derrière les envies charnelles. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. Nous allons traiter ces esprits un à un. Mais il y a un esprit charnel que tu dois détruire. Cet esprit s'appelle la dépendance affective. Bien-aimé, si tu souffres de manière charnelle de la dépendance affective, il est difficile pour toi, bien-aimé, de te détacher du passé. Tu peux même souffrir d'une relation qui ne devrait plus être. Tu peux même souffrir du départ de quelqu'un parce que vous êtes charnellement et émotionnellement attaché. La dépendance affective vient du fait que la personne est charnellement attachée, liée fortement et émotionnellement connectée. Et tant que ce lien n'est pas brisé, bien-aimé, tu peux souffrir même d'un amour qui n'existe pas. Amen. La dépendance affective rend une personne esclave d'un amour qui n'existe pas. Cette personne est partie de ta vie. Elle ne te veut même pas. Elle ne te ressent même pas. Elle ne t'aime même pas. Mais tu es attaché à elle. La dépendance affective rend les gens esclaves. En fait, c'est une preuve que tu es soumise à quelqu'un qui te contrôle même étant absente. Normalement, dans les amitiés, l'amour doit être réciproque. Dans le mariage, l'amour doit être réciproque. Mais il peut se trouver que une personne qui aime plus l'autre peut dépendre d'elle émotionnelle. Et malheur pour toi, si cette personne est malveillante, elle peut utiliser ton amour excessif pour elle, pour te manipuler et parfois te faire du chantage émotionnel. Donc la dépendance affective est une œuvre de la chair. Amen. De la chair qui rend les gens esclaves d'une relation, esclaves d'un amour, esclaves émotionnellement et sentimentalement, à tel point que tu as l'impression que sans cette personne, tu ne peux pas vivre, que tu ne pourras pas survivre. Et c'est ce qui conduit les gens au suicide. Tu vas détruire le pouvoir derrière la dépendance affective. Dans l'amour comme dans l'amitié, il faut s'aimer et s'apprécier de manière réciproque. Mais quand l'amour et l'affection vont dans un seul sens, au point où c'est toi seul qui te débat dans cette relation, bien-aimé, tu es avec la mauvaise personne. Parce que dans l'amour comme dans l'amitié, tout doit être équilibré. Ou vous devenez l'esclave qui va faire tout pour garder la relation alors que l'autre s'en fout éperdument de vous. Le jour que vous lui dites, ok, c'est bon, elle s'en fout, elle admet, bye bye. Donc bien-aimé, tu vas détruire la dépendance affective. Prions dans le nom de Jésus. Je détruis les œuvres de la chair, créant la dépendance affective dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Je brise les œuvres de la chair. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Il est écrit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses désirs et ses passions. Je détruis maintenant toute dépendance affective. Je détruis maintenant toute dépendance émotionnelle. Je détruis maintenant toute dépendance sentimentale. Je détruis maintenant toute dépendance affective excessive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout envoûtement. Je brise tout ensorcellement. Je brise toute œuvre de la chair et je détruis la dépendance affective. Je détruis la dépendance émotionnelle. Je détruis la dépendance sentimentale au nom puissant de Jésus. Je réclame l'équilibre dans les relations. Je réclame l'équilibre dans les mariages. Je réclame l'équilibre dans les amitiés. Je réclame l'équilibre émotionnel, l'équilibre sentimental, l'équilibre dans les affections. Je réclame l'équilibre dans les pensées et je détruis l'esprit d'esclavage au nom puissant de Jésus. Je détruis l'esprit d'esclavage qui crée la dépendance affective. Je détruis les mauvais attachements. Je détruis la dépendance affective. Je détruis l'esprit et l'envoûtement derrière la,
la dépendance affective. J'ai détruit l'esprit de dépendance. J'ai détruit l'esprit d'esclavage. J'ai détruit l'esprit de dépendance affective. Au nom puissant de Jésus. Je brise l'emprise des démons charnels qui créent la dépendance émotionnelle. Je brise l'emprise des démons charnels qui créent la dépendance affective. Je brise l'emprise des esprits démoniaques qui créent la dépendance affective. Je brise l'emprise des esprits démoniaques qui créent la dépendance charnelle. Je brise l'emprise des esprits démoniaques qui créent la dépendance affective. Je brise le pouvoir des esprits qui créent la dépendance affective. Je brise l'emprise des esprits qui créent la dépendance affective. Je brise l'emprise des génies qui créent la dépendance affective. Je détruis les œuvres de la chair au nom puissant de Jésus. Que les œuvres de la chair soient détruites. Que les œuvres de la chair soient détruites. Que les œuvres de la chair soient détruites. Au nom de Jésus. Que les œuvres de la chair soient détruites. 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 Que les œuvres de la chair en moi soient détruites au nom puissant de Jésus. J'ai détruit l'œuvre de l'ennemi dans ma vie. J'ai détruit toute œuvre de l'ennemi dans ma chair. J'ai détruit toute œuvre de l'ennemi dans ma chair. J'ai détruit toute œuvre de l'ennemi dans ma chair. J'ai détruit toute œuvre de l'ennemi dans ma chair. J'ai détruit toute œuvre de l'ennemi dans ma chair. J'ai détruit toute œuvre de l'ennemi dans ma chair. Au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tout empoisonnement spirituel dans ma chair. J'ai détruit tout envoûtement dans ma chair. J'ai détruit tout empoisonnement dans ma chair. J'ai détruit toute chose dans ma chair. J'ai détruit toute chose que l'ennemi a semé dans ma chair, semé dans mes pensées, semé dans mon corps, semé dans mon âme, semé. J'ai détruit toutes les semences diaboliques dans ma chair. J'ai détruit toutes les œuvres de la chair. J'ai détruit les désirs charnels. J'ai détruit toute chose dans ma chair qui me rend esclave. Toute chose dans ma chair qui me rend esclave. Toute chose dans ma chair qui me rend esclave. J'ai détruit toute chose que le monde des ténèbres a semé dans ma chair. Toute chose qu'ils ont semé dans mon sang soit détruite au nom de Jésus. J'ai détruit maintenant, j'ai détruit aujourd'hui, j'ai détruit à l'heure même, j'ai détruit à l'heure même les œuvres de la chair, 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 l'idolâtrie et la magie, j'ai détruit les œuvres de la chair, l'idolâtrie et la magie, j'ai détruit les œuvres de la chair, l'idolâtrie et la magie, j'ai détruit les œuvres de la chair, l'idolâtrie et la magie, j'ai détruit les œuvres de la chair, l'impudicité et l'impureté, j'ai détruit les œuvres de la chair, l'impudicité et l'impureté, j'ai détruit les œuvres de la chair, l'impudicité et l'impureté, j'ai détruit les œuvres de la chair, au nom de Jésus. Bien-aimé, ce verset biblique est à prendre très au sérieux. Vous voulez réussir votre vie? Vous voulez atteindre vos objectifs? Vous voulez que Dieu s'approche de vous? Ici, Galates nous dit que les œuvres de la chair, telles que l'impudicité, l'impureté. Est-ce que vous savez combien les chrétiens se rendent impurs? Savez-vous combien nous nous rendons impurs? Bien-aimé, savez-vous combien de femmes sont allés coucher avec des hommes pervers qui vont même arroser leur visage avec leur semence, arroser leur corps, souiller leur corps. Et tout ce que ce monsieur a là, de mauvais en lui, transmet ça sur toi. Combien ont avalé ces bêtises? Quand la Bible parle d'impureté, ce sont les souillures, cette vie des souillures, cette vie où on se souille tout en se rend impur par les colères, les disputes, les querelles. Et ce sont les esprits qui sont derrière. Les esprits qui sont derrière. La Bible dit que Dieu est saint. Et que si nous voulons l'approcher, nous devons le faire dans la sainteté. Mais bien aimé, avec ce genre de vie que les gens ont là, avec ce genre de comportement sexuel, croyez-vous que les gens peuvent être facilement purs? Même pas. Il y a des femmes qui le veulent, mais l'homme n'est pas d'accord. Il y a des hommes qui le veulent, mais la femme n'est pas d'accord. Pour eux, vivre ensemble représente qu'il faut faire toutes les folies. Or, la parole de Dieu déclare clairement que le lit conjugal doit être exempt de toutes sortes de souillures. Bien-aimé, tu vas détruire les esprits pervers, les esprits impurs, les démons
derrière l'impureté. Pour que les gens puissent avoir des relations normaux, des relations où on n'exagère pas, où on ne copie pas toutes les folies qu'on voit dans les télés et dans les films et dans les trucs. Tu vas détruire le pouvoir des esprits derrière l'impureté, l'impudicité et la dissolution. Je ne t'accuse pas, mais je t'enseigne, bien-aimé, pour que tu puisses avoir la puissance de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je détruis les œuvres de la chair, telles que l'impureté, la dissolution, la médisance et les querelles. Je les détruis et je les bannis de ma vie. Je détruis maintenant tout pouvoir qui est derrière l'impureté. Je détruis à l'instant même tout pouvoir qui est derrière l'impudicité. Je détruis le pouvoir de tout esprit qui est derrière les œuvres de la chair, qui est derrière la dissolution. Je détruis le pouvoir de tout esprit idolâtre au nom de Jésus. Je refuse d'être un idolâtre comme mes parents. Je détruis maintenant toute sémence. Je détruis à l'heure même toute sémence de mes parents en moi. Je détruis maintenant toute sémence de l'idolâtrie, du fétichisme, des œuvres, de la sorcellerie familiale. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Je détruis toutes les sémences du monde des ténèbres dans ma vie. Je détruis toutes les sémences des occultistes dans ma vie. Je détruis toute chose dans ma vie qui vient de mes ancêtres. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tu vas détruire tout. Tu vas reprendre encore cette prière. Nous allons beaucoup insister là-dessus. Nous sommes là pour une délivrance. Frère, il est temps que les portes de ton âme soient fermées. Vous voyez, la fois passée, ma femme a partagé un message avec moi. Un message qu'elle a écouté. Et ce que l'homme de Dieu a dit est tellement vrai. Il a bien dit que quand tu viens d'une famille idolâtre, les sémences de l'idolâtrie sont dans ton sang. Mais en même temps, Dieu t'a aussi choisi. Alors, il y aura un combat entre les œuvres de tes parents dans ton sang et la volonté de Dieu pour toi. Voici la raison pour laquelle beaucoup finissent par faire ce que leurs parents ont fait, à vivre comme leurs parents et autres. Bien-aimé, tu vas profiter de cette occasion pour détruire toute sémence de tes parents dans ton sang et dans ta chair. Au nom de Jésus, prions. Je détruis toute œuvre de la chair. Toute œuvre de la chair dans ma vie. Je détruis les désirs de la chair. Je détruis les envies dans ma chair. Je détruis les faiblesses de ma chair. Au nom puissant de Jésus. Toute sémence de mon père en moi soit consumée. Toute œuvre de mon père, de ma mère, dans ma chair, soit consumée au nom puissant de Jésus. Je crucifie maintenant la vie de mon père dans ma chair, la vie de ma mère dans ma chair. J'expulse tout esprit qui vient de ma famille, de ma chair et de mon sang. De ma chair et de mon sang, je détruis toute œuvre de la chair. Je détruis toute vie de ma mère en moi. Je détruis toute vie de mon père en moi. Je détruis toute vie de mes ancêtres en moi, au nom puissant de Jésus. Je détruis le fétichisme dans mon sang. Je détruis le fétichisme et l'idolâtrie dans mon sang. Je détruis l'occultisme dans mon sang. Je détruis toute œuvre de la sorcellerie dans mon sang, au nom puissant de Jésus. Je détruis les sémences de la sorcellerie inconsciente. Je détruis les sémences de l'envoûtement. Je détruis les sémences de la chair. Je détruis toute chose que le monde des ténèbres a transféré dans ma chair, depuis mon père à moi, depuis ma mère à moi, depuis ma famille à moi, depuis mes ancêtres à moi. Je détruis toute chose que le monde des ténèbres a transféré dans ma chair. Je détruis toute chose que le monde des ténèbres a transféré dans la chair de mes enfants. Je détruis toute chose que le monde des ténèbres a transféré de moi à mes enfants, de mes parents à moi, de mes ancêtres à moi, au nom de Jésus. Ma vie ne sera pas la continuité de la vie de quelqu'un qui est décédé. Ma vie ne sera pas la continuité de la vie de quelqu'un d'autre. Mais bien-aimé, prie, sois concentré, prie. Ma vie ne sera pas la continuité de la vie de mon père. Ma vie ne sera pas la continuité de la vie de ma mère. Ma vie ne sera pas la continuité de la vie de mon homonyme. Alors, je détruis toutes les sémences de mon homonyme à moi. Je détruis tous les esprits. Je détruis toute sémence. Je détruis tous les pouvoirs sataniques. Je détruis toutes les sémences de mon homonyme à moi. Toutes les sémences de ma grand-mère. Toutes les sémences de mes oncles. Toutes les sémences de mes ancêtres. Toutes les sémences de mes grands-parents. Toutes les sémences venant des gens de ma famille. Toutes les sémences venant des hommes de ma famille. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Je détruis toute œuvre de la chair
qui combat mes destinées. J'ai détruit toutes les semences de mon père à moi, toutes les semences de mon grand-père à moi, toutes les semences de ma mère, toutes les semences de mes ancêtres, toute chose en moi qui vient des temps anciens soit détruite au nom de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Et j'expulse de mon sang, de mon corps, de mon âme. J'expulse de mon sang, de mon corps, de mon âme les erreurs de mes ancêtres. J'ai détruit toute erreur de ma mère dans mon sang. J'ai détruit toute erreur de mon père dans mon sang. J'ai détruit toute erreur de mes ancêtres dans mon sang. J'ai détruit les erreurs dans mon sang, les problèmes dans mon sang, les caractères dans mon sang, les œuvres de la chair de mes ancêtres, les œuvres de la chair de mes parents. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. J'ordonne à toute chose qui vient des temps anciens, qui vient de mes ancêtres, qui vient de mes parents, qui vient de mes géniteurs, de sortir de ma chair. Sors, 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 je te l'ordonne. Sors, 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 je te l'ordonne. Sors, 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 je te l'ordonne. Sors, 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 au nom puissant de Jésus. Mon corps ne sera pas le temple de l'esprit d'un ancêtre. Mon corps ne sera pas le temple de l'esprit de quelqu'un de ma famille. Mon corps ne sera pas le temple de l'esprit d'un mort, au nom de Jésus. J'ordonne que tout ancêtre incarné en moi soit chassé, tout démon incarné en moi soit chassé, tout esprit qui ne vient pas de Dieu dans mon corps soit chassé, tout démon qui ne vient pas de Dieu dans mes pensées, dans ma chair, dans mon âme, soit chassé, soit chassé, soit chassé, tout grand-parent qui vient en moi soit chassé, tout démon qui vient en moi soit chassé, tout esprit qui vient en moi soit chassé, tout démon, tout génie, tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu soit chassé au nom de Jésus. Je refuse que ma vie soit la vie de quelqu'un d'autre. Je refuse que mon corps soit le temple des ancêtres. Je refuse que mon corps soit le temple des tantes. Je refuse que mon corps soit le temple de quelqu'un d'autre. Au nom puissant de Jésus. Je chasse de ma vie tout esprit qui ne vient pas de Dieu. Je chasse de ma vie tout pouvoir qui a pris possession de ma chair, qui a pris possession de mon corps, qui a pris possession de mes pensées. Je te chasse au nom de Jésus. J'ai détruit les œuvres de la chair qui viennent de mes ancêtres. J'ai détruit les œuvres de la chair qui viennent de mon passé. J'ai détruit les œuvres de la chair qui viennent des amis. J'ai détruit les œuvres de la chair qui viennent des anciennes relations. Je les détruis, 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 je les détruis au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tout pouvoir qui a pris possession de ma vie. J'ai détruit toute chose qui a pris possession de ma vie. J'ai détruit toute chose qui contrôle ma vie, qui contrôle ma vie, qui dirige ma vie, mais qui ne vient pas de Dieu. J'ai détruit les paroles, j'ai détruit les œuvres de la chair. J'ai détruit tout ce que l'ennemi utilise pour contrôler ma chair, ses désirs et ses passions. J'ai détruit les œuvres de la chair. J'ai détruit les œuvres de la chair. J'ai détruit les pensées qui viennent des ancêtres. J'ai détruit les semences de la chair au nom de Jésus. J'ai détruit toutes semences de mes ancêtres dans mon sang. J'ai détruit toute œuvre de mes ancêtres dans mon sang. J'ai détruit toute semence de mes parents dans mon sang. J'ai détruit toute chose, toute vie, toute vie, toute vie, toute vie antérieure de mes ancêtres dans mon sang. La vie antérieure de ma famille dans mon sang. La vie antérieure, les échecs, les souffrances, les douleurs dans mon sang. J'ai détruit tout. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Au nom puissant de Jésus. Je crucifie ma chair. Je crucifie ma chair et je chasse les esprits d'impudicité, les esprits d'impurité, les esprits de dissolution, les esprits d'idolâtrie, les esprits de la magie, les esprits des inimitiés, les esprits de querelles dans ma chair, dans mon sang. Je vous chasse, je vous lis, les esprits de jalousie. La jalousie soit crucifiée, 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 la jalousie soit crucifiée. Tu sors de ma vie, 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 tu ne m'amèneras pas en enfer.
Esprit de jalousie, tu ne m'amèneras pas en enfer. Tu ne m'amèneras pas en enfer. Tu ne m'amèneras pas en enfer. Au nom de Jésus, esprit d'animosité, j'ai détruit les animosités. J'ai détruit les animosités. J'ai détruit tout esprit derrière les animosités. Tout esprit derrière les animosités, les disputes. Tout esprit derrière les divisions. Je te détruis et je te chasse au nom de Jésus. Je te détruis et je te chasse au nom de Jésus. Tout esprit derrière les sectes, derrière les envies. Je te détruis et je te chasse. Je te détruis et je te chasse. Je te détruis et je te chasse. Je te détruis et je te chasse au nom de Jésus. Tout esprit derrière les excès des tables, au nom de Jésus, je te chasse de ma vie, je te chasse de la vie de mes enfants, je te chasse de la vie des membres de cette église. Esprit derrière l'ivrognerie, esprit derrière les envies, esprit derrière les querelles, esprit derrière les divisions, esprit derrière la médisance, je te détruis, 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 sors de ma vie. Sors, tout esprit derrière les choses qui emmènent les gens en enfer. Tu ne m'emmèneras pas en enfer. Tu ne m'emmèneras pas en enfer. Au nom de Jésus, j'ai détruit l'esprit derrière la colère, les disputes, les rancunes. J'ai détruit l'esprit derrière la colère, les disputes et les rancunes. J'ai détruit l'esprit derrière la peur. J'ai détruit les œuvres de la chair. J'ai détruit maintenant le pouvoir derrière la dissolution. J'ai détruit le pouvoir derrière les querelles. J'ai détruit le pouvoir derrière les divisions. J'ai détruit le pouvoir derrière derrière l'idolâtrie. J'ai détruit le pouvoir derrière la magie. J'ai détruit le pouvoir derrière les inimitiés. J'ai détruit le pouvoir derrière les querelles dans la maison, dans les maisons, dans les foyers, partout dans le monde. J'ai détruit le pouvoir. J'ai détruit le mystère de l'iniquité au nom de Jésus. J'ai détruit le pouvoir et l'esprit de l'iniquité qui agit dans le monde. J'ai détruit le pouvoir et l'esprit de l'iniquité qui agit dans le monde. J'ai détruit le pouvoir et l'esprit d'iniquité qui agit dans le monde. Je brise et j'ai détruit toutes les armes que le diable est en train d'utiliser dans ces derniers temps. Je brise et j'ai détruit toutes les armes que le monde des ténèbres est en train d'utiliser dans ces derniers temps. Je brise et je détruis toutes les armes que la sorcellerie est en train d'utiliser contre nous dans ces derniers temps. Je brise et je détruis les pièges mystiques. Je brise et je détruis les pièges de séduction. Je brise et je détruis les pièges de la chair. Je brise et je détruis les pièges d'idolâtrie. Je brise et je détruis les pièges mystiques. Je brise et je détruis les pièges dans les fausses églises. Je brise et je détruis les pièges dans les fausses prédications. Je brise et je détruis les pièges et les choses et les armes que le monde des ténèbres est en train d'utiliser dans ces derniers temps. Je brise et je détruis au nom de Jésus. Je brise et je détruis le piège de la séduction, le piège de la manipulation, le piège de l'hypocrisie, le piège de la jalousie, le piège de la haine, le piège de la division, le piège des critiques. Je brise et je détruis toutes les armes des critiques, des médisances que le monde des ténèbres est en train d'utiliser dans ces derniers temps. Je brise et je détruis toutes les armes d'impudicité, d'idolâtrie. Je brise et je détruis toute arme d'idolâtrie forgée contre moi. Je brise et je détruis toute arme de la jalousie forgée contre moi. Je brise et je détruis les animosités. Je brise et je détruis les disputes. Je brise et je détruis les divisions. Je brise et je détruis les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables. Je brise et je détruis toutes les choses que le monde des ténèbres veut utiliser pour m'emmener en enfer. Je brise et je détruis les maladies que le monde des ténèbres utilise dans ces derniers temps. Je brise et je détruis les maladies que le monde des ténèbres utilise dans ces derniers temps. Je brise et je détruis les maladies que le monde des ténèbres utilise. Les accidents vasculaires, les crises cardiaques, les trucs, les maladies de gorge. Je brise et je détruis tout ce que le monde des ténèbres utilise pour attaquer l'église de Jésus-Christ en ces derniers temps. Je prophétise la destruction du plan de Lucifer. Je prophétise la compromission du plan de Lucifer. Qu'il y ait des compromissions. Que leur plan soit compromis. Que leurs œuvres soient compromises. Que leurs projets soient compromis. Que leurs rêves soient compromis. Que leurs visions soient compromises. J'ai détruit maintenant toutes les œuvres du monde des ténèbres. Autour de ma vie. Autour de ma famille. Autour de mes enfants. J'ai détruit toutes les ruses du monde des ténèbres. J'ai détruit toutes les ruses du monde des ténèbres. J'ai détruit toutes les ruses du monde des ténèbres utilisées dans ces derniers temps.
J'ai détruit toutes les fausses amitiés utilisées par le monde des ténèbres dans ces derniers temps. J'ai détruit toutes les fausses relations utilisées par le monde des ténèbres dans ces derniers temps. J'ai détruit toutes les armes de séduction, de manipulation, de tromperie. J'ai détruit toutes les armes de séduction, de manipulation, d'influence, de domination. J'ai détruit toutes les armes que le monde des ténèbres utilise dans ces derniers temps pour dominer l'Église de Jésus-Christ. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis toutes les armes, toutes les ruses d'influence et de manipulation, de contrôle et d'intimidation. Je détruis toutes les armes que le monde des ténèbres est en train d'utiliser dans ces derniers temps contre l'Église de Jésus-Christ. Je brise et je détruis les pièges et les ruses, les armes du monde des ténèbres. Je détruis toutes les armes avec lesquelles ils me combattent. Les armes de séduction, les armes de division, les armes de querelle, les armes de haine, les armes par lesquelles ils veulent me vaincre. J'ai détruit toutes les armes par lesquelles ils veulent atteindre ma chair, mon âme, mon esprit et mes pensées. J'ai détruit toutes les armes que le monde des ténèbres est en train d'utiliser. Les armes de la magie, j'ai détruit les armes de la magie. J'ai détruit les armes utilisées depuis le monde astral. J'ai détruit les armes utilisées par le monde des ténèbres depuis le monde astral, depuis le monde astral, depuis le monde astral, depuis le monde astral, depuis le monde astral. J'ai détruit maintenant toutes les armes utilisées par la sorcellerie pour faire voyager les gens dans le monde des ténèbres, dans le monde astral, dans le monde de Lucifer. J'ai détruit toutes les ruses et tous les pièges, toutes les ruses et tous les pièges. Je les détruis au nom de Jésus. J'ai détruit maintenant toutes les ruses que le monde des ténèbres a mises en place pour capturer mon âme. J'ai détruit toutes les ruses, tous les pièges qu'ils ont mis en place pour capturer ma destinée. J'ai détruit toutes les ruses, tous les pièges que le monde des ténèbres a mis en place pour me capturer, pour me lier, pour me bloquer au nom puissant de Jésus. J'ai détruit toutes les ruses et tous les pièges que le monde des ténèbres a mis en place pour m'attirer dans l'idolâtrie, pour m'attirer dans la magie, pour m'attirer. J'ai détruit toutes les ruses. J'ai détruit toutes les ruses. J'ai détruit tous les pièges. J'ai détruit toutes les ruses. J'ai détruit tous les pièges dans les fausses prédications. Dans les fausses prédications, j'ai détruit les œuvres de la magie. J'ai détruit les œuvres de l'idolâtrie. J'ai détruit les œuvres du bouddhisme. J'ai détruit les œuvres des œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus, j'ai détruit les œuvres de la sorcellerie chinoise. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie arabe. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie africaine. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie européenne. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. J'ai détruit les œuvres de la magie anglaise. J'ai détruit les œuvres de la magie française. J'ai détruit les œuvres de la magie africaine. J'ai détruit les œuvres de la magie arabe. J'ai détruit les œuvres de la magie béninoise. J'ai détruit les œuvres de la magie ivoirienne. J'ai détruit les œuvres de la magie africaine. J'ai détruit les œuvres de la magie, les œuvres de la chair, les œuvres de la magie au nom puissant de Jésus. J'ai détruit les œuvres de la magie camerounaise. J'ai détruit les œuvres de la magie sénégalaise. J'ai détruit les œuvres de la magie orientale. J'ai détruit les œuvres de la magie. J'ai détruit les œuvres de la magie congolaise. J'ai détruit les œuvres de la magie ivoirienne. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie et de la magie. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie et de la magie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit les œuvres de la sorcellerie et de la magie dans l'église. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie et de la magie, de la sorcellerie et de la magie, de la sorcellerie et de l'occultisme dans l'église. J'ai détruit les œuvres de l'occultisme dans l'église. J'ai détruit les œuvres de l'occultisme dans l'église. J'ai détruit les œuvres, j'ai détruit les œuvres et je chasse les esprits derrière l'occultisme dans l'église. Les esprits derrière l'occultisme, les esprits derrière l'occultisme, les esprits derrière les pratiques diaboliques dans l'église. J'ai détruit les œuvres de la chair, les œuvres de l'iniquité, les œuvres de la chair, les œuvres de l'iniquité dans ma maison, dans la vie de mes proches, dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Je brise maintenant le pouvoir des faux enseignements que le monde des ténèbres utilise pour capturer les âmes. J'ai détruit le pouvoir des fausses prédications que le monde des ténèbres utilise pour capturer des âmes. J'ai détruit le pouvoir des faux rituels que le monde des ténèbres utilise pour capturer les âmes. J'ai détruit le pouvoir des fausses prédications que le monde des ténèbres utilise pour capturer des âmes. J'ai détruit le pouvoir des fausses prédications que le monde des ténèbres utilise pour vendre des âmes. Je délivre toute personne qui est sous l'emprise de Lucifer dans ma maison.
Je délivre ma vie de l'emprise de Lucifer. Je délivre mes enfants de l'emprise de Lucifer. Je délivre mon église de l'emprise de Lucifer. Je délivre mes frères et sœurs de l'emprise de Lucifer. Au nom de Jésus. Je détruis les œuvres de la chair. Je détruis les œuvres de la chair. Je détruis le pouvoir de l'impudicité. Le pouvoir de l'impureté. Le pouvoir de la dissolution. Le pouvoir de l'idolâtrie. Le pouvoir de la magie. Le pouvoir de l'inimitié. Je détruis le pouvoir des querelles. Je détruis le pouvoir des querelles. Je détruis le pouvoir derrière les disputes. Au nom de Jésus. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière les divisions. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière les sectes. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière les envies. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière l'ivrognerie. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière la consommation du tabac. L'esprit d'ivrognerie, l'esprit de cigarette, l'esprit démoniaque derrière la cigarette. Je te chasse de la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je brise et je détruis. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière la drogue. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière la jalousie, derrière la haine, derrière la rancune, derrière les querelles. Au nom de Jésus, je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière l'avarice. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière l'égoïsme. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière la division. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière les jugements, derrière les critiques, derrière la médisance. Je brise et je détruis, je brise et je détruis, je brise et je détruis, je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière l'irritation. Je brise et je détruis, je brise et je détruis, je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit de dispute, le pouvoir de l'esprit de rébellion, le pouvoir de l'esprit de dispute, le pouvoir de l'esprit de désobéissance, le pouvoir de l'esprit de dispute au nom de Jésus. Je brise et je détruis le pouvoir de l'esprit derrière les disputes, derrière l'ivrognerie, derrière les désirs charnels. Au nom puissant de Jésus, je brise et je détruis tous les rituels effectués par le monde des ténèbres pour arriver à leur fin. Les rituels pratiqués sur ma photo, les rituels pratiqués sur mon nom, les rituels pratiqués sur ma date de naissance, les rituels pratiqués sur moi, avec ma photo, avec ma date de naissance, avec mon nom de famille, avec mon nom complet, avec le nom de mon ministère. Je brise et je détruis les rituels, les sacrifices. Je brise et je détruis les rituels, les pratiques, les libations. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les œuvres de la chair soient neutralisées. Que toutes les œuvres de la chair soient neutralisées, soient neutralisées, soient neutralisées, soient crucifiées, soient neutralisées, soient crucifiées, soient neutralisées. Je chasse les démons derrière ces œuvres. Je chasse tout démon derrière l'idolâtrie dans ma famille, dans ma vie, dans l'église. Tout démon derrière l'idolâtrie, tout démon derrière la magie, tout démon derrière les inimitiés, tout démon derrière les querelles, tout démon derrière la jalousie, tout démon derrière les animosités dans les couples, dans les amitiés, tout démon derrière les disputes, tout démon derrière les divisions, tout démon derrière les sectes. Je te chasse, je te chasse, je te chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Tout démon derrière les envies, tout démon derrière l'ivrognerie, tout démon derrière les excès de table, tout démon derrière tout comportement qui emmène les gens en enfer. Je vous chasse, 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 je vous chasse. Tout démon derrière la distraction, tout démon derrière la paresse. Tout démon derrière la lourdeur, tout démon derrière la négligence et la procrastination. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse de ma vie, je vous chasse de l'église, je vous chasse de la vie des enfants de Dieu, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse de la vie de toute personne qui est en train de faire cette prière. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse de la vie de mes enfants. Tout démon qui vient du monde passé, qui vient de la vie passée, qui vient du monde ancestral. Je te chasse au nom de Jésus. Je détruis maintenant toutes les semences de mes ancêtres à moi. Je détruis maintenant toutes les semences de ma famille à moi. Toutes les semences de mon père. Toutes les mauvaises semences de mon père et de ma mère. Toutes les mauvaises semences des membres de ma famille. Je détruis les dépôts sataniques à moi. Je détruis toutes les semences qui ont été laissées dans ma vie par des amis que j'ai connus. Par des hommes et des femmes avec qui j'ai marché dans le passé. J'ai détruit toutes les semences venant des hommes et des femmes, venant des hommes et des femmes,
venant des hommes et des femmes, venant des hommes et des femmes, venant des hommes et des femmes, avec qui j'ai marché, avec qui j'ai échangé, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, et je brise les liens, je brise les chaînes, je brise les paroles, je brise les cordes, je brise les liens, je brise l'emprise de ces personnes sur ma vie, je brise l'influence de ces personnes sur ma vie, je brise le lien de ces personnes sur ma vie, je brise le pouvoir de ces personnes, je brise les liens qui ont été conçus, les liens qui ont été scellés, les liens des paroles, les liens des pensées, les liens émotionnels, les liens des paroles, les liens charnels, les liens d'attachement émotionnel et sentimental qui fatiguent les enfants de Dieu. Je les brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, la chair peut rendre quelqu'un esclave. Savez-vous combien de femmes n'arrivent pas à se détacher de leur passé? Elles pensent en cachette même à leur passé. Savez-vous combien d'hommes n'arrivent pas à se détacher de leur passé? Le passé les suit. Tout ce que les gens t'ont fait là, tu n'arrives même pas à oublier. C'est ton carnet de route. Tous les hommes avec qui tu as vécu là, ces nombreux hommes là, tu n'arrives pas à les oublier. Tu es attaché, esclave dans le passé. Toutes les femmes que tu as connues, tu n'arrives même pas à les détacher. Normalement là, ton passé ne doit pas te suivre tout le long de ta vie. Combien sont esclaves, parfois même des relations qui n'existent pas, d'amour qui n'existe pas. Ils prétendent avoir le meilleur amour de leur vie, mais c'est de l'esclavage. Bien aimé, tu vas demander à Dieu de te délivrer de ton passé. De te délivrer de ton passé. Si tu penses constamment à ton passé, c'est que tu es esclave. Bien aimé, pour avoir la paix dans ma vie, j'ai brisé les liens avec mon passé. J'ai détruit avec mon passé. Parce que je ne veux pas être hypocrite dans une relation où je fais croire à quelqu'un que je l'aime alors que je pense à mon passé. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes sont esclaves de leur passé. Hypocrites, bien sûr, dans des relations où leurs pensées sont dans le passé. Leur vie, là, c'est dans le passé. Leur conscience, c'est dans le passé. Non, bien aimé, le passé, là, qui n'a même pas été bon, et aujourd'hui, tu es là, tu regrettes tes actions, ça te suit toute la vie. Pourquoi? Tu vas détruire ces liens néfastes qui empêchent beaucoup d'entrer dans leur destinée. Beaucoup sont restés esclaves. Tous les jours, quand ils font rêve, ils sont dans des classes où ils n'arrivent même pas à trouver des réponses à leurs questions. Ils échouent seulement. Ils sont liés à une vie passée. Vécu chez ta tante? Oui, tu as vécu. Vécu chez tes parents? Oui, tu as vécu. Mais bien aimé, quand tu n'arrives pas à te détacher de ces choses, ça t'empêche de vivre ta vraie vie. Tu vas détruire tous les liens charnels du passé. Tu vas détruire tous les liens émotionnels du passé. Tu vas détruire toutes ces choses qui te rendent esclave de ton passé. Combien d'hommes et de femmes ne peuvent s'exprimer sans faire négativement référence au passé? Bien aimé, si seulement on peut parler du passé à titre de témoignage, c'était bon, mais beaucoup. L'irritabilité, l'irritation, la colère qui les anime, la haine, la frustration et la tristesse qui les anime lorsqu'ils pensent à leur passé, qu'ils parlent de leur passé, bien aimé, on sent qu'ils sont des gens qui sont bloqués dans le passé. Si tu fais partie de ces personnes qui ont été blessées, offensées, au point que ton passé te suit, tu es esclave, tu as besoin de délivrance. Ta chair doit être délivrée. Prions dans le nom de Jésus. Bien aimé, tu vas encore prier. Amen. Prions dans le nom de Jésus. Je brise tous les liens du passé qui me retiennent loin de la volonté de Dieu. Je brise tous les liens occultes qui me retiennent loin du passé. Répète avec moi. Je refuse d'être esclave de mes échecs passés. Je refuse d'être esclave de mes limitations passées. Je refuse d'être esclave des offenses passées. Je refuse d'être esclave des histoires passées. Je refuse d'être esclave des trahisons passées. Je refuse d'être esclave des amitiés passées. Je refuse d'être esclave des liens passés. Je refuse d'être esclave d'une vie passée. Je refuse d'être esclave d'un amour passé. Je refuse d'être esclave d'une relation passé. Je me détache, esprit, âme et corps.
de toute expérience douloureuse passée, au nom de Jésus. Je me détache, esprit, âme et corps, de toute trahison passée. Je me détache, esprit, âme et corps, des amitiés passées, pardon. Je me détache, esprit, âme et corps, des enfances douloureuses. Je me détache, esprit, âme et corps, des mauvais vécus du passé. Je me détache, esprit, âme et corps. Et je détruis tous les liens auxquels je suis lié dans le passé. Je détruis tous les liens auxquels je suis attaché dans le passé. Je détruis tous les liens auxquels je suis relié au passé. Je brise les liens. Je brise les chaînes. Je brise les liens. Je brise toute chose qui empoisonne ma vie et me retient dans le passé au nom de Jésus. Je brise toutes les paroles, je brise tous les souvenirs, je brise tous les événements, je brise les offenses, je brise l'emprise des offenses, l'emprise des blessures, l'emprise des abandons, l'emprise des échecs, l'emprise du rejet. Je brise l'emprise de toute chose qui est encore dans mon cœur. Sors de mon cœur au nom de Jésus. Sors de mon cœur, sors de mon cœur, sors de mon cœur, sors de mon cœur. Je brise l'emprise de toute chose qui est dans mes pensées. Je brise l'emprise de toute chose qui est dans mon âme. Je brise l'emprise de toute chose qui est dans ma vie. Je brise l'emprise de toute chose qui est dans ma chair. Je brise l'emprise de toute chose qui est dans ma vie. Je brise l'emprise de toute chose qui est dans mon âme. Au nom puissant de Jésus. Je détruis toute influence démoniaque du passé sur ma vie. J'ai détruit toute influence maléfique des amis sur ma vie. J'ai détruit toute influence négative des années passées sur ma vie. J'ai détruit toute influence des temps passés sur ma vie. J'ai détruit toute influence et je me libère de toute influence. J'ai détruit et me libère de toute influence des années passées. Je me libère, je me délie et je détruis maintenant toute influence des années passées sur ma vie. J'ai détruit et je me libère de toute influence des temps passés sur ma vie. J'ai détruit et me libère de toute influence des années passées sur ma vie. J'ai détruit et me libère de toute influence des temps passés sur ma vie. J'ai détruit et me libère de toute influence des échecs passés sur ma vie. J'ai détruit et me libère de toute influence des paroles qui ont été dites contre moi dans le passé. J'ai détruit le pouvoir des injures, le pouvoir des critiques, le pouvoir des offenses, le pouvoir des influences démoniaques. J'ai détruit 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 le pouvoir des influences démoniaques sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. J'ai détruit toute influence de l'ennemi sur ma vie. J'ai détruit toute influence du pouvoir de l'ennemi sur ma vie. J'ai détruit toute influence du pouvoir de l'ennemi sur ma vie. J'ai détruit toute influence néfaste des hommes et des femmes sur ma vie. J'ai détruit toute influence néfaste, toute influence occulte des hommes et des femmes sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. J'ai détruit toute influence néfaste des hommes du passé, des femmes du passé, des ancêtres, des gens sur ma vie. Je brise et je détruis le pouvoir de ces personnes. Je brise et je détruis le pouvoir de ces événements. Je brise et je détruis le pouvoir de ces incidents. Je brise et je détruis le pouvoir de la vie passée sur ma vie. Au nom de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Au nom de Jésus. Tout esprit derrière l'irritabilité, je te chasse au nom de Jésus. Tout esprit derrière l'irritation et la colère, je te chasse. Esprit de dispute, je te chasse. Esprit de désobéissance, je te chasse. Esprit charnel, je te chasse au nom de Jésus. Il est écrit que tous ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses désirs et ses passions. Au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir démoniaque qui mord et dévore ma chair, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé. Soit consumé, soit consumé,
soit consumé. Tout esprit dévoreur, tout esprit charnel, tout esprit de querelle, tout esprit de médisance, tout esprit de haine, tout esprit de querelle. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse de mon église. Je vous chasse de mon église, je vous chasse de mon église. Je vous chasse de ma vie, je vous chasse de ma maison. Je vous chasse de mon foyer. Je vous chasse de l'église de Jésus-Christ. Je vous chasse, 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 je vous chasse. Au nom de Jésus, amen. Frère, sœur, il est temps que tu cesses de parler des autres. Mon frère, il est temps que tu cesses de parler des autres. Bien-aimé, tes amis peuvent t'emmener en enfer et puis eux, ils vont être sauvés. Tes frères peuvent t'emmener en enfer et puis eux, ils vont être sauvés. Ma sœur, les gens dont tu parles matin, midi, soir là, peuvent te détruire. Frère, Galates 5, verset 15 dit quoi? Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc vous voyez les querelles. Telle affaire, telle affaire, telle affaire. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont un esprit de « on m'a fait ça, tu vas beau parler, il n'échange jamais. » Frère, les mauvaises compagnies corrompent vraiment les bonnes mœurs. Il y a des gens en présence de qui tu ne peux jamais te garder des disputes, des querelles, de la médisance. C'est pour ça, nous et notre maison, nous devons vraiment faire attention. La parole de Dieu déclare quelque chose de très important que j'aimerais que nous lisons. Dans le livre de Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 2 Pierre 2, verset 1, dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. 1 Jean 3, verset 15 dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est fort. Donc bien aimé, tu vois que Dieu nous avertit des petits pièges que le diable pourrait nous tendre. Galates 5, 15 dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Bien aimé, moi, là, j'ai déjà pris la résolution que maintenant, là, les amis qui aiment critiquer, qui aiment raconter la vie des gens, là, moi, je te parle un peu. Si tu n'écoutes pas, là, toi et moi, on n'est pas en palabre. Mais je préfère sauver mon âme. Il y a des gens qui n'échangent jamais. Des femmes qui n'échangeront jamais. Des frères qui n'échangeront jamais. Parce qu'ils n'ont pas encore compris ce qui se passe en eux. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'intercéder pour eux. Tu vas beau parler, ils n'échangeront jamais. Le diable contrôle déjà. Bien aimé, vous savez que l'obéissance, voici le signe que nous craignons Dieu. Obéissance, ce n'est pas excuse, ce n'est pas raisonnement. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc bien aimé, mieux vaut préserver votre âme. Parce que les péchés de vos amis sont vos péchés. Donc si tu marches avec quelqu'un qui trouve des excuses au lieu de se soumettre, tu te bloques. Voici la raison pour laquelle vous allez voir des femmes se sont mariées à des hommes qui bloquent leur destinée, des hommes à des femmes qui bloquent leur destinée et des amis se sont attachés à des gens à cause de qui tu n'avances pas. Tu es tout seulement au téléphone en train de parler des gens. Eux, ils se disent chrétiens, mais leur comportement ne change pas. Ils t'entraînent dans les médisances, dans les commérages, dans les histoires. Tu vois que toute ta vie est bloquée. Tu crois que c'est la sorcellerie, mais c'est ton comportement à cause des gens à qui tu t'es attaché. Faisons attention. Faisons attention. 2 Corinthiens 12, 20 dit ceci. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales,
des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. 2 Corinthiens 12:20. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Regardez les gens qui se disent chrétiens. On se critique, on s'insulte, on se mord, on se détruit. On rentre dans des jeux incroyables. La Bible dit que si tu as de la jalousie en toi, l'animosité, la cabale, la médisance, la calomnie, tu ne peux pas aller quelque part. Mais c'est ce que certains nous entraînent à faire. La distraction. Bien aimé, il y a des amis qui sont dans ta vie là, même là, on ne sait même pas ils apportent quoi. Aucun conseil, rien. C'est pour causer. C'est quoi ça? On va prier. Tu vas dire à Dieu de te délivrer des pièges de la chair. Amen. Il est difficile d'être comme le Seigneur veut que nous soyons. Frère, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Tu vas détruire tout ce qui n'est pas en accord avec ta destinée. Tu vas détruire tout. Voilà. Tu vas détruire tout. Moi, j'ai décidé maintenant là, de faire très attention. La vie est compliquée, bien aimé. Un vrai chrétien, là, il ne trouve pas des excuses. Il se soumet à la volonté de Dieu. Et j'ai constaté qu'il y a des gens avec qui tu ne peux jamais entrer au ciel. Tu vas aller en enfer et ils vont aller au ciel. Je le dis pour vous. Prions dans le nom de Jésus, mes bien-aimés. Nous allons détruire les œufs de la chair. Prions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je détruis maintenant tout pouvoir derrière les querelles. Le pouvoir derrière la jalousie. Le pouvoir derrière les animosités. Le pouvoir derrière la cabale, le pouvoir derrière les médisances, le pouvoir derrière la calomnie, le pouvoir derrière l'orgueil, le pouvoir derrière les troubles, je te détruis au nom de Jésus. Je détruis maintenant l'esprit derrière la cabale, l'esprit derrière la jalousie, l'esprit derrière les animosités, l'esprit derrière la médisance, l'esprit derrière la calomnie, l'esprit derrière l'orgueil, l'esprit derrière les troubles, au nom puissant de Jésus. Je détruis tout esprit derrière l'animosité, derrière l'orgueil, derrière la fierté, derrière la haine, derrière les choses, la colère, la haine, au nom puissant de Jésus. Tout esprit visant à nous donner un zèle amer, avec un esprit de dispute et de querelle, de haine, je vous chasse, 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 je vous chasse de nos vies, tout esprit qui nous donne un zèle amer, un zèle de dispute, un zèle de querelle, un zèle d'orgueil, un zèle de haine, un zèle de rancune, un zèle de jalousie. Sors, sors de la vie des enfants de Dieu, sors de nos vies, sors de nos églises, sors, 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 sors de ma vie, sors de la maison de Dieu, sors, sors, sors de ma maison, sors de la vie de mes enfants, sors de la vie de tout le monde, sors de la vie des membres d'Océan de Grâce, sors de notre vie, au nom de Jésus. Tout esprit visant à rendre notre zèle amer, rempli de haine et de querelles, rempli de jalousie et de médisance. Sors, 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 sors de nos vies. Au nom de Jésus. Je brise maintenant tout esprit qui sponsorise l'orgueil dans la chair. Au nom puissant de Jésus. Je brise tout esprit d'infidélité. Je brise tout esprit qui nous rend infidèles envers Dieu. Tout esprit qui nous rend infidèles malgré nos paroles, malgré nos promesses. Je détruis tout esprit qui nous rend infidèles. Je détruis tout esprit qui nous rend désobéissants. Je détruis tout esprit de divination. Je détruis tout esprit de la magie. Je détruis tout esprit de la sorcellerie, consciente ou inconsciente, dans l'église de Jésus-Christ. Je brise et je détruis l'esprit de sorcellerie inconsciente. Je brise et je détruis l'esprit de sorcellerie consciente. Je brise et je détruis les sémences de la sorcellerie dans l'église. De la sorcellerie dans l'église. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis l'esprit de sorcellerie amicale. La sorcellerie dans les amitiés. La sorcellerie dans les relations. La sorcellerie cachée dans les foyers. Je brise et je détruis l'esprit de la magie. L'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la magie. L'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la magie. L'esprit de la sorcellerie. Je brise, 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 je brise. Au nom de Jésus. Bien-aimés, faites très attention. Le monde des ténèbres peut vous piéger. Frère, je vais parler de quelque chose de sensible. Mais pardonne-moi, c'est pour ton éclaircissement. Est-ce que vous savez que certaines personnes, leur relation intime, c'est de la magie. Ce sont des pratiques occultes, des pratiques diaboliques, visant à te retirer tes chances. Et aujourd'hui,
Beaucoup de femmes, après avoir quitté des hommes, ne trouvent plus jamais d'homme. Bien-aimé, quand tu étais dans cette relation-là, tu sais ce que le monsieur faisait avec toi, non? Des pervers qui te donnent de l'argent et ils pratiquent avec toi toutes sortes de pratiques sexuelles magiques pour te retirer tes faveurs, retirer ta grâce dans ta bouche, retirer ta grâce de ton corps, retirer, bien-aimé, tu peux quitter ce genre de relation où tu es allé seulement que pour pratiquer des relations magiques, des relations sexuelles démoniaques, magiques. Toi, tu crois que toi, tu es sorti de là, tu vas t'en sortir. Bien-aimé, toute ta vie tourne en rond. Parce que toi-même, quand tu regardes là, les relations que tu as eues avec ce monsieur ou cette personne, ce n'était pas normal. Il y a des femmes là qui sont sorcières. Qui sont sorcières. Quand, de toute façon, cette fille-là t'embrasse, tu sens qu'elle n'est pas en train de t'embrasser. Elle est juste en train de retirer ta grâce. Bien-aimé, il y a des sirènes des eaux. Sirènes des eaux. Qui vont même jusqu'à dans les profondeurs de la langue, de la gorge d'un homme pour lui. On sait de quoi on parle là, bien-aimé. Il y a des sorcières. Il y a des sorciers. Faites attention. Beaucoup de gens ont perdu leur grâce à cause de leur ignorance de ces choses. Beaucoup de gens. Frères et sœurs, laissez les gens se confesser. Vous allez voir, vous allez entendre des choses incroyables. Incroyables. Aïe. Oh. Je suis dans le combat spirituel, bien-aimé. Je suis jeune, je ne me glorifie pas. J'apprends toujours. Mais bien-aimé, en 2022, là, ça fait 22 ans. 22 ans que j'ai entamé des vrais combats spirituels. 22 ans. J'ai appris beaucoup de choses, même si je ne sais pas grand chose encore. Je vous dis la vérité. On m'avait enseigné, il y a des années, que je devrais faire attention à certaines femmes. Et on m'a dit, le garçon a 4 forces, mais la femme a 9 pouvoirs. Et celui-là qui me donnait ses conseils dit, une femme est capable de te retirer ton onction pendant les rapports intimes. Voici pourquoi les hommes qui couchent avec des sirènes n'arrivent pas à avancer dans la vie. Et un homme a aussi la capacité à soupirer, à retirer. Bon, dans tous les cas, vous savez, ces derniers temps, ce qui se passe, non? Durant les rapports intimes, pendant que toi, tu es concentré et ils font des incantations. Ou bien après, ils vont faire des incantations pour capturer ton destin. Je vous ai dit tout à l'heure, là, certaines personnes-là, leur relation intime, là, c'est pas relation intime, c'est de la magie. C'est pour ça que quand vous regardez leur comportement sur leur lit, on dirait des animaux. Je vous dis la vérité. Tu vas détruire toute œuvre de la chair. Bien-aimé, tu peux être chrétien, tu peux être appelé par Dieu et rater ton destin à cause des erreurs de la vie. Deutéronome 18, verset 10 dit quoi? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue et d'augure et de magicien. Et de nos jours, les gens prêchent n'importe quoi dans l'église et les gens écoutent et ils ne savent même pas ce qui se cache derrière. La parole de Dieu déclare à 1 Samuel 15, verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Frère, voici ce que 1 Samuel dit, que quand un homme de Dieu vous prêche la vérité, que vous ne voulez pas vous soumettre à ça, que ce soit parce que vous ne croyez pas, ou bien parce que vous ne savez pas, ou bien parce que vous croyez que quelqu'un d'autre vous avait enseigné le contraire, ou parce que vous n'avez pas entendu. La Bible déclare, la désobéissance là, c'est aussi coupable que l'idolâtrie, la magie, ce qui tue là. Quand toi tu désobéis, c'est-à-dire quand l'homme de Dieu dit, dépouillez-vous, et puis vous refusez d'écouter. 1 Samuel 15, 23, la désobéissance est aussi coupable. Bien aimé, moi je te prêche la vérité, je ne suis pas là pour te faire plaisir, pour regarder ta beauté. Je suis là parce que je veux sauver ton âme. Si tu veux, il faut dire que tu enlèves les faux cheveux en caoutchouc pour mettre en chiffon. C'est ton problème. J'ai dit, si c'est palable de ça, là, toi et moi, on va faire ça. Voilà. Pourquoi? Parce que le message que le Seigneur me donne est tellement sensible. Combien n'écoute pas? Tu es en retard, tu es bloqué. Et c'est toi qui te justifie. Ta vie là tourne en rond depuis des années. Quand on parle, c'est toi qui joues les durs. Aïe. Mais aujourd'hui, là, tu vas être délivré. Voilà. La parole de Dieu dit quoi? Car la désobéissance
est aussi coupable que la divination. La Bible dit, obéissez à vos pères spirituels aussi. Frère, que le diable ne t'entraîne pas dans les profondeurs de l'enfer. Aujourd'hui, là, avec ce que tu entends là, si tu peux encore aller mettre certaines choses sur toi, c'est que toi-même tu as choisi ta place. 1 Chronique 10, verset 13 à 14. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. La Bible dit ici que Saül a été détruit et il est mort. À cause de quoi? L'infidélité. Il n'a pas observé la parole de Dieu. En d'autres termes, Saül a désobéi à la parole de Dieu et il a fait le contraire, c'est pour ça qu'il est mort. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Je ne le souhaite pas pour toi, mais j'espère que ce message sera pour toi une occasion de revoir ta vie. Parce que bien aimé, malgré les justifications, les raisonnements, les fausses excuses que certaines personnes utilisent, c'est leur vie qui est bloquée. Si elles ne veulent pas écouter, c'est leur problème. On n'est pas là pour négocier avec quelqu'un ni pour faire les compromissions. On va prier. Prends-moi cette belle prière, on va avancer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toute désobéissance qui vole mes grâces soit brisée au nom puissant de Jésus. Tout esprit de désobéissance, tout esprit d'insoumission à la parole de Dieu, tout esprit de rébellion contre la vérité prêchée soit brisé dans le nom de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec sa soif. Je crucifie ma chair avec ses envies. Je crucifie ma chair avec ses désirs. Je crucifie ma chair avec ses failles. Je crucifie ma chair au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crucifie ma chair, je crucifie ma chair et je chasse tout esprit qui m'influence, qui me contrôle, qui me dirige, qui m'influence, qui me contrôle, qui me dirige. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses envies. Je crucifie ma chair avec ses dépendances au nom puissant de Jésus. Je crucifie ma chair, je crucifie ma chair. Que tout désir charnel à moi meure au nom puissant de Jésus. Que tout désir charnel meure. Que tout désir charnel qui contrôle ma vie meure. Que tout désir charnel, que tout désir charnel meure au nom puissant de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses faiblesses. Je crucifie ma chair, je crucifie ma chair, je crucifie ma chair, je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions, avec ses envies et ses émotions, avec ses faiblesses et ses lacunes. Je crucifie ma chair. Que tout désir charnel en moi meure au nom puissant de Jésus. Que tout désir charnel en moi meure. 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 Que tout désir charnel qui crée l'injustice soit brisé au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce que le monde des ténèbres a semé dans ma chair. Je brise et je détruis toutes les paroles qu'ils ont semées dans mon cœur, qu'ils ont semées dans ma chair, qu'ils ont semées dans mes pensées, qu'ils ont semées à moi pendant mon sommeil. Je détruis toutes les semences de l'ennemi. Je crucifie ma chair et je détruis les semences de la chair. Je détruis les envies de la chair. Je détruis les œuvres de la chair. Je détruis les pensées charnelles. Je détruis les faiblesses charnelles. Je détruis et je brise les liens au nom de Jésus. Je brise et je détruis toute chose qui me lie aux événements d'enfance. Je brise et je détruis toute chose qui me lie aux disputes du passé. Je brise et je détruis toute chose qui me relie aux querelles, qui me relie aux offenses, qui me relie aux faiblesses, qui me relie au passé, qui me relie à mon enfance. Je brise et je détruis les liens émotionnels. Je brise et je détruis les pensées de faiblesse. Je brise et je détruis les pensées de blessures. Je brise et je détruis les pensées et les offenses. Je brise et je détruis le manteau des offenses. Je brise et je détruis les désirs charnels au nom de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses envies. Je crucifie ma chair avec ses lacunes. Je crucifie ma chair avec ses désirs au nom puissant de Jésus. Ma chair, écoute la parole de l'Éternel. Tous ceux qui sont à Christ ont crucifié leur chair avec ses désirs et ses passions. Alors ma chair, c'est moi qui te dirige. Ce n'est plus à toi de me diriger.
Je parle à ma chair, je parle à mon âme, je parle à mon esprit, je parle à mon corps, je parle à mes pensées, je parle à ma chair. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses faiblesses. Je crucifie toute faiblesse dans ma chair. Je crucifie toute animosité dans ma chair. Je crucifie toute idolâtrie dans ma chair. Je crucifie toute chose dans ma chair. Je crucifie la vie de mon père, la vie de ma mère, la vie de mon père ne sera pas la continuité de ma vie. Ma vie ne sera pas la continuité de celle de ma mère. Ma vie ne sera pas la réplique de celle de ma mère. Ma vie ne sera pas la réplique de celle de mon père. J'ai détruit toutes les erreurs de mon père et de ma mère dans mon sang et dans mon futur. J'ai détruit les erreurs de mon père et de ma mère. J'ai détruit les erreurs de mon père et de ma mère programmées dans ma vie. J'ai détruit les souffrances de mon père et de ma mère programmées dans ma vie, programmées dans ma vie pour se manifester quand j'aurai le même âge qu'ils avaient et que cela est arrivé. J'ai détruit les erreurs de mon père et de ma mère, programmées dans mon sang, programmées dans mon âme, programmées dans ma vie, programmées dans mon futur. J'ai détruit toutes les erreurs de mon père et de ma mère, les fautes de mon père et de ma mère, les échecs de mon père et de ma mère, programmées dans mon sang, programmées dans ma vie, programmées dans mes pensées, programmées dans mes gènes, programmées dans mon sang, programmées dans mon âme, programmées. J'ai détruit les erreurs de mes ancêtres, programmées en moi. J'ai détruit les erreurs de mes aïeux, programmé en moi. J'ai détruit la vie de mes ancêtres, programmé en moi. J'ai détruit les choix de mes ancêtres, programmé en moi. J'ai détruit les fautes de mes parents, programmé en moi. J'ai détruit la volonté de mes aïeux, programmé en moi. Programmé en moi. J'ai détruit la vie de mon père, la vie de mon homonyme, la vie des gens qui ont porté le nom que je porte, programmé en moi. J'ai détruit les mauvaises vies, programmé en moi. J'ai détruit les mauvaises choses, programmées dans ma chair, dans mes pensées, dans mes désirs, dans mon corps, dans mon âme. J'ai détruit tous les mauvais désirs, programmés en moi. J'ai détruit toutes les mauvaises décisions, programmées en moi. J'ai détruit toutes les mauvaises pensées, programmées en moi. J'ai détruit toutes les mauvaises choses, programmées en moi. J'ai détruit toutes les chaînes, programmées en moi. J'ai détruit toutes les choses, programmées en moi. J'ai détruit toutes les œuvres, programmées en moi. J'ai détruit toutes les blessures, programmées en moi. J'ai détruit la vie de mes tantes, de mes cousins, de mes cousines, programmées en moi. J'ai détruit toute manipulation que j'ai subie, toute manipulation et changement que ma chair, que mon sang ont subi. J'ai détruit toute manipulation, j'ai détruit toute œuvre, j'ai détruit toute contamination et j'annule toute chose programmée ou introduite dans ma chair. J'ai détruit toute mauvaise chose attachée à mon âme, attachée à ma chair, attachée à mon corps. J'ai détruit toute mauvaise chose programmée en moi, programmée en moi, programmée en moi. J'ai détruit les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, les œuvres de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, de mon village. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie familiale. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie du village. J'ai détruit les œuvres de la chair, les œuvres de la chair. J'ai détruit toutes les œuvres des amitiés passées, des jeunesses, toutes les œuvres du péché des jeunesses, des erreurs des jeunesses, du péché des jeunesses. J'ai détruit les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. J'ai détruit maintenant toutes les œuvres et les alliances avec les démons de colère. Toutes les œuvres et les alliances avec les démons de guerre. Avec les esprits guerriers. Je brise et je détruis toutes les œuvres de la chair, les œuvres de la querelle, les œuvres de la jalousie, les œuvres des animosités, les œuvres des disputes, les œuvres des divisions, les œuvres des sectes. J'ai détruit les envies, l'ivrognerie. J'ai détruit les œuvres de la chair au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout pouvoir et serpent derrière les désirs, tout pouvoir et serpent. Sois découpé et meurs. Tout pouvoir, puissance et serpent derrière l'irritabilité dans la vie des enfants de Dieu, dans les foyers, dans les couples. Je te détruis au nom de Jésus.
Épée de l'Éternel, frappe et détruis tout esprit et serpent derrière la distraction, tout esprit et serpent derrière l'irritabilité, tout esprit et serpent derrière la colère, tout esprit et serpent derrière la rancune. Je détruis maintenant, je détruis par l'épée de l'Éternel, à l'instant même, je détruis, à l'instant même, je détruis, à l'instant même, je détruis tout esprit et serpent derrière la négligence, tout démon et serpent qui provoque la lourdeur, la négligence, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit au nom de Jésus. Ma vie ne sera pas la continuité de celle de ma mère. Ma vie ne sera pas la continuité de celle de mes ancêtres. Ma vie ne sera pas la continuité de celle de la personne dont je porte le nom. Ma vie ne sera pas la continuité des erreurs des autres. J'ai détruit maintenant les erreurs programmées en moi, les fautes programmées en moi, les maladies programmées en moi, les souffrances programmées en moi par les gens dont je porte le nom. Par les gens qui m'ont engendré, j'ai détruit la mauvaise fondation, j'ai détruit la mauvaise fondation, j'ai détruit la fondation de l'adultère, j'ai détruit la fondation du divorce, j'ai détruit la fondation des trahisons, j'ai détruit la fondation de l'infidélité, j'ai détruit la fondation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ce soit dans la belle famille, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans des familles, de mes amis, j'ai détruit la fondation des trahisons, la fondation des divorces, la fondation des alliances, la fondation des erreurs. J'ai détruit la fondation des infidélités, la fondation de la polygamie, la fondation des échecs conjugaux. Au nom de Jésus, des échecs dans le mariage, j'ai détruit la fondation des œuvres de la chair, la fondation des œuvres du divorce, la fondation des œuvres des divisions, la fondation des œuvres de l'échec conjugal. J'ai détruit les alliances, j'ai détruit les fondations, j'ai détruit les choses qui les renforcent, j'ai détruit les choses qui les renforcent, j'ai détruit la cause qui les renforce, j'ai détruit les raisons qui les renforcent, j'ai détruit les autels qui les renforcent. Au nom puissant de Jésus, je brise et je détruis tout ce qui les renforce, je brise et je détruis tout ce qui les a renforcés, j'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui leur donne le pouvoir au nom puissant de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit toute chose programmée dans ma vie, toute mort programmée dans ma vie, tout accident programmé dans ma vie, toute malédiction programmée dans ma vie. J'ai brisé, j'ai détruit toute chose programmée dans ma vie, toute chose programmée dans mon âme, toute chose programmée dans ma chair. J'ai brisé, j'ai détruit toutes les choses que le monde des ténèbres a programmées et plantées dans ma tête. J'ai brisé, j'ai détruit. 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 Toute chose programmée dans mon cœur par le monde des ténèbres. Toute chose programmée dans ma chair. Toute chose programmée dans ma vie au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit. Toute chose programmée dans ma chair. Toute chose programmée au nom de Jésus. J'ai détruit l'impudicité. J'ai détruit l'impureté. J'ai détruit la dissolution. J'ai détruit l'idolâtrie programmée dans ma vie. L'idolâtrie et la magie programmée dans la vie des enfants de Dieu. J'ai détruit toute chose programmée dans ma vie. Programmée dans ma vie. Programmée dans ma vie pour se manifester même dans ma vieillesse. Pour se manifester même dans ma vieillesse. J'ai détruit toute chose programmée dans mon cœur. Programmé dans mon sang, programmé dans mes pensées, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, je refuse de répéter les erreurs de mes parents, je refuse de répéter les erreurs de mes ancêtres, je refuse de répéter la vie de quelqu'un d'autre, je refuse de répéter les erreurs financières de ma famille, j'ai détruit toute chose programmée dans ma vie, toute chose héritée dans mon sang, toute chose héritée, héritée, héritée depuis ma naissance, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit toute chose qui a été semée dans mon sang, qui a été semée dans mon corps, qui a été semée dans ma vie, qui a été semée dans mes gènes, qui a été semée en moi, j'ai détruit la vie de ma grand-mère en moi, la vie de mon grand-père en moi, la vie de ma mère en moi, la vie de mes ancêtres en moi, j'ai détruit la mauvaise vie, les mauvaises choses de mes familles, de ma famille, de ma famille, de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, de mon village, de mes ancêtres, de mes ancêtres, de mes aïeux, j'ai détruit toute sémence de mes ancêtres à moi, toute sémence des morts à moi, toute sémence des gens de mon village, toute sémence des amis, toute sémence des femmes, toute sémence des hommes, toute sémence des esprits des femmes, des esprits d'hommes, des esprits démoniaques à moi. J'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit toute sémence de l'eau, toute sémence des eaux, toute sémence de la terre, toute sémence du monde des ténèbres, du monde terrestre, du monde invisible. J'ai détruit au nom de Jésus. J'ai détruit toute chose
qui a été sémé dans ma vie par la sorcellerie. Tout ce qui a été sémé en moi alors que je dormais profondément soit consumé. Tout ce qui a été planté dans ma tête, planté dans ma chair, planté, j'ai détruit. Toute chose que le monde des ténèbres a sémé dans mon sang, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, j'ai détruit. La vie de mes parents en moi, j'ai détruit. La vie de mes ancêtres, j'ai détruit. La vie de mes parents, j'ai détruit. La vie de mes aïeux, de mes ancêtres, allant jusqu'au premier homme, à la première personne, au premier homme, à la première personne, ayant été créé dans ma famille. J'ai détruit. Toutes les branches représentant les branches de ma famille, de mon problème, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est bon. On va reprendre. Frère, notre fondation est terrible. Parce que tous les mélanges qui constituent ta personne, il y a 150 000 ans, je peux décrire un peu comme ça. Quelqu'un est quitté dans un pays lointain. Il est allé se marier à une femme dans un pays lointain, à un homme dans un pays lointain. L'arbre généalogique est terrible. Ça dit que quand tu remontes là, peut-être même que tu es arabe. Tu vois, non? Quand tu remontes, peut-être que tu es ivoirienne. Quand tu remontes, peut-être que tu es sénégalaise. Peut-être que tu es chinoise. On ne sait jamais. Parce que les connexions qui ont eu lieu pour arriver à toi là, oh mon Dieu, c'est pas pour rien. Parfois, les visages que tu vois en rêve là, ça ressemble à des gens que tu ne connais pas. Parfois, tu te dis, mais pourquoi c'est un blanc qui me poursuit en rêve? Ça dépend. Ça dépend de ta fondation. Tu as vu, non? Dans ta famille là, il y a même des gens qui sont clairs. On dit, hé, mon oncle là, il est clair comme blanc. Bien aimé, moi dans ma fondation là, les gens ils sont clairs. C'est moi, mais je suis noir. Et quand vous voyez mes oncles, ils sont clairs. Quand vous voyez mes grands frères, ils sont clairs. Mais moi, quand vous me voyez, je suis noir. Parce que je suis un mélange du clair et du noir. Ma soeur, moi, je ne parle pas des gens qui se décapent les peaux, des chrétiens inconscients et ignorantes là, qui ont des pommades sous prétexte que c'est pour devenir blanc là. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui sont clairs, naturellement nés clairs, dans une famille africaine. Je ne parle pas des albinos, hein. Je parle des gens qui sont nés clairs. Parce que dans ta fondation là, il y a un blanc là-bas. Donc, bien aimé, tu vas détruire toutes les mauvaises fondations. Tout ça là se trouve dans ta chair, dans ton sang. Voilà, c'est choquant, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc je peux entendre quelqu'un dire c'est choquant, pourtant c'est vrai. Donc bien aimé, on ne sait pas tu es quitté où. Peut-être que toi tu te dis non, moi là je suis malienne. Tu n'es pas malienne. Faut aller chercher bien. Moi je suis haïtienne. Qui a dit tu es haïtienne? Tu es abé comme moi. Tu es africaine comme moi. Quittez la baie, vous connerie là. On va prier. Voilà, profite de cette occasion ma soeur. Je suis martiniquaise, martiniquois. Tu as quitté où pour arriver à Martinique? Je suis française. Quitté devant moi là-bas. Peut-être même que tu es blanc, mais ton arrière-grand-père, c'est mon arrière-grand-père. Donc on va prier. Voilà, c'est pour juste un peu. Voilà, te renforcer un peu. La parole de Dieu déclare en Galates 5, verset 18 avant. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Tu vas détruire toute œuvre de la chair qui se manifeste au bord de tes percées. La parole de Dieu déclare, ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions et sectes. Bien-aimés, les œuvres de la chair se manifeste toujours au bord de tes percées. Le jour où tu manifestes la jalousie, là, sache que tu n'es pas loin de ta bénédiction. L'impudicité, l'impureté. Bien aimé, aujourd'hui, là, on ne va pas jouer à la chair. Tu vas détruire toutes les puissances derrière la magie. Tu veux être conduit par le Saint-Esprit, mon frère. Tu veux être conduite par le Saint-Esprit, bien aimé, sœur. Ma sœur, tu dois prier. Là, il s'agit de ton salut. Jésus a bien dit que tout cela qui sont dans les œuvres de la chair, les désirs charnels, les chrétiens charnels. La Bible dit qu'aucun chrétien charnel
Un chrétien charnel, c'est celui qui est impudique. Impureté. L'impureté dans sa vie, la dissolution, l'idolâtrie, la désobéissance, la jalousie, la magie. Bien aimé, ça là, je ne parle pas pour te cibler, mais je parle pour que tu t'ouvres les yeux. Amen. 1 Corinthiens 6, 9 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est-à-dire que toi, deux personnes ont des problèmes. On vient t'expliquer. Au lieu de trancher, tu tranches en faveur de la personne que tu aimes, même si elle n'a pas raison. Ce que tu viens de faire là, c'est injuste. C'est injuste. Bien-aimé, toi tu dis les choses, tout le monde doit les appliquer. Mais toi à ton tour, tu te fâches. Ce que tu fais là, ça s'appelle l'injustice. Amen. Toi, tu peux faire ça aux autres. Mais à ton tour, tu te fâches. La Bible appelle ça l'injustice. Ça dit que toi, tu as le droit de faire ce que tu veux, de dire ce que tu veux. Mais toi, à ton tour, on n'a pas le droit de parler. Il y a des hommes et des femmes qui sont comme ça. Dans la maison, là, c'est eux qui dictent. Fais ci, fais ça, fais ci. À leur tour, là, ils trouvent des excuses. La parole de Dieu déclare, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu. Bien-aimé, il est temps d'être juste, de dire la vérité et d'être juste dans nos propos, d'être juste dans nos pensées, d'être juste dans les pensées de notre cœur, d'être honnête. Oui, ma sœur, tu t'es fâché contre moi, mais je sais que tu as raison, je m'excuse, ça t'enlève quoi? Oui, mon frère, tu n'es pas content de moi, mais tu as raison. Moi aussi, depuis que tu me parles là, est-ce que j'ai oreille pour entendre? Je m'excuse. Je ne sais pas ce qui me prend, mais je m'excuse. Bien-aimé, ça s'appelle être juste. Juste dans tes sentiments, juste dans tes émotions. Tu dis ce que tu penses. Ça dit, tu dis la vérité selon ton cœur. La Bible appelle ça être juste. Plutôt que d'être un manipulateur, un hypocrite, un menteur. Parfois, on n'a même pas le droit de se fâcher. Mais on se fâche comme ça pour intimider. Il y a des femmes, là, parfois, là, quand on fait des choses, là, vous n'avez même pas le droit de vous fâcher. Ce que tu as fait, là, c'est mauvais. Je connais une sœur. Elle était en train de prendre un bol de riz au Ghana sur la table. Elle n'a même pas bien attrapé le bol de riz. Et elle a... En fait, elle était pressée. Elle partait en même temps, elle a tiré le bol de riz. Est-ce que tu peux tirer un bol de riz lourd comme ça avec une seule main? Elle a voulu prendre ça avec une main. Exprès. C'est tombé, ça s'est cassé. Donc la sœur Betty, paix à son âme, qui était à côté, a dit à la sœur Annette, pourquoi tu as fait ça? Bien aimé, elle l'a grondé. Moi, j'ai vu toute la scène, j'ai assisté à ça. La sœur était fâchée. Pourtant, ce qu'elle a fait là, elle n'a pas raison. Vous voyez, très souvent, on n'a pas raison. Au lieu de dire, ah, je m'excuse, j'ai pas raison. Moi là, je parle beaucoup, hein. J'enseigne. Mais quand j'ai pas raison là, je me tais. Parce que, bien aimé, ça ne sert à rien de jouer les orgueilleux. Madame, quand tu n'as pas raison là, bats la terre. Voilà. Mets ta colère, ta frustration de ton côté, ton intimidation et ta manipulation là. Mets ça de côté. La Bible dit, les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu. Ton mari dit, il n'est pas content. Excuse-toi, ça t'enlève quoi? Ta femme dit, elle n'est pas contente. Tu t'excuses. L'orgueil là, ça t'a apporté quoi, mon frère? L'orgueil là, ça va nous apporter quoi? Hausser les épaules là, nous les hommes là, ça va nous apporter quoi? Mais tout ça de côté, dans la galère là, orgueil là, ça n'a pas de sens. Dans la souffrance, ça n'a pas de sens. Non bien, mais tu vas briser l'orgueil. Moi, je vais briser aussi l'orgueil. Qui n'a pas envie d'être sauvé? Et briser ça aussi. Qui est juste? Moi, je ne suis pas juste, hein? Moi qui suis là. J'ai aussi des défauts, je suis un être humain. Il ne peut pas venir devant Dieu et puis faire croire aux gens que je suis juste. Ma soeur, si tu veux, toi, il faut te vanter d'être juste, c'est ton problème. Mon frère, si tu veux, toi, il faut te frapper la poitrine. Moi, j'ai dit à Dieu, viens à mon secours. Je suis un être humain. Tu vas briser ce comportement-là. Prions dans le nom de Jésus. Je brise toute chose en moi qui réveille l'orgueil, la fierté, la haine et la colère. Même quand je n'ai pas raison, prie. Je brise maintenant tout esprit qui veut m'emmener en enfer. Je brise maintenant tout démon qui veut m'emmener en enfer. Je détruis tout esprit,
que le monde des ténèbres a assigné à ma vie. Tout génie qu'ils ont assigné à ma vie. Tout démon qu'ils ont assigné à ma vie. Je te détruis au nom de Jésus. Je crucifie la haine. Je crucifie l'orgueil. Je crucifie la fierté. Je crucifie les désirs charnels au nom de Jésus. Je crucifie la haine, l'orgueil, la colère. Je crucifie tout comportement d'orgueil, de fierté, de jalousie. Je crucifie tout esprit qui rend le zèle amer. Il est écrit en Colossiens 3, verset 5 à 8. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs. Je brise le mauvais désir. Tous les mauvais désirs soient crucifiés. Tous les mauvais désirs, la cupidité, je vous détruis. L'idolâtrie, je vous détruis au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de l'idolâtrie. Je détruis le pouvoir derrière l'idolâtrie. Je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Aujourd'hui même, à l'instant même, à l'heure même, je brise et je chasse l'idolâtrie de ma famille. Je brise et je chasse l'idolâtrie de ma maison. Je brise et je chasse l'idolâtrie de ma famille. Je brise et je chasse l'idolâtrie de l'église de Jésus-Christ. Je brise et je chasse l'idolâtrie de ta vie bien-aimée au nom de Jésus. Toute chose que tu adores au point où ça risque de voler ton âme, soit chassée de ta vie. Je chasse l'idolâtrie. Je chasse l'idolâtrie de la vie de mes enfants. Je chasse l'idolâtrie de ma maison. Je chasse l'idolâtrie de ma vie. Je chasse l'idolâtrie de nos cœurs. Tout ce que Dieu nous donne pour vivre ne remplacera pas Dieu dans notre cœur. Le matériel ne remplacera pas Dieu dans notre cœur. Les choses du monde ne remplaceront pas Dieu dans notre cœur. Les disputes, la télé, les ordinateurs, les choses, la distraction, les tablettes, les réseaux sociaux ne remplaceront pas Dieu dans notre cœur. Je chasse tout esprit derrière l'idolâtrie. Je chasse tout démon derrière l'idolâtrie. Je chasse tout génie derrière l'idolâtrie. Je chasse tout esprit derrière l'idolâtrie. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair. Je crucifie ma chair. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie mon âme avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair. Que tout désir charnel à moi meure. Que tout désir de haine meure. Que tout désir de colère meure. Que tout désir de vengeance meure. Que tout désir de réprimande meure. Que tout désir de murmure meure. Que les murmures meurent, que les murmures meurent, que la rébellion meurt, 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 meurt. La parole de Dieu dit, faites mourir tous les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, les murmures, les querelles, les disputes, les divisions, les blâmes. Je crucifie les blâmes, je crucifie les faiblesses, je crucifie la lourdeur, je crucifie la négligence, je crucifie la peur, je crucifie la haine, je crucifie et je chasse les esprits derrière ces choses. Les esprits derrière les désirs charnels, les esprits derrière la haine, les esprits derrière la colère, les esprits derrière la médisance. Je vous chasse, 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 je vous chasse. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, un enfant de Dieu conduit par l'esprit, c'est tout. Aujourd'hui, j'étais quelque part. Dans une maison. Non, j'ai dit aujourd'hui, pardonnez-moi. Hier vendredi. Et tout à coup, j'ai eu une forte pensée à l'endroit d'une personne. 3 secondes après, la personne m'a appelé. J'ai dit, waouh. Quand ton esprit est libre, tu captes les messages. Parfois, on est en train de parler de toi, tu sais. On te juge, tu sais. Tu pries, tes visions sont claires. Tes rêves sont clairs. Mais bien aimé, quand ton esprit est saturé des querelles, des haines, des choses du monde, tu ne te souviens pas de tes rêves. Si tu veux, couche-toi. Tente de te concentrer à ton réveil pour te souvenir de tes rêves. Tu sens que Dieu t'a parlé, mais tu ne sais pas ce qu'il t'a dit. Bien aimé, si tu veux force, tu ne te souviendras jamais. Tu ne t'en souviendras jamais. Sauf si par la grâce de Dieu, tu entends une parole dans la journée, tu vois quelque chose dans la journée, tu te mets dans une position où tu causes avec quelqu'un, où la personne te dit quelque chose, ça va maintenant aller activer ça. Mais en dehors de ça, tu vas te forcer, tu te souviendras de rien. Parce que ton esprit est saturé
des missions télé, des vidéos impudiques, des choses. Toi, tu crois que toutes les vidéos sont à regarder? Non, bien aimé, toutes les vidéos ne sont pas à regarder. Même, bien aimé, on nous a déjà dit, tout excès nuit. Nous avons déjà vu ici que même l'excès des tables conduit en enfer. Tout excès nuit. Parce que, bien aimé, ton esprit est tellement concentré à ça, tu ne te développes pas. C'est dans la prière et dans la méditation qu'on développe l'esprit. C'est dans la louange et dans l'adoration qu'on développe l'esprit. Voici pourquoi Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Mais tu peux écouter, mais tu es en train de mourir à petit feu sans le savoir. Parce que si tu passes le temps seulement qu'à écouter, il n'y a pas prière, il n'y a rien, mais tu écoutes. Tu vas voir que ta vie, tu n'as que des informations, mais il n'y a rien. Frère, fais très attention. Sœur, fais très attention. On peut être dans une église morte et on peut écouter des évangiles où il n'y a pas d'onction. C'est dans la prière qu'on réveille l'esprit et dans la louange que Dieu siège. Bien-aimés, tous les chrétiens qui n'ont pas une bonne vie de prière là, leur vie de prière là, ils ne se souviennent pas bien de leurs rêves. Mais commence seulement à prier. Les écailles tombent. Tes rêves se multiplient. Tu vois maintenant les attaques. En fait, avant on t'attaquait. Mais maintenant tu les vois. Maintenant même tu les sens même physiquement. Maintenant même tu pressens quand les gens parlent de toi. Tu peux être là et puis ton cœur bat comme ça. Tu dis, mais comment tu commences à intercéder, Seigneur? Toute chose qui se passe dans le spirituel, je bloque, j'annule, je freine. Il y en a même qui commencent à dire, je marche dans le sang de Jésus. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je m'enveloppe avec le feu du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont pressenti que quelque chose se passe. Mais bien aimé, les chrétiens qui sont spirituellement morts là, ils sentent rien. Tu te réveilles le matin, même tes rêves, tu ne sais pas si tu as rêvé. Parce que l'onction en toi est morte. Il n'y a plus rien. Dieu t'a parlé, mais tu ne reçois pas. Ton corps est mort. Tu es mort spirituellement. Frère, c'est terrible. Terrible que des gens passent tout un mois, 6 mois, tu ne te souviens plus de tes rêves. 2 semaines, tu te souviens. Mais pendant ce temps, il se passe des choses dans le spirituel. Toutes les nuits, le monde des ténèbres travaille contre toi, mais tu es spirituellement mort. Bien-aimé, tu peux justifier ça comme tu veux, raisonner comme tu veux, mais je te dis la vérité. Un chrétien qui est spirituellement mort ne capte pas les messages qui viennent du ciel. Mais un chrétien qui commence à se réveiller, bien-aimé, parfois même tu n'as pas encore fermé tes yeux, poum, tu fais des rêves. À tout moment tu fais des rêves. Tu peux même entendre quand on t'appelle à distance. Ton esprit est ouvert. Pendant que tu marches dans la rue, tu entends quelqu'un crier ton nom. Bien aimé, c'est par chance que tu as entendu ça. Dans le monde spirituel, c'est parce que ton esprit est ouvert. Tu pouvais ne pas entendre ça. Tu marches dans la rue, mais tu sens qu'il y a des fils et des toiles d'araignée sur ton visage. Tu dis, mais tu as l'impression que je marche sur ton visage. Tu sens que ce sont des toiles d'araignée. Tu ne les vois pas, mais tu les sens. Bien aimé, c'est parce que ton esprit est sensible que tu as vu ça. Il y a des gens qui tombent dedans, ils ne savent même pas qu'ils sont tombés dedans. Frères et sœurs, il est temps qu'on s'approche réellement de Dieu. Cessons cette vie des chrétiennes, une vie moribonde. On est toujours devant la télé, distrait et autres. On ne grandit pas, on n'évolue pas. Ce sont les pasteurs qui doivent toujours nous expliquer ce qu'on voit en rêve. Ça dit que nous, on est chrétiens, mais des chrétiens presque inutiles. Mais on peut dire quoi de ça? Tu te souviens de rien? Ça dit prier, on doit prier pour toi. Bénis ta nourriture, mais on doit bénir nourriture pour toi. Avant de dormir, mais on doit prier pour toi. Donc, toi, tu es chrétien, pourquoi? Bien aimé, je refuse d'être un chrétien mort. Tu vas prier. Que Dieu réveille vraiment ton esprit. Tu veux savoir ce qui se passe. Tu veux être alerté. Tu veux être conduit par l'esprit. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'esprit, ils ne sont pas sous la loi. Tu vas demander à l'esprit de te conduire. Chaque matin, là, ce n'est pas assis devant la télé. Aucun rêve. Ce n'est pas en train de parler des gens, aucune vision. Mon but, ce n'est pas de te choquer, c'est de t'ouvrir les yeux. Ne laisse pas le diable tuer ton onction. Ne laisse pas le diable assécher tellement ton onction que toi-même, tu pries, tu n'es même plus motivé. Tu pries même, tu n'es même plus... En fait, tu n'as même pas envie de prier. Tu commences 2 minutes, tu arrêtes. Parce qu'il n'y a pas de motivation. L'esprit n'est pas là. Mais le jour que tu seras conduit par l'esprit, même un bonjour à Jésus devient une conversation de 2 heures. Alléluia. Mon but, c'est de t'enseigner. Ce n'est pas de t'énerver, s'il te plaît. N'interprète pas mal ce que j'ai dit. Je veux vraiment que Dieu touche ton âme. Amen. La parole de Dieu déclare en Galates 5, verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les autres, les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. La Bible dit de ne pas envier quelqu'un, de ne pas aller provoquer quelqu'un. Donc moi, je ne suis pas là pour te provoquer. Mais je suis là pour te prêcher ce que tu ne veux pas entendre. Parce que c'est ce que tu ne veux pas entendre là qui va te délivrer. Bien-aimé, si ce n'est pas la vérité, si ça ne te touche pas là, ça ne devrait pas t'énerver. Si ça ne te concerne pas là, ça ne devrait pas te choquer. Mais si ça te concerne, si ça te choque, c'est que tu dois te corriger. Moi-même qui suis là,
je dois me corriger. Joins-toi à moi. On va prier pour que Dieu me corrige, pour que Dieu me délivre, pour que Dieu m'aide. Mon but, c'est que l'Église soit sauvée, c'est que nous soyons sauvés. Mais très souvent, nous sommes trop charnels. Charnels. Tu vas entendre les conversations des chrétiens. Ils sont assis là-bas à Paris, à Washington, je ne sais où. Tout ce qu'ils veulent. Conversation, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Bien aimé, c'est bien de demander les voitures. Et en dehors de ça, ta vie spirituelle, là, qui va prier pour ça? Ta vie spirituelle, ta sagesse divine, ton intelligence divine, tes connaissances, là, qui va prier Dieu? Dieu dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande, qui va prier Dieu pour qu'il te donne la sagesse? Les chrétiens charnels ne cherchent pas la sagesse divine. Les chrétiens charnels ne cherchent pas les choses qui font évoluer. Mais vous allez remarquer que les chrétiens spirituels désirent la croissance, désirent l'évolution, désirent la connaissance de Dieu. J'espère, bien aimé, que tu vois la différence entre un chrétien charnel et un chrétien mondain, un chrétien spirituel et un chrétien qui aspire à des choses spirituelles. Tu vas détruire les œuvres de la chair. Tu vas détruire tout esprit démoniaque qui donne des ordres et des instructions à tes pensées. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, je détruis tout esprit démoniaque qui donne des ordres et des instructions à mes pensées, au nom de Jésus. Tout esprit charnel, tout esprit démoniaque qui donne des ordres et des pensées à mon esprit, qui me donne des ordres au nom de Jésus. Tout esprit charnel, tout esprit démoniaque, tout esprit diabolique qui influence ma chair, qui influence mes pensées, qui influence mon âme, qui influence mes décisions, je te chasse au nom de Jésus. Sors de ma vie et ne reviens plus. Sors de mon âme, sors de ma vie, sors de mon corps, sors de ma vie, sors de mes enfants, sors de ma famille, sors de ma maison. Esprit charnel qui donne des instructions à ma maison, à mon foyer, à nos cœurs, à nos rêves, je te chasse au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout esprit démoniaque qui influence nos pensées, qui influence nos décisions, qui influence nos émotions, qui influence nos sentiments au bord de nos percées. Je te brise au nom puissant de Jésus. Je brise tout esprit démoniaque qui donne des instructions à mes pensées. Je détruis tout esprit qui donne des instructions à ma chair. Je détruis tout génie qui donne des instructions à mon âme. Je détruis tout esprit qui donne des instructions à ma vie. Je détruis tout esprit démoniaque, tout esprit des eaux, tout esprit des serpents qui donne des instructions à mes pensées, qui donne des instructions à ma chair, qui donne des instructions à mes émotions. Je te détruis, je te détruis, je te détruis. J'invoque l'épée de l'Éternel pour détruire tout esprit qui joue avec ma chair, qui influence ma chair, qui influence mes désirs, qui influence mes émotions, qui influence mes pensées, qui influence mon corps, qui influence mon âme. J'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit tout esprit, tout génie, tout démon, tout pouvoir qui influence ma chair, qui influence mon âme, qui influence mon corps, qui influence mon cœur, qui influence ma vie, qui influence mon âme au nom de Jésus. J'ai détruit tout esprit qui influence ma chair. J'ai détruit le pouvoir de tout esprit qui influence mes émotions. J'ai détruit le pouvoir de tout esprit qui influence mes pensées, qui influence mes désirs, qui influence mes envies, qui influence mon comportement, qui influence mes émotions, qui influence mon cœur. Je brise et je détruis tout démon qui influence ma chair, mon cœur, mes pensées, ma chair, mon cœur, mes pensées. Sors de ma vie au nom de Jésus. J'invoque l'épée de l'Éternel pour briser tout serpent qui influence mes pensées, qui influence mes émotions, qui influence mes envies, qui influence mes désirs, qui influence mon corps, qui influence mon cœur, qui influence mes pensées. J'ai détruit le pouvoir de tout esprit qui influence ma chair, qui influence mon cœur, qui influence mes pensées. J'ai détruit au nom de Jésus. Que tout esprit qui influence nos désirs, qui influence nos relations intimes, qui influence nos comportements, tout esprit des eaux, tout esprit des eaux, tout esprit soit brisé au nom puissant de Jésus. J'ai détruit le pouvoir de la déesse de la mer
Je détruis le pouvoir de la déesse des eaux de ma famille. Je détruis le pouvoir de toute déesse dans ma famille. Je détruis le pouvoir de toute reine dans ma famille. Je détruis le pouvoir de toutes les principautés dans ma famille. Des dominations dans ma famille. Des dominations et des principautés. Des dominations, des principautés. Les autorités dans ma famille qui influencent les pensées, qui influencent. Je détruis le pouvoir de l'esprit de polygamie. Je détruis le pouvoir de l'esprit de partenaires multiples. Je détruis le pouvoir qui sponsorise l'infidélité et l'adultère. Je détruis le pouvoir des esprits qui sponsorisent, qui provoquent l'infidélité, l'adultère, le retard et le blocage. Je détruis le pouvoir des esprits qui provoquent l'infidélité, le blocage, l'infidélité, l'amertume, l'infidélité. Je détruis par l'épée de l'Éternel. J'invoque l'épée de l'Éternel pour briser le pouvoir de tout esprit qui sponsorise l'impudicité, qui sponsorise la prostitution, qui sponsorise l'impudicité, qui sponsorise l'immoralité sexuelle. J'invoque l'épée de l'Éternel pour briser et détruire tout pouvoir des serpents, tout pouvoir de la reine du ciel, tout pouvoir de la déesse des eaux. Je brise le pouvoir des esprits, des démons succubes et incubes. Je détruis le pouvoir des démons incubes et succubes. J'invoque l'épée de l'Éternel pour briser les serpents, pour briser les génies, pour briser les démons, pour briser les esprits charnels. J'invoque l'épée de l'Éternel pour détruire tout pouvoir qui sponsorise les envies, tout pouvoir qui sponsorise l'impudicité, tout pouvoir qui sponsorise la prostitution, tout pouvoir qui sponsorise les désirs charnels, tout pouvoir qui sponsorise l'infidélité. J'ai détruit le pouvoir de tout génie, de tout serpent. J'invoque l'épée de l'Éternel pour découper, pour détruire tout esprit des eaux, toute déesse des eaux, toute sirène des eaux, tout génie des eaux de ma famille, de la mer, de la lagune, de la mer, de la lagune, des fleuves dans ce quartier. Je détruis le pouvoir de tout esprit des eaux, que l'esprit des eaux qui influence la chair, qui influence les pensées, qui influence les pensées, qui influence le cœur, soit découpé. Tout esprit des eaux, tout génie des eaux, tout génie des forêts, tout génie des montagnes, toute sirène des eaux, toute sirène des montagnes, toute sirène des ténèbres, toute sirène des ténèbres, toute sirène des ténèbres, toute sirène dans le monde des cimetières qui influence nos comportements, soit brisée au nom de Jésus. J'invoque l'épée de l'Éternel pour briser ton mariage, pour briser ton alliance, pour briser ton pacte, pour briser tes vœux, pour briser ton influence, pour briser... Pour briser toute parole que mes parents t'ont donnée, je brise toute parole, je brise tout vœu, je brise la procuration, je brise l'engagement que mes parents ont signé avec toi. Tout esprit qui influence ma vie, je brise l'engagement. Esprit de polygamie, je brise l'engagement. Esprit d'infidélité, je brise ton engagement. Entre moi, entre ma famille et toi. Esprit d'adultère, je brise ton engagement. Entre toi et ma famille, entre ma famille et toi. Entre toi et ma famille, entre moi et toi. Je brise l'engagement direct et indirect. L'engagement direct et indirect. L'alliance directe et indirecte que mes parents ont contracté, que ma famille a contracté. Je brise. J'invoque l'épée de l'Éternel pour détruire tout pouvoir qui donne des instructions à ma chair. Je détruis tout pouvoir qui contrôle ma chair. Je détruis tout pouvoir qui contrôle mes envies. Je détruis tout pouvoir qui contrôle mes émotions. Je détruis tout pouvoir qui contrôle mes sentiments. Je détruis tout pouvoir de la domination. Je brise toutes les dominations. Je brise le pouvoir des principautés. Je brise le pouvoir des dominations. Je brise le pouvoir des principautés. Je brise le pouvoir des dominations. Je brise le pouvoir des principautés. Je brise le pouvoir des dominations. Je brise. Toute influence ancestrale sur ma vie. Toute influence démoniaque sur ma vie. Toute influence sexuelle des démons sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Que toute puissance du monde des ténèbres qui me donne à manger, qui m'influence, soit découpée au nom de Jésus. Toute puissance du monde des ténèbres qui donne à manger aux enfants de Dieu en rêve, soit découpée par l'épée de Dieu. Soit découpée. Tous les démons derrière la magie sexuelle, soyez découpés. Au nom de Jésus, j'invoque l'épée de l'Éternel pour frapper et détruire tout pouvoir qui influence, qui contrôle ma vie depuis le monde du cimetière.
depuis le monde des cimetières, depuis le monde des ténèbres, depuis le monde des marins, depuis le monde des forêts, depuis le monde des montagnes, depuis le monde invisible, depuis le monde pandémonium, tout pouvoir qui influence ma vie, depuis le monde astral, soit broyé, soit brisé, tout pouvoir qui influence et contrôle ma femme, mes enfants et moi, ma femme, mes enfants et moi, depuis sa cachette, depuis le monde astral, j'invoque l'épée de l'Éternel pour briser le pouvoir des eaux. Pour briser le pouvoir de la sirène des eaux, de la reine des eaux, de la déesse des mers, j'ai détruit le pouvoir de la déesse des mers. J'ai détruit le pouvoir de l'esprit dans l'air, de l'esprit dans l'air, du prince de l'air. Je brise et je détruis le pouvoir du prince de l'air. Je brise et je détruis le pouvoir de la reine du ciel. Je brise et je détruis le pouvoir de la sirène des eaux. Je brise et je détruis le pouvoir des génies des eaux. Je brise et je détruis le pouvoir des sirènes, des sirènes, des sirènes, des sirènes, des déesses, des sirènes, des déesses du soleil, des déesses du soleil. Je brise et je détruis le pouvoir de la reine écarte des ténèbres, écarte des ténèbres. Je brise, je brise, je brise, je brise et je détruis le pouvoir de la reine Céridouane des ténèbres. Céridouane, je détruis ton pouvoir. Céridouane, je détruis ton pouvoir. Écarte, je détruis ton pouvoir. Reine du ciel, je brise ton pouvoir. Reine des eaux, je détruis ton pouvoir. Reine des eaux, je détruis ton pouvoir. Reine des côtes, je détruis le pouvoir de la reine des côtes. Je brise l'alliance que tu as conçue avec mes parents. Je brise l'alliance que tu as conçue avec mes parents. Je brise toute alliance avec le roi des côtes, avec la reine des côtes, avec le roi des ténèbres, avec la reine des côtes, avec le roi des pauvretés. Je brise toute alliance avec le roi des pauvretés, avec le roi de la colère, avec le roi des conflits, avec le roi des disputes, avec les rois mystiques. Je brise et je détruis tout pouvoir des rois, tout pouvoir des reines, tout pouvoir des génies, tout pouvoir des eaux, tout pouvoir des esprits, tout pouvoir des génies, tout pouvoir des eaux, tout pouvoir des esprits, tout pouvoir des eaux, tout pouvoir des esprits, tout pouvoir des eaux, tout pouvoir des esprits, tout pouvoir des eaux. Je brise et je détruis le pouvoir de la reine des côtes, du roi des ténèbres, des influences démoniaques. Je brise le pouvoir de la reine des côtes, je brise l'influence de la reine des côtes, des esprits de polygamie. Toute alliance de polygamie dans ma fondation soit brisée. L'alliance de polygamie, de partenaires multiples. L'alliance soit brisée. L'alliance soit rompue. L'alliance soit cassée. L'alliance soit détruite. L'alliance soit brisée. Je brise et je détruis le pouvoir des esprits qui sont derrière l'infidélité, l'adultère, la polygamie. L'infidélité, l'adultère, la polygamie. L'infidélité, l'adultère, la polygamie. Je brise le pouvoir de ces esprits et je m'en libère. Je brise le pouvoir de ces esprits et je libère la personne qui prie avec moi. Je brise le pouvoir de ces esprits sur ta famille au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise toute alliance de polygamie. Je brise toute alliance de polygamie. Je brise toute alliance d'adultère que ta mère a conçue, que ton père a conçue, que tes parents ont conçue la première fois qu'ils ont commis l'adultère. Je brise toute alliance d'adultère. Je brise toute alliance d'adultère dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus, je brise toute alliance d'adultère. Je brise toute alliance d'impudicité. Je brise toute alliance de polygamie. Je brise toute alliance d'infidélité. Je brise tout accord signé par mes grands-parents avec les eaux. Je brise tout accord signé par mes ancêtres avec les eaux. Je brise toute alliance signée par mes aïeux. Je brise toute alliance qui a été conclue au nom de toute la famille. Toute alliance qui a été conclue au nom de toute la famille. Toute alliance avec les démons de guerre. Toute alliance avec les génies de guerre. Toute alliance avec les esprits guerriers soit brisée. Toute alliance avec les démons chasseurs soit brisée, 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 soit brisée. Je brise toute alliance avec les démons, toute alliance avec les esprits des forêts. Je brise au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Je brise toute alliance avec les esprits, toute alliance conçue avec les esprits du passé. Je brise toute alliance avec les génies, toute alliance avec les esprits, toute alliance avec la pauvreté. Je brise toute alliance avec la pauvreté, toute alliance avec les génies, toute alliance avec les esprits de terre. Je brise au nom de Jésus le pouvoir des esprits de terre. Je brise le pouvoir des esprits de l'air. Je brise le pouvoir des esprits des montagnes. Je brise le pouvoir des esprits des eaux. Je brise le pouvoir des esprits des fers.
Je brise le pouvoir des esprits derrière les plantes. Je brise le pouvoir. Je brise le pouvoir des sirènes des montagnes. Je brise le pouvoir des sirènes des montagnes. Je brise le pouvoir des sirènes des eaux. Je brise le pouvoir des principautés, des génies, des démons, des principautés, des génies, des démons. Je brise le pouvoir au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de l'homme fort. Je détruis le pouvoir de la femme forte. Je détruis le pouvoir de la sirène des eaux. Je détruis le pouvoir du monde des ténèbres. Je détruis le pouvoir du royaume des ténèbres. Je détruis le pouvoir au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis le pouvoir des esprits des eaux. Je brise et je détruis le pouvoir des sirènes des eaux. Je brise et je détruis le pouvoir des esprits malins. Je brise au nom de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec la haine. Je crucifie ma chair avec la colère. Je crucifie ma chair avec les faiblesses. Je crucifie ma chair avec les désirs charnels. Au nom de Jésus. Que tout pouvoir démoniaque qui donne des instructions à mes pensées soit brisé et expulsé au nom de Jésus. Pouvoir démoniaque qui donne des instructions à mes pensées, je te détruis et je te chasse au nom de Jésus. Je détruis tout pouvoir qui communique avec ma chair par télépathie. Je brise et je détruis tout pouvoir qui communique avec moi par télépathie. Tout pouvoir qui communique avec ma chair, qui communique des désirs à ma chair, qui communique la haine à ma chair, qui communique la colère à ma chair, qui communique les pensées négatives à ma chair. Je te brise au nom de Jésus. J'invoque l'épée de l'Éternel pour briser toute puissance qui communique la haine à ma chair, qui communique la colère à ma chair, qui communique les pensées négatives à ma chair, qui communique la distraction à ma chair. Au nom puissant de Jésus. Je détruis tout pouvoir démoniaque qui communique avec moi par télépathie. Je brise tout pouvoir ancestral. Je brise tout pouvoir ancestral. Je brise tout pouvoir ancestral. Je brise tout pouvoir qui communique avec moi par télépathie. Tout homme, toute femme qui cherche à communiquer avec moi en esprit, je brise ton emprise au nom de Jésus. Je brise l'influence des hommes et des femmes, qui veulent s'emparer de mon âme. Je brise et je détruis l'influence des hommes et des femmes qui veulent s'emparer de mon esprit. Je brise l'influence des hommes et des femmes qui veulent contrôler ma chair, contrôler mes désirs, contrôler mes pensées. Je détruis le pouvoir de toute personne qui veut communiquer avec moi par télépathie. Qui me communique ses pensées pour me soumettre. Qui me communique ses pensées pour me soumettre au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise maintenant le pouvoir, je brise l'influence, je brise les actes de toute personne cherchant à communiquer avec moi par télépathie. Tout agent des ténèbres, tout mystique, tout magicien, tout sorcier, tout mystique, tout magicien qui veut communiquer avec mon esprit par télépathie, qui veut me communiquer ses pensées, qui veut me communiquer ses désirs, qui veut me communiquer ses ordres par télépathie, je détruis le pouvoir de tout individu qui se concentre pour contrôler ma vie, qui se concentre pour contrôler mes gestes, qui se concentre pour contrôler mon âme, qui se concentre pour contrôler mes pensées, qui se concentre pour me contrôler au nom de Jésus. Je détruis maintenant ta projection mentale, la projection mentale contre moi, la projection mentale du monde des ténèbres. Je détruis le pouvoir de tout individu, de tout sorcier, de tout agent des ténèbres qui veut communiquer avec moi. Pas une projection mentale. Je repousse tes désirs. Je repousse ton influence. Je repousse ta manipulation. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, amen. Tu vas refaire cette prière. Laisse-moi prendre une petite gorgée. La manipulation existe. Bien-aimé, si tu ne fais pas attention, ils vont te soumettre. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Ils vont te soumettre. La prière là, on prie. On adresse à Dieu des prières de faveur. On adresse à Dieu des prières pour trouver faveur. D'après ma femme, lorsque nous nous sommes mariés là, moi j'ai pas prié Dieu pour que Dieu me donne éloge. Elle a juste prié Dieu pour que Dieu lui donne un homme. C'est tout. Mais il y a des gens qui sont capables d'aller te soumettre, d'aller te contrôler, te dominer. C'est Dieu qui incline les cœurs. Si un enfant de Dieu apprécie son père spirituel, c'est Dieu qui l'a voulu. Si un père spirituel apprécie sa fille spirituelle et veut la former, c'est Dieu qui l'a voulu. Si un homme a choisi une femme pour dire voici celle que je veux, c'est Dieu qui l'a voulu.
Amen. Mais il y a des gens qui vont aller faire des rituels sur ta vie, qui vont t'emmener sur leur autel de manipulation, qui vont aller te soumettre à leur autorité. Bien-aimé, si c'est ça, moi je bloque ça, vite fait. Avant là, j'étais ignorant, ou bien j'étais quelqu'un qui croyait que tout le monde était bon. Maintenant, je sais que l'homme est mauvais. Et quand il s'agit de ses propres intérêts, il est capable de choses dramatiques. Mon but, c'est de t'enseigner pour que tu ne sois pas une marionnette qui se croit être dans le plan de Dieu alors que tu as été envoûté par des paroles. Bien-aimé, j'ai prié. Hein. Toute personne qui veut te soumettre à son autorité démoniaque n'y arrivera pas. Frère, avez-vous remarqué combien les gens sont parfois fatigués? Tu es là-bas, le monde des ténèbres te projette des pensées impures. Combien de fois vous avez été là mais incapable de contrôler vos pensées? Des pensées qui se bousculaient. Et après ça, bien-aimé, tu ne te souviens plus jamais de tes songes. À cause de quoi? Ils te font une projection mentale. Ils s'asseyent dans leur coin. Ils se concentrent, ils font des incantations. Et ils disent qu'ils t'envoient des pensées négatives. Bien-aimé, tu vas avoir... Même quand ils veulent te donner la tentation, ils le font à distance et ils te l'ordonnent. Vous allez remarquer que la plupart des fois que vous êtes sexuellement tenté, ça vient comme ça sans crier gare. Et quand ça vient, on dirait quelqu'un en train d'allumer un feu derrière vous. Vous devenez incontrôlable. À cause de quoi? La communication obscène par télépathie diabolique. Frère, vous savez, les enfants de Dieu communiquent en esprit, mais le monde des ténèbres communique par télépathie. Les enfants de Dieu, Dieu les fait voyager en esprit. La Bible déclare que Jésus-Christ a été conduit par l'esprit. La Bible déclare que Ézéchiel a été emmené en esprit dans une vallée d'ossements desséchés. Mais le monde des ténèbres font, les gens du monde des ténèbres là, ils font des projections mentales. Pardonne-moi de le dire, bien-aimé, c'est pas à cause de ce que toi et moi on s'est dit, mais ils font ce qu'on appelle la projection astrale. Amen. Quand on parle de projection astrale là, c'est un homme qui quitte son corps volontairement pour aller opérer dans le monde des ténèbres. Mais quand on parle de voyage en esprit, c'est une personne que Dieu enlève en esprit pour aller te faire voir des choses qui se sont passées au village. Voici pourquoi parfois, moi le Seigneur m'a enlevé en esprit pour aller voir telle personne en train de te détruire. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Une année, j'ai demandé à Dieu, mais comment est-ce que les gens me combattent? Le Seigneur m'a enlevé en esprit. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que je sais m'entend parler. Et il m'a emmené au village, dans un lieu où une femme que je connais très bien était en train de diriger un groupe de femmes qui chantaient des incantations contre moi et Logekissi. Et ces femmes avaient écrit mon nom sur des papiers. Elles étaient en train de dire « Éloge, meurs, Éloge, meurs !» Moi, j'étais là, je les regardais. Elles ne me voyaient pas, mais moi, je les voyais. Elles ne m'entendaient pas, mais moi, je les entendais. Et le Seigneur Dieu m'a montré pourquoi mes prières ne marchaient pas. Il m'a emmené en esprit. Et j'ai vu tout. Quand je me suis réveillé, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, tu as vu comment ces personnes-là sont en train de crier pour que tu meurs. Bien-aimé, je vous le dis devant Dieu. Je ne peux pas jurer. Mais Dieu sait que j'ai dit la vérité. Ça dit que ces personnes priaient tellement fort que la maison dans laquelle elles priaient là, leurs incantations démoniaques là, tremblaient. J'ai eu peur. Je me suis réveillé, j'avais des frissons. Et bien aimé, rassurez-vous que la maison dans laquelle ils étaient là, physiquement là, cette maison est cassée. C'est une maison qui appartient à un monsieur qui est décédé il y a longtemps. Je connais la maison, je connais le nom du monsieur, mais je préfère ne pas dire. Parce qu'il faut être sage aussi. Mais dans le spirituel, cette maison existe. Aïe! Donc, Dieu m'a emmené en esprit. La Bible déclare que tout ce que Dieu a utilisé, il les enlève en esprit. Ça veut dire que quand Dieu t'enlève en esprit là, comme Paul a été enlevé, comme Jean a été enlevé là, c'est pas de ta volonté que tu t'assoies pour faire une projection astrale ou mentale. C'est Dieu qui permet. Et beaucoup de gens, le monde des ténèbres communique des pensées démoniaques. Bien-aimé, excuse-moi, je t'ai dit que c'est pas à cause de toi que je le dis, mais le Seigneur me permet d'enseigner pour que les yeux s'ouvrent. Les sorciers font ce qu'on appelle la projection astrale. C'est une sortie en esprit volontaire pour aller opérer dans un monde des ténèbres. Voici ce qu'on appelle projection astrale.
tu te couches ou tu t'assois, tu fais des incantations ou tu récites des paroles mystiques, des codes sataniques et ton corps sort. C'est ce que les bouddhistes font. Maintenant, quand on parle de voyage en esprit, ça veut dire que Dieu t'a enlevé sans même t'avertir. Alors, tu vas dans le monde des esprits, Dieu peut t'emmener en rêve. Mais fais très attention. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se concentrer parce que le monde des ténèbres les manipule mentalement. Et surtout quand vous êtes en colère, vous êtes dans les disputes, alors le monde des ténèbres commence à travailler. Ils vont vous projeter des pensées de haine, des pensées de vengeance, des pensées de colère. Ça veut dire que vous-même là, vous allez comprendre que une fois que la porte est ouverte par la colère, par la mésentente et les disputes et les confusions, le bombardement mental des esprits et pensées négatives commence. Bien aimé, ça va vous harceler et vous allez remarquer qu'après ça, plus de rêve, le contact avec le ciel est coupé. Parce que le contact avec le ciel se fait avec la sainteté de la pensée, la pureté de l'âme, la tranquillité de l'esprit. Voici pourquoi quand on entend beaucoup de mauvaises pensées, la nuit on ne se souvient plus de nos rêves. Voici pourquoi quand on regarde beaucoup d'émissions mondaines, beaucoup d'informations, beaucoup de choses, après ça les rêves s'éteignent. Mais retirez-vous, concentrez-vous, fixez votre regard dans la Bible, vous allez voir que la nuit, les rêves deviennent clairs. Bien aimé, ce n'est pas pour vous critiquer que je dis ça, mais je vous enseigne pour que vous fassiez attention. Est-ce que vous faites partie d'une personne qui n'arrive pas à se détacher d'une pensée ancienne, d'une affaire? Ça y est toujours dans ta tête, une vieille affaire, tu en parles toujours. Tu es esclave quelque part. Ils ont capturé ton âme quelque part. Tu dois être détaché de cette affaire. Je te garantis, bien aimé, écoute-moi. Peut-être que tu as une pensée contraire à ce que je dis, mais mieux vaut l'humilité que l'orgueil. Mieux vaut un esprit ouvert que quelqu'un qui a un esprit fermé, tellement fermé que même la vérité, pour toi, c'est absurde. Que Dieu nous aide. On peut fuir la vérité, mais on ne peut jamais échapper à la réalité. Certaines personnes tardent à accepter la vérité. Et même quand tu viens dire aux gens, « Ah, tu avais dit ça, je ne t'ai pas cru, mais tu avais raison, c'est déjà trop tard. » Parce que l'ennemi a déjà trop profité de toi. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, « Seigneur, empêche l'ennemi de profiter de ma naïveté. Seigneur, empêche l'ennemi de profiter de mon orgueil. Empêche l'ennemi de profiter de mon entêtement et de ma rébellion. Je veux t'écouter, je veux apprendre, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Tout pouvoir qui communique avec toi par télépathie soit arrêté et enchaîné. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toute puissance du monde des ténèbres qui communique avec moi par télépathie soit enchaînée au nom de Jésus. Soit arrêtée et enchaînée. Que toute femme, que tout homme qui veut me soumettre à sa volonté par des moyens mystiques perde son emprise au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de tout individu, de toute femme, de tout agent des ténèbres qui veut me soumettre à son autorité par une communication obscène au nom de Jésus. Je lis et j'enchaîne toutes les puissances démoniaques derrière la communication obscène. Je lis et j'enchaîne toutes les puissances démoniaques derrière les communications obscènes. Je lis et j'enchaîne toutes les puissances démoniaques derrière les conversations obscènes au nom de Jésus. Je refuse de discuter en esprit avec des démons. Je refuse de causer en esprit avec des entités démoniaques. Je refuse d'échanger en esprit avec des voix occultes. Je refuse que des voix démoniaques parlent dans mon esprit au nom de Jésus. Je refuse que des voix occultes parlent en moi. Je refuse que des voix de peur parlent en moi. Je refuse que le diable parle à mon esprit. Je lis toute force contraire à Dieu qui parle à mon esprit. Je lis tous les génies des eaux qui parlent à mon esprit. Je lis toutes les entités démoniaques qui parlent à mon esprit. Je vous chasse, je vous lis, je vous chasse, je vous lis, je vous chasse, je vous lis, je vous chasse, je vous lis. Je lis toute personne qui parle à mon esprit. Je lis toute personne qui veut contrôler mon esprit, qui veut contrôler ma chair, qui veut contrôler mon âme, qui veut contrôler mes désirs, qui veut contrôler mes actions, qui veut contrôler mes choix, qui veut contrôler mes désirs par des moyens mystiques au nom puissant de Jésus. Je détruis maintenant le pouvoir de tout individu qui veut me contrôler par le moyen de l'envoûtement. Par le moyen de l'envoûtement, je détruis le pouvoir de tout homme, de toute femme, de tout agent des ténèbres qui veut me contrôler par le moyen de l'envoûtement, par le moyen de la séduction, par le moyen de l'envoûtement, par le moyen de la séduction, par des paroles, par des voix. Je détruis le pouvoir de tout homme, de toute femme, de tout individu qui veut me contrôler par le moyen de la manipulation mentale.
par le moyen de la manipulation astrale, par le moyen de la manipulation. J'ai détruit le pouvoir de tout agent des ténèbres qui veut manipuler ma femme, mes enfants et moi par des moyens occultes, par des voies occultes, 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 au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tout pouvoir qui communique avec moi par télépathie. Tout ancêtre qui communique avec moi par télépathie. Je coupe le contact entre moi et le village. Je coupe le contact spirituel entre moi et mon village. Je coupe le contact spirituel, la communication entre moi et mon passé. Je coupe le contact spirituel entre moi et le monde des eaux. Je coupe, je brise le contact. Je brise la communication. Je brise les échanges. Je brise les contacts. Je romps le silence. Je détruis les choses entre moi et le monde spirituel. Toute communication établie entre moi et le monde des eaux, entre moi et le monde satanique, entre moi et le monde démoniaque, soit brisée au nom de Jésus. Tout pouvoir qui parle à mon esprit, qui parle à mes pensées, qui parle à mon âme, qui parle à mon corps, depuis le monde des ténèbres, je brise maintenant la communication entre moi et le village, la communication entre moi et le monde ancestral, la communication entre moi et les villages spirituels. Au nom de Jésus, que leurs satellites soient détruits, que leurs fusées soient détruites, que leurs radios soient détruits, que leurs ordinateurs soient détruits, que leurs appareils soient détruits, que leurs dépôts soient détruits, que leurs installations dans ma maison soient détruites au nom de Jésus. Que leurs installations soient détruites, que leurs installations soient détruites, que leurs appareils soient détruits, que leurs puces dans mon corps, dans mes pensées, dans mon âme soient détruites, que leurs puces soient détruites, que leurs puces, que leurs puces, que leurs cordes soient détruites, que leurs cordes soient détruites, que leurs hôtels soient désactivés pour toujours au nom de Jésus. Que leurs hôtels soient désactivés, que leurs hôtels soient désactivés, que leur pouvoir soit désactivé, que leurs chaînes soient désactivées, que leurs contacts soient désactivés, que leur canal de communication soit détruit, leur canal de communication télépathique, leur canal, leurs appareils, leurs satellites, leurs antennes soient broyés, soient brisés, soient foudroyés, soient écrasés, que leurs ordinateurs tombent en panne, que leur numéro de communication soit consumé. Que leur numéro téléphonique diabolique soit consumé. Que leurs appels téléphoniques diaboliques soient consumés. Je brise le pouvoir de leur sifflet d'appel. Je détruis leur sifflet d'appel. Je détruis leur fouet d'appel. Je détruis leur corne d'appel. Je détruis leur trompette d'appel. Je détruis leur sifflet d'appel. Je détruis leur sifflet d'appel. Je détruis leur trombone d'appel. Je détruis leur sifflet d'appel. Je détruis leur trombone d'appel. Je détruis le pouvoir de leur tam-tam d'appel. Je détruis le pouvoir de leurs incantations. Je détruis le pouvoir de leur rituel d'appel, de leur communication, de leurs appels. Je détruis le pouvoir de leur nourriture d'appel. Je détruis le pouvoir de leurs antennes, de leurs fusées, de leurs satellites sataniques. Je détruis le pouvoir de leurs appareils, de leurs appareils, de leurs caméras, de leurs œuvres, de leurs appareils, de leurs puces, de leurs appareils d'espionnage. Je détruis le pouvoir de leurs appareils d'espionnage. Je détruis le pouvoir de leurs écrans radar, de leurs écrans d'ordinateur, de leurs écrans. Je détruis le pouvoir de leurs écrans. Je détruis le pouvoir de leurs écrans radar. 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 Je détruis le pouvoir de leurs antennes, de leurs lignes de communication. Au nom de Jésus. Je brise et je détruis toute ligne de communication qu'ils ont établie, toute ligne de communication qu'ils ont ouverte au nom de Jésus. Je brise et je détruis toute communication entre moi et le monde satanique. Je détruis toute communication entre mon esprit et le monde des ténèbres. Je détruis toute communication entre moi et le monde des ancêtres. Je détruis toute communication entre moi et le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Je détruis toute communication entre moi et le séjour des morts. Toute communication entre moi et le monde des cimetières. Toute communication entre moi et la sorcellerie familiale. Toute communication entre moi et les ancêtres soit brisée au nom puissant de Jésus. Je détruis le pouvoir de toute puissance qui communique avec moi par la chair, qui communique avec moi par la télépathie, qui communique avec moi. Je détruis, je brise au nom puissant de Jésus. Je détruis le pouvoir de tout agent des ténèbres qui communique avec mes émotions, qui communique avec mes sentiments, qui communique avec ma chair, qui communique avec mes désirs, qui communique au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de tout agent des ténèbres qui me communique ses désirs. Je détruis le pouvoir
de tout homme, de toute femme qui me communique ses désirs à distance. Je détruis le pouvoir de tout sorcier, de toute sorcière qui me communique ses désirs, qui communique avec ma chair, qui communique avec mon âme, qui communique avec mon esprit. Je brise le pouvoir de tout agent des ténèbres qui communique avec moi par la chair, qui communique avec moi par les pensées, qui communique avec moi par les souvenirs. Je brise le pouvoir. Le pouvoir, l'influence des hommes et des femmes exercés sur moi depuis le monde des ténèbres. Je brise le pouvoir de tout individu qui veut prendre le contrôle de mon cœur depuis le monde des ténèbres, depuis sa cachette. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout agent des ténèbres qui communique avec moi chaque nuit, chaque jour, par télépathie, pour influencer mes émotions, d'être détruit au nom de Jésus par la foudre. Sois détruit par la foudre au nom puissant de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec sa colère. Je crucifie ma chair, que tous les désirs charnels disparaissent. La soif, la haine, la colère, soient crucifiés et chassés au nom de Jésus. Je détruis tous les désirs de la chair et je brise leur emprise sur ma vie au nom puissant de Jésus. Désirs de la chair, je te l'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ. Brise-toi et sors de ma vie dans le nom de Jésus. J'ordonne à la chair de mourir. Que ma chair soit crucifiée, avec ses désirs et ses passions soit crucifiée. Que ma chair avec la haine soit crucifiée. Que ma chair avec la colère soit crucifiée. Que ma chair avec la paresse soit crucifiée. Que ma chair avec la vantardise soit crucifiée. Que ma chair avec l'esprit d'accusation, l'esprit de jugement soit crucifié. Que ma chair soit crucifiée au nom de Jésus. J'ordonne que l'esprit qui crée l'impudicité soit détruit et expulsé de ma vie au nom de Jésus. J'ordonne que l'esprit qui crée l'impudicité soit détruit. J'ordonne que l'esprit qui crée l'impureté soit détruit au nom de Jésus. Sors de ma vie et n'y rentre plus. J'ordonne que l'esprit qui crée la dissolution, qui crée l'idolâtrie et la magie soit détruit et n'y rentre plus dans ma vie au nom de Jésus. Sors de ma famille. J'ordonne que l'esprit qui crée la distraction et les pertes de temps soit détruit dans la vie de ma femme, de mes enfants et moi, soit chassé de la vie de ma femme, soit chassé de ma vie, soit chassé de la vie de mes enfants, soit chassé de ma maison. Au nom de Jésus, j'ordonne que l'esprit qui crée les inimitiés, les querelles et la jalousie soit détruit et sorte de ma vie au nom de Jésus. Soit détruit et sort de ma vie. Tout esprit d'animosité dans ma famille maternelle, tout esprit d'animosité dans ma famille paternelle, sort au nom puissant de Jésus. Je détruis l'esprit qui sponsorise la jalousie, les querelles, la haine et la magie. Je détruis l'envoûtement, je détruis l'esprit, je détruis l'ensorcellement, je détruis les choses qui créent la jalousie, la haine, l'idolâtrie. Je détruis l'esprit de jalousie, je détruis le manteau de la jalousie, le manteau des querelles, le manteau de la guerre, le manteau de la haine, le manteau de la colère, le manteau satanique. Je brise et je détruis tout manteau diabolique, tout manteau de querelles, de jalousie, de haine, de colère. J'ai détruit le manteau des animosités, j'ai détruit le manteau des disputes, j'ai détruit les sectes, l'impureté, l'impudicité. Je brise et je détruis l'esprit d'impudicité, l'esprit de mensonge, l'esprit d'impudicité, l'esprit de mensonge, l'esprit de querelles, l'esprit de haine. Je brise et je détruis tout manteau derrière l'impudicité, le manteau, l'esprit d'impudicité, le manteau, l'esprit des mauvais désirs. Tous les mauvais désirs à moi soient détruits. Je détruis les mauvais désirs. Tout esprit derrière les mauvais désirs, derrière la haine, derrière la vengeance, derrière les querelles, derrière l'envie de se disputer, derrière l'envie de se venger, derrière l'envie de faire le mal, soit brisé au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de tout esprit derrière les mauvais désirs.
Je détruis le pouvoir de tout esprit derrière les mauvaises passions, derrière les mauvais désirs, 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 derrière les mauvaises passions, derrière les mauvais désirs. Je détruis tout esprit derrière les mauvais désirs, derrière l'envie, derrière la haine, derrière les querelles, derrière les mauvaises choses, derrière la médisance, derrière le mal. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il est écrit, ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Vous savez, il est bien d'apprendre la parole de Dieu aux gens, mais il est très difficile de savoir mettre ça en application. Frère, normalement, à l'heure où nous sommes là, beaucoup de gens ne devraient pas être trop esclaves et souffrants. Parce que de nos jours, grâce aux réseaux sociaux, les œuvres du diable sont dévoilées. Les témoignages à gogo, on en a jusqu'à, on ne sait même pas ce qu'on va choisir. Pour autant, malgré que les œuvres du diable ont été dévoilées, certains sont encore bloqués. Parce que c'est ce que j'ai dit toujours là. Il ne s'agit pas de dévoiler. Après avoir dévoilé, on doit savoir appliquer. Je vous ai toujours dit que, à l'exception du pasteur Jonas, beaucoup de gens rendent des témoignages de leur passé dans les ténèbres, mais ne donnent jamais d'informations, ne donnent jamais de stratégies, ne donnent jamais de prières. Ça sert à quoi? Que je sache qu'on m'a jeté dans un trou sans que je sache quelle parole peut me faire sortir de là. La Bible dit qu'il envoya la parole et il l'a fait, il les fit échapper de la force. Donc ce qui veut dire que quand Dieu révèle, là, il donne des solutions. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses à moitié. Pour autant, les gens donnent des témoignages, mais sont incapables de donner des solutions. Parce que, bien aimé, le diable ne sait que détruire. Je vous dis la vérité. Donc, si vous ne faites pas attention, vous pouvez même être un chrétien qui a de mauvais désirs. Frère, c'est la vérité. Savez-vous combien de gens méditent la vengeance? Savez-vous combien de femmes sont animées de mauvais désirs? Quand elles sont en colère, tout ce qu'elles font, c'est de chercher comment je vais parler mal à mon mari. Qu'est-ce que je vais faire? Puis ça va lui faire mal. Bien-aimé, là où tu veux rendre le mal pour le mal, là, c'est un esprit de mauvais désir. La vengeance, c'est un esprit de mauvais désir. Il y a des hommes qui sont en colère. Comment ils vont faire pour détruire leur femme? Ça dit que tant qu'ils ne lui ont pas rendu le mal par le mal. C'est pour ça qu'on se détruit, non? La Bible dit que si nous nous dévorons, si nous nous mangeons, qu'on prenne garde de ne pas nous détruire les uns les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ce qui est dans leur cœur, si tu dévoiles, tu vas couper avec eux. Il y a des femmes qui ont des mauvais désirs. Pendant qu'elle est dans le foyer, là, les complots qu'elle monte contre son mari. Bien aimé, je vous dis la vérité. Il y a des hommes qui sont là. Hein. Leur mauvais désir, ça dit que dans sa tête, là, il prépare comment il va foutre cette femme dehors. Et il va la pousser en erreur. Savez-vous combien de femmes sont mauvaises, combien d'hommes sont mauvais? Je le dis aujourd'hui parce que c'est le temps d'en parler. Des mauvais hommes, des mauvaises femmes. Elle couche avec toi, mais elle a un plan. Il couche avec toi, mais il a un plan. Sous le même toit, mais il a un plan. Les mauvais désirs. Bien-aimés, ce sont des esprits qui sont derrière. Des esprits qui sont derrière. Je le dis, hein, une personne qui t'a vraiment aimé ne peut pas te vouloir le mal, peu importe ce qui va mal dans votre vie. Alléluia, ça c'est une parole forte. Une personne qui t'aime ne peut jamais te vouloir le mal. Oh, bien aimé, voici une parole très forte que j'ai envie de partager avec vous. Une personne qui t'aime ne peut jamais te vouloir le mal, peu importe ce qui va mal dans votre vie. Mais quand on a des mauvais désirs en nous, quand on est mauvais de nature, et puis on camoufle notre mauvaise nature, parce qu'en attendant, les gens font ce qu'on veut, les gens agissent comme on veut, nos intérêts sont respectés. Voilà, on a ce qu'on veut. Alors, on camoufle les mauvais désirs. Mais c'est lorsque ça ne va pas qu'on se rend compte qu'en fait, on est mauvais sans le savoir. Il y a des chrétiens qui sont mauvais. Une personne mauvaise
a toujours l'envie de rendre le mal par le mal. Tu lui fais quelque chose, c'est qu'est-ce que je vais dire ou faire pour lui faire mal. C'est ce qu'on appelle avoir de mauvais désirs. On médite la vengeance. On médite ce qu'on va faire pour lui rendre le mal par le mal. La Bible dit que si nous avons des mauvais désirs, cela peut nous détruire. C'est ça qu'on appelle avoir un zèle amer. Tu es un chrétien, une chrétienne zélée, mais quand il s'agit de rendre le mal par le mal, tu n'y réfléchis pas. Bien-aimé, pense à cette parole. Je voulais juste te donner ça comme un petit conseil. J'espère que tu n'as pas de mauvais désirs en toi. Tu n'es pas le genre de personne que quand on te fait du mal, au lieu de pardonner, tu t'assois pour méditer. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis ça va lui faire mal. Ça s'appelle avoir des mauvais désirs. Être mauvais en fait. En fait, ce sentiment-là, tu l'as camouflé parce que tes intérêts étaient comblés. Tes désirs étaient comblés. Ça ne s'appelle pas aimer une personne. Être gentil parce que les gens t'aiment. Être gentil parce que tu as l'amour. Être gentil parce que tu as des bénédictions. Être gentil parce qu'on te donne ce que tu veux là. Ne veut pas dire que tu aimes quelqu'un. Ça veut tout simplement dire que tes intérêts sont respectés, alors tu es gentil. Mais c'est quand on fera un truc que tu n'aimes pas. On posera un acte que tu n'aimes pas. On dira quelque chose qui ne te plaît pas là. C'est ta capacité à continuer à donner de l'amour, à pardonner, à laisser tomber. Ça dit que ta capacité à tolérer démontre l'amour. Notre Dieu, notre Père Céleste nous aime. Regardez comment il ne se lasse de nous pardonner. Mais les hommes, tellement nous sommes mauvais que même quand on pardonne, on n'oublie pas. Parce que on reste toujours sur nos gardes pour trouver une occasion de nous venger. Bien-aimé, sois délivré de tes mauvais désirs. Sois délivré de ta haine. Sois délivré de ton esprit qui te fatigue là. Sois délivré de ce démon là qui te fait dire aux gens que toi tu as pardonné au père de tes enfants, à la mère de tes enfants, à ceux qui t'ont fait du mal, mais toujours leur nom là, ça est dans ta bouche comme cure-dent. Hein, bon, quelqu'un qui a vraiment pardonné là, est-ce que tu peux prendre nom des gens à qui tu as pardonné pour faire cure-dent, au point même que tu les vois, tu veux même pas leur parler, tu dis que tu as le pardon dans ton cœur? Tu n'en as pas. Tu ne peux pas dire j'ai pardonné à quelqu'un que j'ai continué de détester, de haïr et de me méfier, de faire des choses. Bien aimé, que Dieu nous délivre. C'était l'évangéliste, écrivain, prophète, Eloge Ekissi. Allons seulement. On va voir qui a mis l'eau dans le coco. Si j'ai tort, Dieu me dira. Si tu as raison, Dieu te le dira. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Rien que la vérité. Alors bien aimé, tu vas prier. Tu vas prier encore. Amen. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Tu vas demander à Dieu de te sauver. Tu vas demander à Dieu de te garder. Tu vas détruire tous les mauvais désirs en toi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je détruis tous les mauvais désirs que le monde des ténèbres a semés dans ma vie. Seigneur, je te demande de me garder et de me protéger. Protège-moi des mauvais désirs. Protège-moi de la cupidité, de l'idolâtrie. Je détruis tous les désirs charnels, tous les faux désirs matériels que le monde des ténèbres veut utiliser pour me détourner de la volonté de Dieu. Seigneur, tu nous donnes le matériel pour vivre, mais le matériel ne deviendra jamais mon Dieu et mon idole. Je détruis tous les mauvais désirs, tous les mauvais désirs, tous les mauvais désirs, tous les mauvais désirs. Je détruis toute puissance qui attache les hommes à des choses matérielles. Je détruis toute puissance qui attache les femmes à des choses matérielles. Je détruis toute puissance qui nous attache au matériel. Je détruis toute puissance qui nous attache à des désirs charnels. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie la cupidité. Je crucifie les mauvais désirs. Je crucifie l'idolâtrie au nom de Jésus. Je détruis maintenant les provocations dans mon sang, les provocations dans mon âme, les disputes dans mon sang et les disputes dans mon âme au nom de Jésus. Je délivre mon cœur de tous les mauvais désirs. Je délivre mes pensées de tous les mauvais désirs. Seigneur, remplis mon cœur d'amour et de patience. Seigneur, remplis mon cœur
de joie et d'amour. Seigneur, remplis mon cœur de joie et de paix. Seigneur, remplis mon cœur de joie et de paix. Seigneur, remplis mon cœur de joie et de paix. Seigneur, remplis mon cœur de joie et de paix. Seigneur, remplis mon cœur de joie et de paix. Seigneur, remplis mon cœur de joie et de paix. Je détruis tous les mauvais désirs. Je détruis tous les mauvais désirs que le monde des ténèbres a semé dans ma vie. Je détruis tout ce que le monde des ténèbres a semé dans mon cœur. Je brise et je détruis la haine, la colère, la jalousie, les choses qu'ils ont semées dans mon cœur, qu'ils ont semées dans mes pensées, qu'ils ont semées dans mon ventre, au nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce qu'ils ont semé dans mon cœur. Je détruis tout ce qu'ils ont semé dans mon cœur. Je détruis tout ce qu'ils ont semé dans mon cœur. Je détruis tout ce que le monde des ténèbres a semé dans mon cœur. Tout ce que mes ennemis ont semé dans mon cœur. Tout ce que mes oppresseurs ont semé dans mon cœur. Je détruis, j'annule et je casse tout ce qu'ils ont semé dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. Je brise et je détruis tout ce qui a été semé dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon ventre, au nom puissant de Jésus. Je détruis maintenant tous les dépôts sataniques dans mon ventre, tous les dépôts, les nourritures dans mon ventre, dans mon corps, dans mon bas-ventre, dans mon sang. Je détruis par le sang de Jésus, par le feu de Dieu. Je consume toutes les mauvaises choses qui ont été déposées dans mon corps, dans mon sang, dans mon âme, dans mon esprit. Je détruis toutes les mauvaises choses qui ont été semées dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je détruis toutes les mauvaises choses qui ont été semées dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Je détruis toutes les mauvaises choses qui ont été semées dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Je détruis toutes les mauvaises choses qui ont été semées dans mes pensées, dans mon sang, dans mes veines, dans mon cœur, dans mes poumons. Je détruis toutes mauvaises choses que le monde des ténèbres a déposées dans mes intestins, dans mes estomacs. Je détruis dans mon estomac. Je détruis toutes les mauvaises choses au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui a été semé dans mon cœur. Toutes les paroles qui ont été semées dans mon esprit. Toutes les choses qui ont été semées dans ma chair. Je détruis tous les désirs, toutes les pensées, toutes les choses qui ont été semées dans mon esprit, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je détruis toutes les mauvaises choses qui ont été semées dans mon cœur. Qui ont été semées dans mon cœur. J'ai détruit toutes les mauvaises choses qui ont été semées dans ma vie, qui ont été semées dans mon cœur, qui ont été semées dans ma vie, qui ont été semées dans mon âme, qui ont été semées dans mes pensées, qui ont été semées dans ma vie, qui ont été semées dans mon futur. J'ai détruit toutes les mauvaises choses que le monde des ténèbres a semées dans l'esprit de ma femme, de mes enfants, de ma femme, de mes enfants, de mes femmes, de ma femme, de ma femme, de mes enfants, de ma femme, de mes enfants, de ma femme, de mes enfants, dans ma maison. J'ai détruit toutes les mauvaises choses qui ont été semées dans mon ventre, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Un instant, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît, écoute, pardon. Amen. Frère, vous ne savez pas qu'est-ce que le diable et ses agents font. Toutes les nuits, il te donne à manger. Il sème des choses dans ton corps. Incantations, maladies, tout ça là, il donne en rêve. Problème de cœur, en rêve. Migraine, maladie, sémence. Si vous savez combien le diable sème des pensées négatives en certaines personnes, elles n'arrivent pas à se débarrasser de ces pensées. C'est comme s'il y avait une guerre dans leurs pensées. Et en plus, ce sont que des pensées mauvaises, des pensées négatives. Bien aimé, beaucoup de gens ont besoin de délivrance. Parce que ce qui est dans ta tête là, ça fait que tu ne penses même pas à ta destinée. Tu penses seulement qu'aux choses matérielles. Tu penses seulement qu'aux choses du monde. Ça dit qu'un chrétien normal, là, délivré, il doit être capable de se dire, mais demain je deviens quoi? Demain je fais quoi? Ma vie sur terre c'est quoi? Mais il y a des gens, l'ennemi a semé seulement que des choses négatives dans leur esprit. Des futilités, des bêtises. S'il n'y a pas de délivrance, c'est difficile que certaines personnes fassent la volonté de Dieu. Il y a la délivrance de la chair, il y a la délivrance de la tête, il y a la délivrance du ventre, il y a la délivrance du cœur, il y a la délivrance des parties, pardonnez-moi du thème, intimes. Bien aimé, toutes les nuits tu fais des rapports intimes, le monde des ténèbres dépose des dépôts dans ton corps. Toutes les nuits tu fais des rêves, tous les jours tu es bombardé dans tes pensées. Frères et sœurs,
quand on parle de crucifier la chair là, beaucoup de gens lisent cette parole biblique, hein, selon Galates 5, verset 24 à 25. Mais bien aimé, voyez-vous-même, très peu de gens, pas pour me vanter, loin de là l'idée de me vanter, je le dis pour préciser quelque chose. Très peu de gens sont capables de lire la Bible et d'aller trouver des prières pour l'appliquer, telles que je vous enseigne. Je vous dis la vérité. Mais bien aimé, ce n'est pas pour une vaine gloire que je le dis. Je le dis parce que c'est la vérité. Depuis qu'on te dit que ceux qui sont à Jésus sont crucifiés leur chair avec ses désirs, ses passions-là, est-ce qu'on t'a donné des prières pour commander les démons, pour ordonner aux esprits de partir, tel qu'on entend de le faire là? Non, c'est par la grâce de Dieu qu'on trouve ces prières, qu'on est inspiré. Frère, c'est la vérité. Beaucoup de gens ont entendu cette parole, mais n'ont jamais su comment on met ça en application. Or, Paul dit, j'ai durement traité la chair. Comment on traite la chair? Tu parles à toutes les parties de ta chair. Parce que toutes les nuits, eux, ils t'envoient des choses, des pensées. On va répondre la prière. Tu vas délivrer ton ventre. Bien aimé, c'est le genre de prière après lesquelles tu as mal au ventre ou bien ton ventre coule. Pour certains, ça coule. Pour certains, ça ne coule pas. Pour certains, même en pleine prière, tu sens que quelque chose est sorti de ton corps. Trop de gens ont eu des semences démoniaques dans leur corps. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils sont en train de prier, ils ont envie de vomir. Quelque chose est sorti. Quelque chose a entendu une parole qu'elle ne supporte pas. Elle veut sortir. Des esprits, des démons, des déchets sataniques. Amen. Certaines femmes, l'ennemi a tellement souillé leur partie que elles-mêmes savent ce qui sort de leur corps. Bien-aimé, tu as besoin de délivrance. Sinon, tu risques de transporter des odeurs avec toi. Toi seul, tu camoufles ça avec des parfums avant de sortir. Mais tu sais de quoi je parle. Savez-vous combien de femmes transportent des odeurs avec elles? C'est pour ça qu'elles ne se débarrassent jamais des parfums. Elles en ont même dans leur sac. Ma soeur, ce n'est pas pour t'insulter que je le dis. C'est pour t'ouvrir les yeux. Voilà, moi qui suis là, il ne met pas parfum. Avant, j'en avais acheté. Mais depuis un certain temps, à cause de certaines prédications, j'ai dit, bon, mieux vaut obéir que de jouer les durs. Donc, bien aimé, je n'ai pas besoin de parfum pour camoufler les mauvaises odeurs. Je suis désolé. Tranquille. On peut avancer. Tu vas faire ta délivrance. C'est pour t'enseigner que je suis là. On n'est pas en palabre. Calme-toi, s'il te plaît. Ce que j'ai dit là, si ça te choque, je suis désolé, mais c'est la vérité. Quelqu'un qui sent bon, mais pas parfait. Il faut dire ça aux gens. Amen. Dis ça à quelqu'un. Il faut répéter. J'ai dit, oh, ma soeur, quelqu'un qui sent bon, mais pas parfait. Un point, un trait. Tu es choqué, pourquoi? Tu mets parfait là, pourquoi? C'est pour camoufler quoi? Dis à quelqu'un. Quelqu'un qui sent bon, mais pas parfait. Tranquille. Voilà. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je délivre mon cœur de tout esprit de colère, de haine et de rancune. Je délivre mon cœur de tout démon de guerre. Je délivre mon cœur de tout esprit impur. Je délivre mes pensées au nom puissant de Jésus. Je détruis maintenant tout ce que le monde des ténèbres a semé dans mon cœur, a semé dans ma chair, a semé dans ma vie, a semé dans la vie de ma femme, de mes enfants, au nom puissant de Jésus. Je délivre mon cœur. Je délivre mon cœur de toutes choses qu'ils ont sémées. Je délivre l'esprit et les pensées de mes enfants au nom de Jésus. Seigneur, délivre mon cœur de toutes les semences. Seigneur, délivre mon cœur de tous les mauvais héritages. Je détruis toutes choses que le monde des ténèbres a sémées dans ma chair, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je détruis tout ce qu'ils ont sémé dans mon ventre alors que je dormais. Je détruis tout ce qu'ils ont déposé à moi. Tous les dépôts maléfiques, les dépôts dans mon corps, les dépôts dans les parties de nos sœurs, nous les détruisons au nom de Jésus. Les odeurs qu'ils ont déposées en nous, soient lavées par le sang de Jésus, soient lavées les odeurs, soient lavées les choses qu'ils ont déposées dans ma tête, soient consumées. Toute maladie, toute tumeur, toute chose, toute aiguille, sorte de ma tête au nom de Jésus. Les maladies dans mon cœur, les maladies dans ma tête, les choses que le monde des ténèbres a déposées, les cailloux, soient chassés de mon corps. Soyez chassés de ma tête, de mon esprit, de mon âme. J'ai détruit tout ce qu'ils ont déposé comme maladie dans mon corps, dans mon sang. J'ai détruit tout ce qu'ils ont déposé comme maladie dans mon corps, dans mon sang, dans mon âme. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. J'ai détruit
Tout ce que le monde des ténèbres a semé dans mon corps, dans mon bas-ventre, dans mon poumon, dans mes estomacs, j'ai détruit tout ce qu'ils ont semé dans ma vie, dans ma chair, dans ma bouche, dans mes mains. J'ai détruit tout ce qu'ils ont semé au nom de Jésus. Toute chose qu'ils m'ont fait respirer soit détruite au nom de Jésus, soit nulle et sans effet. Je déclare que tout ce qu'ils m'ont fait respirer soit nul et sans effet. Tout ce qu'ils m'ont donné à manger soit nul et sans effet. Tout ce qu'ils m'ont donné à avaler soit nul et sans effet. Toute chose qui est entrée dans mon corps dans un rêve soit au nom de Jésus. Tout esprit qui s'est emparé de mon corps, de mon cœur dans un rêve soit au nom de Jésus. Soit. Je détruis maintenant tout esprit qui vient des familles auxquelles je me suis lié avec une alliance. Je me suis lié par le sang. Je me suis lié par des relations. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Tout esprit auquel je me suis lié à cause de la belle famille, à cause de ma famille, à cause de la famille, de mes amis, j'ai détruit tout esprit venant des hommes et des femmes, que j'ai connu. Je te chasse de ma vie. Tout esprit qui s'est incarné en moi, soit brisé par l'épée de Dieu. Et va-t'en pour toujours. Ne rentre pas chez quelqu'un d'autre dans ma famille. Pars maintenant dans les abîmes. Pars. J'invoque l'épée de l'Éternel pour briser cet esprit, pour briser ce démon, pour briser cet esprit qui s'est incarné en moi. Par la tête, par le cœur, par le corps, par la tête, par le cœur, par le corps, j'ai détruit tous les esprits démoniaques qui agissent en moi, qui agissent à travers ma parole, qui agissent à travers ma bouche, qui agissent à travers mes pensées, au nom de Jésus. Je brise et je détruis le pouvoir des serpents, le pouvoir des pitons, le pouvoir des mandas, le pouvoir des serpents verts. Je détruis le pouvoir des serpents, le pouvoir des esprits, le pouvoir des démons, le pouvoir des génies, le pouvoir des esprits des serpents. Tout homme serpent, soit chassé de ma vie. Toute femme serpent, soit chassé de ma vie. Tout homme serpent, soit chassé de ma vie. Toute femme serpent, soit chassé de ma vie. Tout serpent qui s'est incarné dans le corps d'un homme, soit chassé. Tout serpent qui combat mon étoile, soit découpé au nom de Jésus. Que tout serpent qui combat mon étoile, qui combat ma chair, qui combat mes désirs, soit découpé par l'épée. J'invoque l'épée de l'Éternel pour détruire le serpent, pour détruire la sirène, pour détruire les génies, pour détruire le mari des nuits, pour détruire les pitons, pour détruire les serpents bois, pour détruire les serpents à sonnette, pour détruire les serpents noirs, pour détruire les serpents, peu importe le serpent, dans mon corps, dans mes pensées, dans ma chair, j'ai été détruit. Le serpent des familles, le serpent des eaux, le serpent marin, j'ai détruit le pouvoir des serpents, adoré le pouvoir des dragons, le pouvoir des crocodiles dans ma chair, j'ai détruit les crocodiles dans ma chair, les crocodiles dans mon ventre, les crocodiles dans mes pensées, les crocodiles en moi, le crocodile, j'ai détruit le pouvoir du crocodile, j'ai détruit le pouvoir du dragon, j'ai détruit le pouvoir des esprits, j'ai détruit le pouvoir des hippopotames dans le corps des enfants de Dieu. J'ai détruit le pouvoir des hippopotames, le pouvoir des esprits marins, le pouvoir des génies, le pouvoir des eaux, le pouvoir des esprits de la lagune. J'ai détruit le pouvoir des esprits des sirènes, des esprits des lagunes, des esprits de la mer, des esprits des fleuves, des esprits des cours d'eau, des esprits des fleuves, des esprits des rivières, des esprits des forêts. J'ai détruit le pouvoir des esprits, le pouvoir des génies, les alliances qui nous lient à vous soient brisées au nom de Jésus. Je brise toute alliance qui me lie au génie, toute alliance qui me lie aux esprits, toute alliance qui me lie aux serpents, toute alliance qui me lie aux idoles de ma famille. Je brise le pouvoir des idoles de ma famille. Je brise le pouvoir des idoles de ma mère. Je brise le pouvoir des idoles de la famille. Je brise le pouvoir des idoles, le pouvoir des esprits, le pouvoir des génies, des eaux, le pouvoir des amis d'enfance, le pouvoir des mauvais noms. Je brise le pouvoir des noms qui viennent des eaux, des noms qui viennent des forêts, des noms qui viennent du monde des ténèbres. Je brise le pouvoir des mauvais noms, le pouvoir des faux noms, le pouvoir des faux baptêmes. Je brise le pouvoir. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions.
tout ce qu'ils ont déposé dans ma tête soit supprimé. Tout ce qu'ils ont introduit dans ma tête, toutes les mauvaises pensées qu'ils ont introduites dans la tête de ma femme, de mes enfants, de ma famille, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Toutes les mauvaises idées que le monde des ténèbres nous a inspirées, soyez détruites au nom de Jésus. Je détruis les mauvaises idées, je détruis les mauvaises inspirations dans la tête de mes enfants, dans le corps de mes enfants, dans la vie de mes enfants, de ma maison. Je détruis tout au nom de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Tout pouvoir qui contrôle ma chair, qui contrôle ma vie intime, soit broyé au nom de Jésus. J'invoque l'épée de l'Éternel pour découper le serpent. Tout serpent derrière mes problèmes, tout serpent derrière mes soucis, tout serpent derrière mes problèmes, tout serpent meurt au nom de Jésus. Que le serpent qui vole mes bénédictions meure. Que le serpent meure. Que le serpent meure. Que le serpent meure. Le serpent de mon village. Le serpent dans cette ville. Le serpent dans ce pays. Le serpent en tout lieu. Le serpent meure. Que le python meure. Que le python meure. Que le démon meure. Que tout esprit de jaguar qui combat ma famille soit chassé. Esprit de lion. Esprit de jaguar. Esprit de rhinocéros. Tu sors de ma famille. Tu sors de ma famille. Esprit d'éléphant. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Esprit d'hippopotame. Esprit de jaguar. Esprit de tigre. Esprit de lion. Sors de ma vie au nom de Jésus. Tout démon d'être, tout démon des lions, tout démon des eaux, tout démon des eaux, tout démon des eaux, tout génie des eaux, soit brisé au nom de Jésus. Tout esprit dévoreur soit consumé. L'esprit dévoreur dans ma chair, dans mes pensées, l'esprit charnel, l'esprit charnel, l'esprit charnel, les œuvres de la chair, je vous brise au nom de Jésus. Je détruis tout esprit charnel, je détruis tout génie charnel, je détruis tout esprit charnel. Esprit charnel, esprit charnel, esprit charnel, sors de ma vie, sors, 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 esprit mondain, esprit mondain, esprit du monde, tu sors de ma vie, esprit des choses du monde, tu sors de ma vie, 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 esprit dévoreur, tu sors de ma vie, tu sors de ma vie, sois brisé et sors de ma vie, sois brisé et sors de ma vie, esprit dévoreur, esprit des eaux, esprit des génies, esprit mortel, esprit démoniaque, esprit diabolique, esprit satanique, esprit de génie, esprit des eaux, esprit de voile, soit brisé au nom de Jésus. Que tout esprit démoniaque qui contrôle mon âme, qui contrôle mes émotions, qui contrôle mes pensées, soit brisé et libère mes finances, soit brisé et libère mes finances. Tout esprit qui contrôle mes finances, mon mariage, mes affaires, soit brisé. Que tout esprit qui contrôle mes finances, mon mariage, mes affaires, soit brisé au nom de Jésus. Que l'emprise de la sorcellerie familiale sur ma vie soit brisée. Que l'emprise des hommes sur ma vie soit brisée. Que l'emprise des femmes sur ma vie soit brisée. Que l'emprise des gens sur ma vie soit brisée. Que l'emprise des mauvaises personnes sur ma vie soit brisée. Que l'emprise des désirs charnels soit brisée. Que l'emprise des émotions charnelles soit brisée. Que l'emprise des démons dévoreurs soit brisée. Que l'emprise des esprits des eaux soit brisée au nom de Jésus. Toute sirène des eaux soit découpée. J'invoque l'épée de l'Éternel pour découper toute sirène des eaux, pour découper l'homme fort, pour découper la femme forte, pour découper toute puissance, utilisant ses parties intimes pour me combattre, utilisant la magie sexuelle pour me combattre, utilisant la magie, la sorcellerie pour me combattre. Épée de l'Éternel, frappez, décapite, frappez, décapite, frappez, découpe, 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 toute sirène des eaux, toute reine des eaux, toute reine de la nuit, toute maîtresse, tout maître, toute maîtresse, toute amant de la nuit soit découpée au nom de Jésus. Que les amants de la nuit soient découpés. Que les maîtresses de la nuit soient découpées. Que les reines de la nuit soient découpées. Que les maîtresses spirituelles soient découpées. Les reines, les amants spirituels, soyez découpés. Soyez découpés. Soyez découpés. Soyez brisés. Soyez découpés. Soyez brisés. Soyez découpés. Soyez brisés. Soyez découpés. Tout amant spirituel, tout partenaire spirituel dans le monde des ténèbres soit découpé au nom de Jésus. Tout pouvoir m'utilisant dans les ténèbres comme son partenaire spirituel. Tout pouvoir m'utilisant comme son amant. Tout pouvoir m'utilisant comme son amant. Tout pouvoir m'utilisant comme un objet sexuel dans le monde des ténèbres. Soit découpé, soit découpé, soit découpé, soit broyé, soit brisé, soit fracassé, soit démoli, soit découpé, soit découpé, soit découpé. Je brise le mariage entre toi et moi. Je brise le mariage entre ma femme et toi. Je brise le mariage. Je brise l'accord. Je brise le lien. Je brise le pacte. Je brise les vœux. Je brise les serments. Je brise les œuvres de l'ennemi. Je brise l'emprise. Je brise ton emprise au nom de Jésus. Tout pouvoir
utilisant nos vies dans les ténèbres, soient broyées et brisées. Tout pouvoir utilisant mon corps spirituel dans les ténèbres, soit découpé, soit découpé, soit découpé et libère-moi, soit découpé et libère-moi. Que toute puissance, que tout homme fort, que toute association, que toute prison spirituelle qui retient mon homme spirituel, qui me retient spirituellement, soit découpé, soit broyé, soit brisé, soit broyé, soit découpé. Tout pouvoir qui m'a capturé spirituellement, soit abattu, soit brisé par l'épée, soit brisé par l'épée de l'Éternel. Toute puissance, tout pouvoir m'ayant capturé spirituellement, soit brisé, soit découpé, soit broyé, soit brisé, soit découpé. Toute puissance, que tout pouvoir qui m'a capturé spirituellement, soit brisé, soit broyé, que toute puissance du monde des ténèbres qui a capturé mon âme, qui a capturé mon esprit, qui a capturé mon étoile, soit brisé, soit broyé, soit cassé, soit démoli, soit foudroyé, soit brisé, soit broyé, soit cassé, soit foudroyé, soit cassé. Au nom puissant de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui s'est incarnée en moi, tu dois partir. Tout grand-parent qui vit en moi, tu dois partir. Je refuse de retourner à toute vie impudique de fornication ou à la fornication. Je refuse de retourner à l'impudicité ou à la fornication. Au nom de Jésus. Je brise maintenant tout ce que l'ennemi a semé en moi. Je détruis le pouvoir de l'esprit d'impudicité. Je détruis le pouvoir de l'esprit de fornication. Et je vomis tout ce que l'ennemi a introduit dans ma vie au nom de Jésus. Je vomis toutes les semences du monde des ténèbres. Je vomis au nom de Jésus. Je consume et je détruis au nom de Jésus. J'expulse de ma vie les œuvres des ténèbres, les mauvaises choses de ma vie, et je ferme toutes les portes au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout agent des ténèbres qui communique avec moi en esprit d'être explosé au nom de Jésus. Que toute chose lancée dans mes pensées ou contre mon cerveau soit détruite et sans effet. Soit détruite et sans effet au nom de Jésus. Soit brisée et sort de ma vie. 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 Au nom puissant de Jésus. Tout esprit ayant pris possession de mes pensées, de mon corps et de ma chair, soit brisé par l'épée de Dieu. Soit frappé, soit brisé, soit frappé et ne revient plus. Soit frappé, soit brisé, soit détruit et ne revient plus. Soit frappé, soit brisé, soit détruit et ne revient plus. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout agent des ténèbres en colère, toute femme en colère, tout homme en colère, toute reine, toute sirène, toute puissance du monde des ténèbres en colère, soit immédiatement saisie par des chaînes de feu et emportée en enfer. Je te l'ordonne, sois saisi par des chaînes de feu. Sois saisi par des chaînes de feu au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de la convoitise charnelle. 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 Je brise le pouvoir et les œuvres de l'esprit de convoitise charnelle. Je détruis le mystère de l'iniquité. Je brise le pouvoir de la convoitise charnelle, des désirs charnels, des faiblesses charnelles, des envies charnelles. Je détruis le pouvoir de la convoitise charnelle. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Au nom de Jésus, convoitise charnelle à moi, je te l'ordonne, meurs et sors de ma vie. Meurs et sors de ma vie. Convoitise charnelle, ta mission est terminée. Convoitise charnelle, désir charnel, envie charnelle, ta mission est terminée. C'est désormais moi qui contrôle mes émotions. C'est désormais moi-même qui décide ce que je dois faire de ma vie. Et non une oppression diabolique, et non une pression satanique. Je brise tout esprit derrière les pressions sataniques. Je brise tout esprit qui inspire les désirs charnels, les désirs sexuels. Tout esprit qui inspire les querelles, les colères, les disputes, la mésentente, la médisance. Je détruis tout esprit qui inspire les œuvres de la chair. Je détruis l'esprit derrière le mystère de l'iniquité. Je brise et je détruis l'esprit derrière le mystère de l'iniquité. L'esprit derrière le mystère de l'iniquité. L'esprit derrière le mystère de l'iniquité, au nom de Jésus. Seigneur, délivre ma chair de toute influence démoniaque et donne-moi la force pour surmonter mes faiblesses. Seigneur, délivre-moi de toute peur démoniaque. Délivre-moi de toute faiblesse démoniaque. Délivre-moi de toute œuvre démoniaque. Délivre-moi de toute arme démoniaque, au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne-moi maintenant la force pour surmonter mes faiblesses. Donne-moi la force pour surmonter la peur. Donne-moi la force pour surmonter l'inquiétude au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, délivre ma chair et mes pensées de tout envoûtement et toute influence diabolique. J'ai détruit toute influence diabolique au nom de Jésus. Seigneur, délivre ma chair, délivre mes pensées de tout envoûtement. Seigneur, délivre-moi de toute influence au nom de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses envies. Je crucifie ma chair avec la haine. Je crucifie ma chair avec sa corruption. Je crucifie ma chair avec les divisions. Je crucifie au nom puissant de Jésus. Que tous les mauvais désirs en moi meurent au nom de Jésus. J'ordonne que la chair meure, que ma chair soit crucifiée, que ma chair soit neutralisée, que les désirs, que les mauvais désirs en moi meurent au nom de Jésus. J'ordonne au désir charnel à moi de mourir. J'ordonne au désir charnel en moi de mourir. Je crucifie ma chair et la délivre de la magie pratiquée pour m'influencer. Je crucifie ma chair et je la délivre de la magie. Je la délivre de la paresse. Je la délivre de la lourdeur. Je la délivre de la négligence. Je crucifie ma chair et la délivre de la négligence. La délivre de la paresse. La délivre de la délivrance. Je la délivre de la lourdeur. Je la délivre de la négligence. Je délivre ma chair des œuvres du monde. Tout attachement aux œuvres de la terre, aux œuvres du monde soit détruit au nom de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je brise toute connexion mystique entre moi et les hommes, entre moi et les femmes. Je brise toute connexion entre moi et les gens du passé, entre moi et les amis du passé, entre moi et les femmes. Je brise le pouvoir de la séduction, le pouvoir de la reine, le pouvoir de la sirène que le monde des ténèbres a donné à certaines femmes. Je brise le pouvoir de la reine, le pouvoir des principautés, le pouvoir de la sirène, le pouvoir de la séduction. J'ai détruit le pouvoir de la séduction que le monde des ténèbres a donné à certaines femmes et je les rends nulles et sans effet. Je brise toute connexion mystique entre moi et les gens avec qui j'ai marché dans le passé. Je brise toute connexion mystique entre moi et les femmes, entre moi et les hommes, entre moi et les femmes, entre moi et les hommes, entre moi et les faux amis. Je brise toute connexion mystique, toute connexion diabolique, toute connexion satanique, toute connexion diabolique, toute influence satanique. Au nom puissant de Jésus. Je brise toute connexion satanique et charnelle établie par les forces occultes entre moi et mes amis. Je brise l'emprise de tout esprit de colère dans ma chair. Je brise et j'expulse de mon cœur toutes les œuvres de l'iniquité. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Esprit de colère et d'orgueil, je vous déloge et je vous expulse de tout lieu où vous êtes caché dans mon corps, dans ma vie. Je brise l'emprise de l'esprit de colère dans ma chair et je détruis son autel. Je détruis ton autel et ton pouvoir. Esprit de médisance, esprit de colère, esprit de haine, esprit de jalousie, esprit de critique. Je détruis ton autel et ton emprise sur ma vie. Je détruis ton autel, je détruis ton pouvoir. Je détruis ton autel, je détruis ton pouvoir. Je détruis ton autel, je détruis ton pouvoir. Au nom de Jésus. Que tout trône maléfique dans ma vie soit détruit. Le trône des esprits de querelle, le trône des esprits démoniaques, le trône des génies. Soit brisé. Le trône des principautés qui dominent ma vie soit renversé. Je renverse le trône de l'homme fort. Je renverse le trône des esprits des eaux. Je renverse et je détruis le trône de la magie. Le trône de la haine. Le trône des démoniaques. Le trône existant dans ma famille. Je les détruis. Le trône de la sirène des eaux dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. Je détruis le trône de la sirène des eaux dans mon corps, dans mon âme, dans mes pensées. Le trône des génies, le trône des principautés dans ma vie, dans mes pensées, dans mon corps, dans ma maison. Je détruis le trône des esprits dans le corps de mes enfants. L'autel et le trône qui leur donne le pouvoir soient brisés. Que l'autel et le trône qui leur donne le pouvoir pour continuer à régner soient brisés au nom de Jésus. Je brise le trône de l'homme fort par le marteau de Dieu. Que le marteau de Dieu foudroie le trône de l'homme fort, foudroie le trône de Lucifer. Foudroie. Je brise le trône de Lucifer dans ma maison. Je brise le trône du diable dans ma fondation. Je brise le trône des esprits en colère.
au nom de Jésus. Épée de l'Éternel, réveille-toi et découpe tout agent des ténèbres en colère qui essaiera de m'attaquer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne que toute chose qui me rend lourd et paresseux, négligent, soit brisée. Toute chose dans ma chair visant à me rendre lourd, paresseux et négligent, soit brisée. Toute chose dans ma chair visant à me rendre lourd, paresseuse et négligent, meurs au nom puissant de Jésus. Meurs au nom puissant de Jésus. Je commande à toute maladie dans ma chair de disparaître au nom de Jésus. Je commande à toute maladie dans ma chair de disparaître au nom de Jésus. Au nom de l'Éternel, je brise tout ordre maléfique que ma chair a reçu depuis le monde des ténèbres. Je brise au nom de Jésus. Je brise, 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 je brise. Tout ordre maléfique que j'ai reçu depuis le village. Tout ordre que j'ai reçu depuis la fondation. Tout ordre que j'ai reçu depuis la famille. Tout ordre que j'ai reçu depuis le monde marin. Depuis le monde mystique. Depuis le monde caché. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. J'ai détruit tout ordre que j'ai reçu depuis ma fondation. Tout ordre que j'ai reçu depuis mon enfance. Tout ordre que j'ai reçu depuis le royaume des ténèbres soit brisé au nom de Jésus. Toute personne qui me donne des ordres en cachette, que ces ordres soient nuls et sans effet. La parole de Dieu déclare, donnez des ordres, ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Tout agent des ténèbres qui me donne des ordres, toute femme qui me donne des ordres, tout homme qui me donne des ordres pour me soumettre à son autorité, je brise ton emprise sur ma vie. Je brise ton influence sur ma vie. Je brise, je brise, je brise, je brise et je rends tes incantations nulles et sans effet, tes prières mystiques nulles et sans effet, tes prières de contrôle à distance nulles et sans effet. Je ferai ce que le Seigneur désire et non ce que les hommes et les sorciers désirent. Que toute pointe qu'ils ont lancée dans mes pensées sorte au nom puissant de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Que tous les faux désirs que la sorcellerie provoque dans la vie des gens soient nuls et sans effet. Je crucifie les faux désirs. Au nom de Jésus, tout esprit de fornication, tout esprit de la chair soit brisé au nom de Jésus. Je brise l'esprit d'impudicité. Je brise l'esprit de fornication. Que tout esprit de fornication, tout démon de fornication opérant dans les vies des chrétiens, opérant dans ma vie, opérant dans ma maison, soit brisé au nom de Jésus. Tout esprit d'infidélité et de fornication dans l'église, je te brise, je te brise, je brise le pouvoir de tout esprit de fornication qui manipule ma chair, qui manipule mon âme pour créer des désirs, pour créer des envies, pour créer la colère. Je brise l'esprit de fornication. Je brise l'esprit de haine. Je brise l'esprit de colère. Je brise l'esprit de jugement. Je brise l'esprit de critique. Je brise l'esprit d'accusation. Je brise l'esprit de haine. Je brise tout esprit dans ma chair, tout génie dans mon corps, tout génie dans mon sang, tout génie dans mes pensées, tout génie dans ma bouche. Sors, 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 sors au nom de Jésus. Seigneur, délivre ma bouche de toute possession démoniaque. Seigneur, délivre ma langue, délivre ma bouche, délivre ma gorge, délivre ma langue, délivre ma bouche, délivre ma gorge, délivre mes pensées, délivre mon âme, délivre l'âme des membres de mon église, délivre toute personne qui est en train de m'écouter, délivre la bouche, l'âme de ma femme et moi, délivre la bouche, l'âme de nos enfants, délivre la bouche et l'âme de nos frères, délivre la bouche et l'âme de nos sœurs, au nom puissant de Jésus. Tout esprit ayant pris contrôle de ma bouche et de ma langue, sort au nom de Jésus. Tout génie, tout démon, tout esprit malsain, tout esprit démoniaque, tout esprit diabolique, sort, 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 sort. Libère ma bouche au nom de Jésus. Toute puissance démoniaque souhaitant utiliser ma langue pour faire du mal, soit découpée par l'épée de Dieu. Soit découpée par l'épée de Dieu. Tout esprit démoniaque souhaitant utiliser ma langue, se servir de ma langue, je brise et je détruis ta puissance. Je brise et je détruis ton emprise. Je brise et je détruis ton pouvoir. Je brise et je détruis ton emprise. Tout esprit démoniaque souhaitant se servir de ma bouche, de ma langue, de mon cœur pour faire du mal, je brise ton emprise au nom de Jésus. Je brise, je brise, je brise, je brise. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions, ses envies et ses passions, ses colères et ses passions, sa haine et ses passions, sa jalousie et ses passions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je brise tout ce que le monde des ténèbres a semé dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, pour provoquer des envies, pour provoquer la colère, pour provoquer la haine, pour provoquer les disputes, pour provoquer l'énervement, pour provoquer l'irritabilité. Je brise au nom puissant de Jésus. Que tout ce que le monde des ténèbres veut utiliser pour endurcir mon cœur soit brisé. Le marteau de l'Éternel brise tout rituel, toute chose qui a été faite pour cadenasser mon cœur. Seigneur, si mon cœur a été cadenassé, je brise le cadenas. Si ma vie a été cadenassée, je brise le cadenas. Si mon âme a été cadenassée, je brise au nom de Jésus. Si ma femme et mes enfants avaient été cadenassés, je brise le cadenas. Je brise le cadenas. Seigneur, si j'avais été cadenassé par une femme, par un homme, j'invoque le marteau pour briser le cadenas. Si ma vie avait été cadenassée, si mon étoile avait été cadenassée, si mon destin avait été cadenassé, si mes livres avaient été cadenassés, si mes réalisations avaient été cadenassées, j'invoque le marteau de Dieu pour foudroyer le cadenas, pour briser le cadenas, pour briser le cadenas. Si mes destinées avaient été cadenassées, si mon voyage avait été cadenassé, si ma maison avait été cadenassée, si ma voiture avait été cadenassée, si ma vie éternelle avait été cadenassée. Je brise le cadenas, je brise la bouteille, je brise le cadenas. Par le marteau, que la bouteille explose et me libère. Que le cadenas explose et me libère. Que la bouteille explose et libère ma famille, et libère ma maison, et libère mes enfants, et libère mes frères, et libère mes destinées. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, si tu as été cadenassé, je te délivre, je te délivre, je te délivre, je te délivre, je te délivre. Je brise le cadenas. Si mon mariage avait été cadenassé, je brise le cadenas. Si ma vie avait été liée et cadenassée, je brise le cadenas. Je brise l'enterrement. Je brise les pratiques occultes. Si ma vie avait été cadenassée, avait été verrouillée, avait été bétonnée, je brise le verrou, le cadenas et le béton. Je brise le verrou, le cadenas et le béton. Je brise le verrou, le cadenas et le béton. Je brise le verrou, le cadenas et le béton. J'invoque le marteau de l'Éternel pour briser tout cadenas dont l'ennemi s'est servi pour bloquer mon destin, pour bloquer mon mariage, pour bloquer mon bonheur, pour bloquer ma femme et moi, pour bloquer nos projets, pour bloquer nos visions, pour bloquer nos communications. Oui, Seigneur, si nos communications et nos échanges ont été cadenassés et manipulés, je brise les conversations manipulées, je brise les cadenas, je brise les chaînes, je brise les œuvres du monde des ténèbres, je brise le pouvoir, je brise le pouvoir satanique, je brise le pouvoir de tout agent des ténèbres qui influence nos conversations, influence nos humeurs, influence nos vies, je brise le cadenas, je brise au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a fait pour cadenasser Véronique soit brisé. Tout ce que l'ennemi a fait pour cadenasser toute personne qui prie avec moi soit brisé. Tout ce que l'ennemi a fait pour cadenasser, pour lier, pour attacher, pour emprisonner ma femme, mes enfants et moi soit brisé. Tout ce que l'ennemi a fait pour emprisonner le frère Claude soit brisé. Tout ce que l'ennemi a fait pour emprisonner mes enfants spirituels et mes frères spirituels soit brisé. Tout ce qui a été fait pour cadenasser l'amour dans ton foyer bien-aimé soit brisé au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit. Tout ce qu'ils ont fait pour enterrer l'amour de ton ménage, prie avec moi, répète ceci. Je brise et je détruis tout ce qu'ils ont fait pour cadenasser notre amour, pour cadenasser notre paix, pour notre paix, pour cadenasser notre joie, pour cadenasser et emprisonner notre vie, pour cadenasser et emprisonner notre entente, pour cadenasser et emprisonner notre harmonie. Je brise au nom de Jésus. Je brise le cadenas du monde des ténèbres. Je brise le cadenas de la sorcellerie. Je brise le cadenas. J'invoque le marteau de l'Éternel pour briser toute prison. Pour démolir la prison. Pour démolir le cadenas. Pour démolir les pots. Pour démolir les verrous. Pour démolir tout ce qui a été fait. Pour emprisonner. Pour enterrer. Pour bloquer. Pour cacher mon destin. Mon étoile. Mon âme. Mon bonheur. Mon destin. Mon étoile. Mon âme. Mon bonheur. Que le marteau de Dieu brise les verrous. Que le marteau de Dieu brise les barreaux. Que le marteau de Dieu brise les chaînes. Que le marteau de Dieu brise les boîtes. Que le marteau de Dieu brise les canaries. Que le marteau de Dieu brise les limitations. Au nom de Jésus. Je brise maintenant tout pont maléfique entre moi et mes destinées. Toute barrière, tout pont, toute barrière, tout pont, toute barrière, tout pont, toute barrière. Au nom puissant de Jésus. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je commande aux faux désirs de disparaître. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on va terminer bientôt. Vous savez, la délivrance de la chair est très importante. Elle est plus,
plus important, elle est la chose la plus importante dans la parole de Dieu. Pourquoi? La Bible déclare que tous ceux-là en qui les œuvres de la chair existent et se manifestent ne connaîtront jamais le ciel, n'y arriveront jamais. Comment quelque chose qui représente la chose la plus importante sur laquelle un chrétien doit travailler durement? Paul dit, j'ai durement traité ma chair. Comment se fait-il que cette chose ne soit pas la priorité des pasteurs, ne soit pas la priorité des chrétiens, ne soit pas la priorité des enfants de Dieu? Ce n'est pas étonnant. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Beaucoup de gens se disent enfants d'éloges qui si spirituellement, mais ne le sont pas. Amen. Quand j'ai entendu ça, j'étais choqué. Comme on le dit là, trauma choqué. Parce que les personnes dont Dieu me parlait là, sont des personnes qui me sont très proches. Pouvez-vous comprendre comment Dieu interprète les choses à sa façon? Un véritable enfant de Dieu, qui dit que celui-là est mon père spirituel, c'est quelqu'un qui a décidé que ce monsieur, je vais copier sur lui, je vais vivre comme lui, je vais marcher comme sa doctrine. Élisée a fait la même chose avec Élie. Bien-aimé, Samuel a fait la même chose avec Élie. À la mort d'Élie, qui a pris la relève? Élisée. Parce qu'il a appris. Samuel a appris d'Élie. Donc, Dieu me permet de comprendre que ton enfant spirituel est en fait ton disciple spirituel. Toute personne qui décide de devenir ton disciple. Oh, le disciple est là pour apprendre. Le disciple est là pour connaître les secrets du maître. Le disciple pose des questions allant dans le sens de la croissance spirituelle. Ce n'est pas des gens qui ont juste besoin de suivi parce qu'ils ont des problèmes de mari de nuit. Ce n'est pas ça un disciple. Un disciple est là pour apprendre. Voilà. Donc, bien aimé, la chair qui est notre plus gros problème, c'est ce que nous négligeons plus. Voici pourquoi, bien aimé, on est des chrétiens qui ne cessent de critiquer, qui ne cessent de juger, qui ne cessent de dormir dans la colère. Comment une chrétienne peut dormir? Comment une chrétienne puisse dormir dans la colère pendant 2 ans? Et à la fin de ça, elle a perdu son mariage. 2 ans que madame est en colère contre son mari. Pourquoi? Il a juste envoyé un peu d'argent pour la dot, il n'a pas fait le mariage. Madame est fâchée. 2 ans, elle ne lui parle pas. 2 ans, elle prépare pour son mari. Mais le mari ne la touche pas. 2 ans de colère. Beaucoup de femmes sont des chrétiennes charnelles. Beaucoup d'hommes sont des chrétiens charnels. Beaucoup d'entre nous avions besoin d'être brisés dans la chair. Bien-aimé, toi-même tu es dedans. Des chrétiens qui aiment des querelles, l'idolâtrie, la magie. Il y a des chrétiens pour qui les envies sont plus importants que n'importe quoi d'autre. La chair, les désirs, les choses du monde, c'est ce qui est la priorité. Matin même, on ne prend même pas encore le temps de prier, on est sur le téléphone. Des chrétiens charnels. On termine la soirée avec les infos. On se réveille avec les infos, mais pas avec le commandé le jour. Et que Dieu nous aide. Donc, la chair qui est la chose la plus importante qui nous fatigue, c'est ce qu'on n'arrive pas à contrôler. Combien de fois les jeunes ont été gâtés à cause de la chair? En plein jeûne. Mais le diable envoie des envies, des disputes, des querelles. Parfois, à peine tu sors du jeûne, tout est gâté. Tout est gâté. C'est le rattrapage. Tu es même incapable de patienter 7 jours, 2 jours pour dire, ah, je viens de parler à l'Éternel, mon Dieu. Je vais attendre pour voir ce qu'il va faire. Ça dit, pour un chrétien charnel, pour nous les chrétiens charnels comme vous et moi, non. Attendre des jours, c'est trop, c'est une punition, c'est trop terrible. Un chrétien charnel, un homme, sa femme est en jeûne. Il va bouder la pauvre dame jusqu'à son jeûne va se gâter. C'est la vérité que je vous dis. Il va vouloir la toucher. Elle va dire, je suis en jeûne.
Monsieur va bouder tout le temps de jeûne. C'est quand il a te donné à lui qu'il est content. Un chrétien qui a une femme charnelle, les choses futiles, les choses du monde, les querelles, les histoires inutiles, les critiques vont jamais manquer dans ta maison. Une femme qui a un homme querelleur, un homme charnel, ma sœur, palabres, disputes, rancunes, mésententes, colère, ça va jamais manquer dans ta vie. Infidélité va pas manquer. Ce monsieur sera sexuellement insatisfait. Il lui faut avoir au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Il est tout en dehors. Tout le temps dans les choses futiles, la boisson, l'alcool, les danses. Les chrétiens charnels sont comme ça. Bien-aimé, la vie n'est pas interdite pour un chrétien spirituel. Hein. Mais pour le chrétien spirituel, tout ce à quoi les gens charnels donnent de la valeur n'a pas de valeur. Amen. L'argent d'un chrétien charnel, c'est plus que son or, son trésor. Bien-aimé, les chrétiens charnels ne pardonnent pas et n'oublient pas. Bien-aimé, tu vas détruire les œuvres de la chair. Nous avons déjà presque fini. Tu vas détruire les œuvres de la chair. Tu vas ordonner à ta chair d'être crucifiée. Tu vas dire à Dieu que tu neutralises ta chair avec ses désirs et ses passions. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je détruis tous les faux amours que le monde des ténèbres crée dans la vie des enfants de Dieu pour les attacher aux choses du monde. Je brise les faux amours. Les faux amours par lesquels le diable conduit des gens hors de leur mariage, des femmes hors de leur mariage pour qu'elles regrettent. Je détruis le pouvoir des faux amours que le monde des ténèbres crée dans les cœurs. Je détruis le pouvoir des fausses amitiés. Je détruis le pouvoir des fausses passions. Je détruis le pouvoir des fausses envies. Je détruis le pouvoir de la manipulation occulte. Je brise et je détruis le pouvoir des œuvres de la chair. Je détruis le pouvoir des œuvres de la chair. Je détruis le pouvoir des œuvres charnelles. Je détruis le pouvoir des envies charnelles. Je détruis le pouvoir des démons charnels. Je détruis le pouvoir des esprits charnels. Au nom de Jésus, je commande à tout faux désir et faux amour créé en moi par la sorcellerie de disparaître. Que le véritable amour apparaisse dans nos foyers et dans nos relations, dans nos amitiés. J'ordonne que le véritable amour, amour sans hypocrisie, amour sans intérêt, commence à apparaître dans nos relations. Amen. J'ordonne que le véritable amour, amour qui ne dépend pas de ce qu'on nous donne, amour qui ne dépend pas de ce qu'on gagne, mais des amours véritables, amour sans intérêt, commence à apparaître dans les couples, commence à apparaître dans les relations, et non des faux amours basés sur le bien matériel. Je détruis les faux amours dans les amitiés. Je détruis les faux amours dans le mariage. Je détruis les faux amours dans les relations. Je détruis les faux amours dans les choses du monde. Je détruis les faux amours dans le travail. Je détruis les faux amours. Que le véritable amour se manifeste dans le cœur des chrétiens. Au nom de Jésus. Tout amour matérialiste soit détruit. L'amour matérialiste soit détruit, mais que l'amour de Christ apparaisse dans nos cœurs. Que l'amour basé sur l'argent, l'amour basé sur le matériel, que l'amour basé sur les choses du monde, que l'amour basé sur ce qu'on gagne disparaisse et que le véritable amour pour Dieu apparaisse. Que le véritable amour apparaisse dans le cœur des chrétiens, apparaisse dans nos cœurs, mais que tout ce qui est faux amour, amour de manipulation, amour d'intérêt, disparaissent de nos vies dans le nom de Jésus. Tout amour rempli d'hypocrisie, tout amour de manipulation, tout faux amour, toute fausse fraternité, disparaît. Tout amour rempli de trahison et de manipulation, disparaît. Que le véritable amour apparaisse entre les chrétiens, entre les frères et sœurs. Je réclame aujourd'hui un amour sans hypocrisie, un amour sans intérêt, un amour loyal, un amour honnête, un amour sincère qui ne dépend pas de ce qu'on gagne de l'autre. Amen. Je réclame un amour qui n'est pas charnel, un amour qui n'est pas basé sur le profit,
et je détruis tous les faux amours. Je détruis tous les faux amours autour de nous. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je détruis tous les faux amours autour de toi. Tout individu qui est en train de te manipuler et t'influencer, mais qui ne t'aime pas, j'ai détruit son emprise. Prie avec moi. Tout individu qui est en train de se servir de moi, mais qui ne m'aime pas, que ton plan soit détruit. Que ton plan soit détruit. Prie pour ta sécurité. Tout individu qui fait semblant de m'aimer, que ton plan soit détruit, soit dévoilé, soit détruit. Que ton plan soit détruit. Au nom de Jésus. Tout amour basé sur la contrainte soit détruit. L'amour basé sur la contrainte soit détruit. Que le véritable amour apparaisse dans nos relations, dans nos travaux, dans nos entreprises, dans nos mariages, dans nos relations. J'ai détruit tout faux amour basé sur la contrainte. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est la vérité. Ce que je vous dis là. Il y a des gens qui sont contraints d'aimer parce qu'ils n'ont pas le choix. Le véritable amour n'est pas basé sur le fait qu'on n'ait pas de choix. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche toujours l'intérêt de l'autre. Amen. Tu sors avec un vieux que tu n'aimes pas, mais tu es obligé de l'aimer parce qu'il te donne l'argent. Ça s'appelle amour basé sur la contrainte. C'est la vérité. Tu sors avec quelqu'un que tu n'aimes pas, ton cœur même ne le désire pas, mais tu te forces de l'aimer parce que tu veux papier pour rester en Europe. Ça, c'est amour par contrainte. Amen. Voilà. Un amour basé sur le matériel et sur le besoin. Ça, c'est un faux amour. Ma soeur, sois délivrée. Ce n'est pas pour te juger. Mais c'est pour que tu cesses de jouer les hypocrites. Pour que Dieu te bénisse. Bien-aimé, dans nos relations-là, toute hypocrisie est vue par Dieu comme une injustice. Parce que tu fais semblant. Et quand tu fais semblant, tu ne te donnes pas. C'est la vérité. Nous, les hommes-là, il est temps d'être honnête dans toutes les relations que nous bâtissons. Les femmes doivent aussi l'être. Bien aimé, je le dis parce que dans le passé, j'ai vu des gens qui prétendent t'aimer mais qui ne t'aiment pas. Tu fais une erreur et ils cherchent à te détruire. À la moindre erreur, première chose qu'on cherche à faire, c'est de te détruire, de te salir. Les faux amours, j'en veux pas dans ta vie. Dans ma vie aussi, j'en veux pas. Vrai ou faux? Des gens qui prétendent t'aimer, à la moindre erreur, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Te détruire. On veut te faire mal pour que tu souffres. Un amour amer. J'ai détruit cela au nom de Jésus. Je brise toutes les œuvres des faux amours. Des amours basés sur la manipulation. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous allons terminer. Je prie maintenant que tous les désirs charnels soient détruits. Au nom de Jésus. Je crucifie ta chair avec les désirs et les passions négatives. Que Dieu envoie toujours des hommes honnêtes envers toi et non des profiteurs. Que Dieu envoie toujours des femmes honnêtes avec toi, mon frère, et non des gens qui veulent se servir de toi pour atteindre leur but, afin de t'abandonner plus tard. Non, 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 je refuse. Un serviteur de Dieu ne doit pas prendre parti. Il doit être honnête, il doit équilibrer les choses. Quand j'ai prié pour les femmes, j'ai prié pour les hommes. Ma sœur, que Dieu t'éloigne des gens qui font semblant de t'aimer, mais parce qu'ils ont besoin de ton matériel et ton corps. Mon frère, que Dieu t'éloigne des femmes qui font semblant de t'aimer, mais leur amour est basé sur ce que tu leur donnes. Si tu cessais de leur donner, l'amour disparaîtrait. Que Dieu t'ouvre les yeux. Tu n'es pas un objet dont on se sert. Tu es une personne qui a aussi besoin d'être aimée. Comme on dit en Côte d'Ivoire, un point, c'est tout. Comme les Blancs le disent, point barre. Il n'y a pas de négociation, de justification. Un point, un trait. Je crucifie tout désir charnel. Je crucifie les désirs charnels. Au nom de Jésus. Que toute chose inutile introduite dans ma vie, répète avec moi, depuis mon enfance, toute chose inutile introduite dans ma vie depuis mon enfance et qui influence ma vie négativement, soit brisée et sorte de ma vie au nom de Jésus. J'ai détruit toute magie et rituel de la sorcellerie qui influence ma chair, mon âme et mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit toute magie et rituel de la sorcellerie qui influence ma chair, mon âme et mon esprit.
au nom puissant de Jésus. Je détruis aujourd'hui, à l'instant même et maintenant, tout envoûtement que les forces des ténèbres ont utilisé pour influencer, contrôler mon esprit, et je l'annule. Je détruis tout envoûtement, je détruis toute influence, je détruis toute manipulation au nom de Jésus. Je brise l'emprise de la magie, je brise l'emprise des œuvres de la sorcellerie, je brise l'emprise de la peur, 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 je brise toute influence négative exercée sur moi par des hommes et des femmes. Je détruis le pouvoir de tout individu qui influence ma vie négativement. Je détruis ton emprise au nom de Jésus. Je brise maintenant l'emprise de la magie dans ma vie. Je brise l'emprise de la magie et je libère mon âme au nom de Jésus. Je libère mon âme. Je libère ma femme, mes enfants et moi de toute emprise démoniaque sur leur vie. Au nom de Jésus. Que tout ce que la sorcellerie a pratiqué sur mes photos soit détruit au nom puissant de Jésus. Que toute pratique de la sorcellerie sur mes photos, toute pratique de la sorcellerie sur mes photos, toute pratique de la sorcellerie sur mes photos, au nom de Jésus, toute pratique que la sorcellerie a effectuée sur mes photos, sur mon nom, sur ma chair, soit détruite au nom puissant de Jésus. Il est écrit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses désirs et ses passions. Ainsi, j'ordonne à tout esprit qui m'inspire les désirs charnels de disparaître, tout esprit qui nous inspire la colère, la haine, soit broyé par le marteau de Dieu, soit broyé par le feu de Dieu, soit broyé par une barre de fer, soit broyé et meurt au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir et l'influence de toute femme possédée par la sirène des eaux. Je détruis le pouvoir et l'influence de tout homme possédé par un python. Je détruis ton influence et ta séduction sur ma vie. Je détruis ton influence et ton pouvoir de séduction. Ta mission échoue. 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 Tes ruses sur ma vie soient nulles et sans effet. Le pouvoir de tes yeux soit nul et sans effet. Le pouvoir dans ton corps soit nul et sans effet. Le pouvoir dans ta parole soit nul et sans effet. Je détruis le pouvoir que la sirène des oies a déposé dans ta voix. Je détruis le pouvoir de ta voix envoûtante, de ta voix envoûtante, de ta voix envoûtante, de tes yeux envoûtants, de tes yeux envoûtants, de tes yeux envoûtants, de ton corps envoûtant, de ton corps envoûtant, de ton corps envoûtant, de ta démarche envoûtante. Toute démarche que le monde des ténèbres t'a inspiré pour séduire soit nulle et sans effet. Amen. Que tous les plans de séduction du monde des ténèbres échouent. Tous les pièges tendus à ma femme et moi, à mes enfants, à mes frères, à mes membres d'église soient détruits au nom de Jésus. Maintenant, j'exige la restitution de toutes les bénédictions que nous avions perdues. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Et j'exige la restitution de toutes les bénédictions que la chair m'a volées. J'exige la restitution de tout ce que la chair m'a volé au nom puissant de Jésus. Tu vas exécuter ces quelques prières et puis on va terminer. Il est écrit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses désirs et ses passions. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je détruis maintenant tous les désirs charnels, tous les désirs inspirés par le monde des ténèbres. Je détruis tous les désirs, toutes les envies inspirées par le monde des ténèbres. Je détruis tous les sentiments inspirés par le monde des ténèbres. Je détruis toutes les émotions inspirées par le monde des ténèbres. Je brise au nom de Jésus. Je brise tout ce que le monde des ténèbres a inspiré. Je brise tout ce que le monde des ténèbres influence les gens pour faire. Je détruis tous les désirs charnels. Je détruis toutes les envies charnelles. Je détruis toutes les émotions charnelles. Je détruis toutes les pensées charnelles. Je détruis toutes les envies charnelles au nom de Jésus. Je brise et je détruis la haine, la colère, la haine, la colère, la haine, la colère. Je détruis toute envie de juger, toute envie de critiquer, toute envie de faire de la médisance. Je détruis toute envie charnelle, toute envie charnelle, tout désir charnel en moi. Soit crucifié, soit neutralisé, soit brisé, soit détruit. Je détruis toute envie charnelle, je détruis toute œuvre de la chair au nom puissant de Jésus.
je brise et je détruis les envies sexuelles et chasse les esprits qui les provoquent. Je brise et je détruis les envies sexuelles dans les mauvais moments, par les et je détruis les esprits qui les provoquent. Je détruis la colère et la nervosité dans la vie des enfants de Dieu et je chasse tout esprit guerrier qui les provoque. Je détruis la nervosité et ses racines, la nervosité et sa fondation, la nervosité, la médisance. J'écrase tout esprit qui provoque la médisance, qui provoque la haine, qui provoque la jalousie. Je brise et je détruis au nom puissant de Jésus. Je brise les envies de faire des achats inutiles dans ma chair et j'expulse de ma vie les esprits qui les provoquent. Je détruis les envies de faire des achats, des envies de faire des choses au nom puissant de Jésus. Et je détruis les esprits qui les provoquent. Je détruis tout pouvoir qui les provoque au nom de Jésus. Je brise l'emprise de l'envie des choses matérielles. Je brise l'emprise des envies des choses matérielles. Et j'expulse de mon cœur, de ma chair, les esprits dévoreurs, contrôlant mes pensées. Je brise l'emprise de l'envie des choses matérielles. Je brise l'emprise des envies des choses matérielles. Au nom puissant de Jésus. Je détruis et expulse de ma vie tout esprit qui provoque dans mon cœur des envies. Au nom puissant de Jésus. J'explose tout esprit qui provoque dans le cœur des envies, des désirs. Au nom de Jésus. Que les flèches de toute puissance des ténèbres dans mon cœur sortent au nom puissant de Jésus. Les flèches, les pointes, les aiguilles sataniques dans mon cœur, dans mon âme, soient nulles et sans effet. Sortez de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je brise toute formule magique récitée par un sorcier pour me soumettre. Je brise toute formule magique récitée par les faux prophètes pour me soumettre à leurs désirs. Je brise toute formule magique, toute incantation récitée par des faux prophètes, récitée par des faux serviteurs, récitée par des gens utilisant la magie, utilisant la cabale juive pour me soumettre à leur volonté. Je brise les incantations, les rituels, les pratiques faites par des gens utilisant le fétiche, utilisant la sorcellerie, utilisant la magie, utilisant la cabale, utilisant les rituels pour me soumettre à leur volonté. J'ai détruit les incantations, les rituels, les libations, les choses au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout individu qui allume une bougie pour invoquer mon âme, pour invoquer ma chair, pour invoquer ma maison au nom puissant de Jésus. Que tout maître des ténèbres, autre que l'Esprit de Dieu, qui contrôle mes pensées et mes paroles, mes actions, soient chassées au nom de Jésus. Que le maître des ténèbres soit chassé de ma vie. Que la reine des ténèbres soit chassée de ma vie. Que la déesse des ténèbres soit chassée de ma vie. Que les reines des ténèbres soient chassées de ma vie au nom puissant de Jésus. Que tout maléfice qui m'ont été jeté pour me faire souffrir émotionnellement soit détruit. Au nom de Jésus, soit détruit. Tout maléfice qui m'a été jeté pour me faire souffrir émotionnellement, soit brisé. Que tout maléfice qui m'a été jeté pour me rendre esclave, soit brisé au nom de Jésus. Tout maléfice qui m'a été jeté, soit brisé au nom puissant de Jésus. J'ordonne à l'esprit qui exécute les maléfices qui m'ont été jetés d'être consumés au nom de Jésus. J'ai détruit le pouvoir de tout maléfice qui m'a été jeté. Je consume maintenant les émotions charnelles et sexives et expulse les esprits qui les provoquent de ma chair. Je consume les émotions excessives, la dépendance émotionnelle, les émotions excessives au nom de Jésus. Je détruis et j'annule les ordres du monde des ténèbres. Je détruis et j'annule les œuvres du monde des ténèbres. Je détruis et j'annule les programmes de la mort, les programmes de la vengeance du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Je brise la vengeance du monde des ténèbres. Je fais échouer leurs plans et leurs projets. Je brise la vengeance du monde des ténèbres. Je brise et j'annule tout ordre qui a été donné à mon esprit.
Tout ordre qui a été donné à mon âme, je brise au nom de Jésus. Il est écrit, donner des ordres, ils seront sans effet. Tout ordre qui m'a été donné par les hommes et les femmes, soit nul et sans effet. Tout individu qui me donne des ordres à travers des prières mystiques, des prières maléfiques, je brise tes paroles, je brise ton emprise, je brise tes paroles. Tout homme, toute femme qui me donne des ordres à travers des incantations, des rituels et offrandes démoniaques, je brise ton emprise, je brise ton emprise, je me détache de toi, je brise. Les commandes du monde des ténèbres. Tout individu qui me donne des ordres, je brise ton emprise. Tout individu qui brûle des feuilles, des herbes mystiques pour me contrôler, je brise ton emprise. Je neutralise toute revendication de ma chair et je détruis les paroles et les rituels de la manipulation. Je détruis les paroles et les rituels de la manipulation exécutés contre moi, éloge et qu'ici. Je détruis et j'expulse de ma vie toutes les forces. Toutes les forces des ténèbres, tout ce que les forces des ténèbres ont placé dans ma chair, ont placé dans mon esprit, je détruis tout esprit qui a été envoyé par le monde des ténèbres pour prendre la place de l'esprit de Dieu, soit chassé, tout esprit charnel, tout esprit mondain, tout esprit démoniaque qui a été envoyé dans mon corps, dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma chair, soit chassé. Au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a des gens qui sont agités que par des mauvais esprits. Nous terminons dans 14 minutes. Bien-aimés, il y a des gens qui sont agités par des mauvais esprits. La Bible dit que quand l'esprit de Dieu s'est retiré de Saül, un mauvais esprit venait de Dieu pour l'agiter. Toute personne qui a un esprit spirituel aspire aux choses spirituelles. Mais quand une femme ou un homme est charnel, je vous dis la vérité, les choses spirituelles, ça ne les intéresse pas trop. Une personne qui est charnelle, en fait, c'est l'esprit mondain. Voici pourquoi la Bible parle des choses de l'esprit, des œuvres de l'esprit. On dit que celui qui est animé par un bon esprit a l'amour, la paix, la joie, le pardon, la tempérance. Les choses spirituelles t'intéressent. Mais celui-là qui a l'esprit de la chair. Bien-aimé, que le monde, distraction, histoire, querelle et autres. Bien-aimé, comme nous avons quelques minutes pour terminer, on ne va pas gaspiller ces minutes à bavarder. Tu vas prier. Dis avec moi, je détruis et j'expulse de ma vie ce que les forces des ténèbres ont planté dans ma vie. Tout ce que les forces des ténèbres ont planté dans ma vie, je détruis maintenant et j'expulse. Tout ce que les forces des ténèbres ont planté dans mon âme, planté dans ma vie, planté dans mon corps, planté dans ma vie, tout ce qu'ils ont planté depuis des années, tout ce qu'ils ont semé, au nom de Jésus, je détruis et j'expulse de ma vie toute paranoïa que les forces des ténèbres ont planté dans mon esprit. Et je chasse tout démon qui les exécute au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui les exécute. Toute paranoïa qu'ils ont plantée en moi. La paranoïa soit dégagée. La peur, la crainte qu'ils ont plantée en moi. La paranoïa, la peur, la crainte. Une crainte excessive. Une peur excessive. Une suspicion excessive. Je détruis la suspicion excessive dans le cœur des enfants de Dieu. Dans le cœur des femmes. Dans le cœur des hommes. Dans le cœur des femmes. Au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de gens ont cet esprit-là. L'esprit de la paranoïa. Ils soupçonnent le mal à tout bout de champ. Il y a des femmes qui ont cet esprit. Il y a des hommes qui ont cet esprit. Bien-aimés, l'esprit de jalousie vient de l'esprit de paranoïa. L'esprit de jalousie vient de la paranoïa. Tu soupçonnes tout pour toi. Il n'y a pas de tranquillité en toi. Il n'y a pas de stabilité émotionnelle et sentimentale. J'ai dit la vérité, bien-aimé. L'esprit de paranoïa fait qu'on soupçonne tout le monde. On soupçonne le mal à tout moment. Voici pourquoi nous les hommes, parfois nous sommes jaloux. Parfois même ta femme est en train de parler au téléphone. Tu t'imagines qu'elle est en train de parler avec un homme. Ton mari est en train de parler au téléphone, déjà dans ta pensée, tu as déjà
déterminer avec qui il parle. Pourtant, peut-être que parfois il est juste en train de répondre à un frère, à une sœur. La paranoïa. Ça crée les soupçons. Ça crée l'instabilité émotionnelle. Ça crée une peur imaginaire. Ça pousse les gens à commettre tellement d'erreurs dans les relations. Parfois même tu accuses les gens des choses qu'ils n'ont jamais faites. Tu soupçonnes tout le monde. Tu as peur de tout. Tu vas détruire le pouvoir de l'esprit de paranoïa au nom de Jésus. Je brise maintenant tout esprit derrière la peur, tout esprit derrière la haine, tout esprit derrière l'inquiétude, tout esprit de dépendance, tout esprit de paranoïa dans le nom puissant de Jésus. Je détruis et j'expulse de ma vie toute peur que les forces des ténèbres ont semé dans ma vie. Toute peur qu'ils ont plantée dans mon esprit. Je chasse la peur de mon esprit. Je chasse la peur de mon cœur. Je chasse la peur de mon âme. Je chasse la peur, le stress, la peur, l'inquiétude, la dépression. Je vous chasse, 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 je vous chasse. Au nom puissant de Jésus. Je détruis et j'expulse de ma vie tout stress que les forces des ténèbres ont planté dans mon esprit. L'esprit de paranoïa, le stress, la jalousie, la haine. Je vous détruis pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Répétez avec moi. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Je crucifie ma chair. Je crucifie la faim. Je crucifie les démons. Je les lis au nom de Jésus. Je les enchaîne et je les tranche par l'épée. Je les broie et je les détruis. Je les consume et je les détruis au nom de Jésus. Tout autel bâti en moi par le monde des ténèbres soit détruit. Que l'autel soit détruit. Que l'emprise soit brisée au nom de Jésus. Tout démon de paranoïa soit chassé. Je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. Que tous les désirs malsains en moi meurent. Que toutes les pensées malsaines en moi meurent. Que tous les désirs malsains en toi, bien-aimé, meurent. Que l'instabilité émotionnelle que tu es en train de vivre là soit neutralisée. Que l'instabilité sentimentale que tu es en train de vivre là soit neutralisé. Que l'instabilité émotionnelle que tu vis tous les jours, la peur, la crainte, tu vis constamment dans la peur, tu vis constamment dans les soupçons, tu vis constamment dans l'inquiétude, tu vis constamment dans des histoires que toi-même tu ne peux même pas comprendre. Que Dieu fasse disparaître ces choses de ta vie. Aie une vie normale maintenant. Dis avec mon Seigneur, je veux vivre une vie normale. Je ne veux pas vivre constamment dans l'inquiétude, dans la peur et dans le stress. Seigneur, je veux vivre une vie normale. Je veux vivre une vie normale et non une vie influencée par le monde des ténèbres. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre une vie normale. Seigneur, je veux mener une vie normale. Je veux vivre une vie normale. Bien-aimé, dis, Seigneur, je veux vivre une vie normale. Je proclame que j'ai ma délivrance. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie, bien-aimé, prions. Je te loue, je te rends gloire de nous avoir permis de crucifier la chair, de nous avoir permis de prier, de nous avoir permis vraiment de nous délivrer des œuvres de la chair, de faire mourir le vieil homme de la chair. Les œuvres de la chair, les désirs de la chair, les œuvres de la chair. Merci Seigneur de nous avoir donné la victoire, la chance, la faveur et la grâce. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Je te loue et je te rends gloire. Je plonge mon âme, mon esprit, mon corps dans le sang de Jésus et j'enveloppe avec le feu du Saint-Esprit. Je te loue et je t'adore, je t'exalte et te célèbre. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés, notre séance d'enseignement et de prière est terminée. Il y a des jours de cela, j'avais promis aux enfants de Dieu que j'allais enregistrer une prière pour crucifier la chair.
C'est exactement ce que je viens de faire. Quand tu dis quelque chose, peu importe le temps que ça prend, il faut le faire. Parce que quand tu parles, bien-aimé, tu n'es pas la seule personne à parler. Le ciel t'entend. Amen. Le ciel t'entend. Le ciel t'entend et tout le monde t'entend, même les esprits. Si tu ne fais pas attention, tes paroles peuvent se retourner contre toi. C'est pour ça que quand tu dis quelque chose, bien-aimé, il faut la faire. Dieu sera fier de toi. Sois béni, sois protégé. Que tout pouvoir qui va t'attaquer, utilise le visage de tes proches, de tes pasteurs, de tes serviteurs, de Dieu que tu aimes beaucoup, que tu suis, pour venir te tromper, que ce pouvoir soit décapité. Que la puissante main de Dieu soit sur toi, bien-aimé. Sois béni. Soyons bénis. Soyons bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis. Nous avons terminé. J'espère que cette prière vous a fait du bien. Voilà, si quelqu'un aime ce que nous faisons, vous pouvez aussi soutenir notre ministère. Vous pouvez nous aider. Nous avons conclu. Nous avons terminé. Je vous dis, soyez bénis. Vous avez mon numéro de téléphone. Si quelqu'un veut acheter des livres ou nous soutenir financièrement, pour que nous continuions à vous donner des prières, cela va nous faire énormément plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette prière. Mais notez bien que les prières pour crucifier la chair, ce n'est pas des prières qui se font une fois. Il faut le faire jusqu'à ce que la chair soit soumise et qu'elle ne vous dicte plus ce que vous devez faire, mais qu'elle vous obéisse. Désormais, mon souhait, c'est que dans les foyers, ce n'est pas une pression démoniaque qui va vous pousser à coucher ensemble ou à aller ensemble en tant que personne mariée. Mais c'est vous-même qui décidez de votre plein gré. Parce que lorsqu'il y a des pressions, des tentations fortes derrière, ça veut dire que Satan est caché derrière. Il cherche à voir vos étoiles. Soyez prudents, mes bien-aimés. Ça a été long, mais moi, j'aime bien ça. Soyez bénis. Soyez bénis. Que l'honneur et l'adoration reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Amen.